Ça marche pas? Est-ce qu'on est en train de planter? Je peux pas aller sur... Covid, on aura l'info sur Kinvey. Messieurs, dames, voilà. Bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Ça fait quoi ce soir? Ça joue à mal. Petit MK. Petit MK, bien sûr. Moi, j'ai quelqu'un dans mon chat qui a dit je l'ai vu et c'est faux. Ouais, j'avoue. Et ben, on a vu les infos finalement. Ok, si je fais pas premier, je mange ma table. Ok. Il n'y a toujours pas eu plein de Donut 3. Hein. Je suis toujours qu'à 30% de mes capacités là. Ouais. Il y avait Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir Ultia. Ça va hein? Oui, et toi Ultia? Oui, bien sûr. Hein. Ok. Attendez, je change le titre du stream. J'arrive. Je sais pas ce que fait Flore. Hein. Faudrait que j'augmente le son d'Antoine. Ouais, pareil. Est-ce qu'elle a l'autorisation de venir sur le channel ici ou pas pour... non, c'est absolument hors de question qu'elle mette les pieds ici. Bien sûr. Non mais du coup, oui. Après, est-ce qu'elle a les droits? Je sais pas. Bah, si elle est jamais vue, mais... je pense pas. Mais elle a les angles. Putain. Attends, je vais lui dire. J'espère mourir bientôt. Mets-toi dans un salon sur le Discord de Ponce. Il te déplacera dans le bon salon après. Et voire même, vu que j'ai des modérafleurs d'une qualité exceptionnelle, il est fort des probable... Des modérafleurs. Mec, je peux plus traîner avec toi si tu dis des trucs comme ça. Ah bah modérafleurs, ça fait un petit moment, effectivement. Mec, je peux plus traîner avec toi, c'est plus possible. Non, y'a aucun problème. Y'a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pour les 9 mois de sub. J'adore les fleurs. Ah. Enfin, j'adore. Et du coup, pas les modérafleurs. Bah, si, bien sûr, j'adore ça. J'adore ça, absolument pas honnête. Si, j'adore, c'est énorme. Black Yoshi est en train de join. Non mais on va faire une super pistolet pour une fois. Manque de bol pour le prime. Dr Tank pour l'année de sub. Sensei pour les 7 mois. King Gaps pour les 3 mois. J'ai jamais dit ça de ma vie. On est les camarades sœurs, ça te plaît? Tu nous l'as dit, tu nous as dit maintenant. Ah mais Florence, t'es là? Oui, je voulais pas vous couper. Ah bah bonsoir. Bonsoir, je voulais pas vous couper, vous étiez dans vos... Bonsoir. Bonsoir. Une discussion absolument très très importante. Ah bah oui, il va aller dans justement, raison de plus pour pas. Moi j'entends pas Florence. Ah bon bah. Ah putain, je le sais pourquoi. Tu l'avais mis pour un défi. Ah, c'est gênant. Ah mais je l'avais mute parce que je la déteste. Non, c'est gênant là. Je la déteste. En fait, je la déteste, j'avais oublié, je l'avais mute pour ça, pardon. Mais non. C'est juste un partenaire commercial comme tous les autres streamers. C'est Jax le gamer pour les 2 mois de sub. C'est pas ça. Taisez-vous! Bon, alors attendez. Pardon. Oulala. Bah, je bouffe ma table. Vas-y. Est-ce que vous pouvez calmer, s'il vous plaît? Ah merde, ça lui fait mal. Excusez-moi. Désolé. On quitte du coup ou pas? Oui, on quitte, attendez. On attend que Ponce y crée. Ponce, tu crées? D'accord, je crée, pas de problème. Merci beaucoup, Ponce. C'est un grand plaisir. Merci à Jajarbing pour l'année de sub. Francky Vincent, le restaurant. C'était un rêve à réaliser. Je me suis éclaté la main. Mais comment t'as fait ça, Étoile? En fait, j'ai voulu manger ma table. Allez! Énorme. Bien sûr. Oh putain, c'est ma main gauche, ça casse les couilles. Mais mec, bro, t'es con? Je suis injouable ce soir, Antoine, je suis injouable. C'est vrai? Je suis pixel perfect sur mon déplacement. On dirait Lewis Hamilton. Lewis Hamilton? Ouais. Oh, il a mis le ton là. Ouais, le ton rose. C'est pas mal ça, mon cher Ivan Zweig. Moi je vous préviens, je suis totalement à chier sur Mario Kart. J'avais un petit niveau quand j'avais 13 ans et puis après ça, tout est parti quoi. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi forte que toi. Pourtant, j'ai vu Pont. Ouais, je me suis fait SO par Bigard tout à l'heure sur ma musique. Incroyable. Sur Twitter. C'est vrai? Ouais, complètement. Incroyable, j'ai même pas vu. Ouais, complètement. Ouais. C'est vrai qu'Antoine, j'ai été très surpris de ta capacité à répondre sur sur le truc des compositeurs japonais. Je trouvais ça exceptionnel. Mais je suis passionné par ça aussi. Depuis mon plus jeune âge. La room est créée, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Tout à fait, Ponce. Ça va, Ponce? Ouais, tranquille, et toi? Ça va. Ça va, un petit ça va, ça de la Non, ça va, non, c'est tranquille, franchement, c'est ok. Ok, ok. C'est très tranquille. Okay. Tranquille. J'ai vu que là sur Hades, t'étais en chaleur 19? Même chaleur 20 maintenant.
Chaleur 20, wow, c'est vraiment beaucoup plus dur à ce que je... ça, c'est un peu compliqué, oui, on va pas se mentir. C'est un peu compliqué, ouais. Mais faisable. C'est Marmotte, pendant le The Event, il a fait la chaleur 32. Oui, c'est ça. Abusé. Abusax. Et c'est le max 32, non? Non, je crois que tu peux aller au-dessus, mais 32, c'est pour débloquer le dernier petit truc. Tu peux avoir. Est-ce que tout le monde est là? Non, Florence n'est pas là, je crois. Non, Florence, il manque Florence. Par contre, Florence, je ne l'ai pas en ami. Oui, mais à la JD, à la moi en ami. Et du coup, essaie de nous rejoindre dans le online. C'est bon, alors. Alors, sache qu'on ne fait pas de cadeaux aux débutants ici, Florence. Très bien. Il n'y aura pas d'objets donnés, de place donnée ou quoi que ce soit. Littéralement en train de mentir sur Mario Kart, là, à l'instant. Je suis en train de mentir, là. Alors, le maximum de chaleur, ce serait 64, quand même. 64. 63, le max. Faut que j'aille, quoi, dans Ami Adversaire ? Ami Adversaire, et dedans, t'as moi ou JD, et tu nous rejoins. Plutôt bon. Rainbow pour le Prime. Je vais afficher avec un drapeau, mais si tu vois Antoine avec le petit drapeau in-game, c'est bon. Oula. Oula. Alors, je cherche. C'est bon. Ah bah voilà. Et bon, on est tous là. Je pense que tu mets bien des personnages. Mais en direct ? Je vais tout donner. De quoi, Florence ? Ferrari, ici, là. Je me suis trompé avec le push to mute. Ok. Oh, la tête que t'as, Florence, je suis mort, ton mille est énorme. Non, ton... Quoi, qu'est-ce que c'est? C'est Ségolène Royal. On est d'accord. C'est Ségolène Royal. C'est une politicienne Poitou-Charentes. Vraiment. Je suis mort. Complètement. Oh, la bravitude. Oh, la bravitude. C'est vrai que c'est Ségolène Royal, hein, complètement. La bravitude, j'avais totalement oublié. Ah, la bravitude, bien sûr. Je mets IA difficile ou on joue que à 7? On joue à 7. Non, mais IA difficile. IA se glisse dans le classement, c'est marrant. Mets une IA dedans. Non, mais mets pas la Kitu, s'il te plaît, parce qu'il est trop chaud. Par contre, je la Kitu, il est trop fort. Je vous êtes chaud 48 courses? Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais go faire 24, comme ça on fait 24-24, c'est mieux, non? Ouais. Donc 48 finalement. Bah ouais, mais comme ça, tu sais, on a deux. Bon, ok, mets 24 pour faire plaisir à Etoiles. De reset le classement. Ça en fait un double. Comme ça, on reset. Je trouve ça un peu chaud, mais oui, comme ça, ça fait. C'est parti, messieurs, dames. 150 chacun pour soi, mode normal. Antoine, il y a la Etoile. Politique de Poitou-Charentes. Antoine, si tu réponds bien à cette question, tu vas être obligé de voter Plaine Donut 3, ok? D'accord, oui. C'est quoi la capitale de l'Espagne? Réponds pas. Rome. Je te trompe. Non, Adèle, mais... Je suis désolé, j'ai trop envie d'aller clubber. Trop envie d'aller. Tellement nul, mec. Trop envie d'aller clubber, désolé. Oh, t'as dit Rome, t'as confondu Italie et Espagne, c'est chaud. Mec, en vrai, pour un mec qui fait de la géo tous les dimanches. Mais j'avais trop envie de clubber les gens là. Après, c'est pas les cordonniers qui sont les mieux chaussés. J'avoue. Florence n'a pas pris de carte. Florence ne prend rien. Parce que je fais des réglages. Jure mon frère Pau. Quoi? T'as voté Plaine Donut. Bah ouais, parce que moi du coup j'avais la réponse de la capitale de l'Espagne. Putain, mais résultat, ça sera la prairie meumeux chez Angle Droit, quoi. Non, j'ai pas fait exprès, mais j'aime pas la prairie meureux. Oh non. La prairie meureux. Oh, ça dégoûte. On est bien clair, hein. Ok, t'as dit quoi, JD? J'ai dit on est bien clair, on le fait une fois maintenant, après Plaine Donut, on le revote. Non, on prend ce qu'on veut. Ah ok. Une fois les maps. Ok, les amis. Okay, ah bah non, sinon c'est... Faut que j'arrive. Oh, si j'arrive pas, je suis abattu. Non, on est obligé. Même la mine Wario, on peut pas la faire trois fois de suite, la mine Wario, peut-être. La mine Wario. Ouais, let's go, les gars. c'est trop marrant, Mario Kart, j'avoue. Non, mais non. J'avoue, Mario Kart, trop marrant, quoi. La fake pub, tu sais. Allez, let's go, les gars. Let's go. Let's go, les gars. Hop là. Bah merde. Je me fais attaquer par le Black Yoshi, super. Quoi? Pas du tout. Bro, c'est quoi cette calomnie là? Ça commence. Si, tu m'as mis un truc au cul. Bro, pas du tout. Voilà, bro. Malade, celui-ci met des trucs au cul des autres comme ça. Ça va pas. Ça te dit. Non, mais ça va pas. Oh, mais tu fais chier, Riven's Why! Du coup, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que Antoine ou encore Florence, est-ce que ça vous arrivait quand vous étiez petit de faire des spectacles gênants à vos parents ou ce genre de chiant? Oh, j'ai dû faire ça, oui. Je l'ai fait. Je le fais encore sur Twitch à l'heure actuelle, hein, d'ailleurs. Mais oui, effectivement. Mais tes parents ne regardent pas? Non, ils me renient, bien sûr, évidemment. Voilà. Soit je suis streamer sur Twitch, évidemment, que mes parents ne regardent pas. Non, j'avais. C'est fou, en plus, ils regardent. Ma cousine qui voulait tout le temps en faire, mais je trouvais ça très cringe, alors je disais non. Ah, tu trouvais ça cringe quand t'étais petit? Elle disait même, je veux pas le faire, c'est cringe malaise. Elle disait même. Malaise, putain!
C'est juste Malaise TV, cousin, là. Yes. Wow. Juste Malaise TV, en fait. Tellement... En fait, elle était en malaise. Non, mais en fait, je sentais que les adultes voulaient être sympas avec nous et faire genre... C'est bien, ah bah, Rivendi l'a pas senti, ça. Rivendi l'a pas senti. Ah, Rivendi l'a pas senti. Ah, non. Il a fait du bigard à 4 ans, là, je peux te dire. C'est vrai. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute. À 4 ans. Il lui crache dans la chatte, là. À 4 ans et demi, Rivendi. Mais attends, c'est pas à cet âge-là où t'avais gagné un concours de dessin, Rivendi, aussi? Si, c'est à cet âge-là. J'étais un enfant, finalement, bourré de talent. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis, Rivendi, du coup? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui s'est passé? Faire des kebabs. Bah, Florence! Oh, bah, merde! Bah, Florence! Bah, merde! Attends, j'essaie d'avoir des explications sur ce sketch de Bigard. Je vais essayer de rappeler Mère Rivenzi pour savoir si elle a besoin. Merci Crestock pour les 5 mois de sub. Cécilia pour les 3 mois. Mais elle dort. Non, mais à 22h Non, elle fait encore la Numba, je pense. C'est pas la Numba. On avait dit que c'était fini la bamboche pourtant, hein, les amis. Hein. La Numba. Excusez-moi. Ça veut plus rien dire. Numba. La Numba. On dit la Nouba, non? On dit pas juste la Nouba? Excuse-moi, c'est la Nouba, ça fait une Numba. Florence, tu prends une carte? Antoine, j'ai une question. Oui, Kia. Ah, pardon. Est-ce que tu fais la Nouba? Quelle tranche d'âge utilise le terme Nouba? Oh, plutôt des personnes assez âgées. Et ça fait ouais, mais café. Je savais. Café au carnaval. J'envoie un message à ma bande de potes pour leur dire pourquoi on disait Nouba. Ah, d'ailleurs, oui, ils t'ont répondu pour JPEP. Oui, ils m'ont répondu. Et certains l'ont déjà entendu, certains l'ont déjà utilisé. Certains, Ma mère me rappelle. Ah, mais en haut-parleur. Yolande, Yolande. Oui maman, je t'appelle, je suis en live. En fait, je discutais avec des copains et en fait, on parlait de nos spectacles un petit peu quand on était enfant. Et tu sais, je voulais faire un petit peu le point sur le spectacle avec de Jean-Marie Bigard que j'avais fait au mariage de mamie et papy. Ouais. Et en vrai, c'était bien ou pas? Parce qu'avec le recul, je me dis peut-être que c'était pas. Elle a raccroché, je crois. Que vous avez été gentil avec moi et finalement. Je sais pas, c'était bon ou pas? Le rire est gênant. Oui, bien sûr que c'était super. C'est mon souvenir. Hein. Ouais. Ah, attendez, donc c'était bien. Et on est d'accord que les gens avaient rigolé de bon cœur. Mais Rivenzi, faut te rendre à l'évidence, merde. T'as suffisamment grandi maintenant. Mais elle a perdu l'audition à quel âge du coup? Sa mère, elle a le script, hein, en réalité, c'est scripté. Elle parle. Attendez, elle dit quoi? Non, c'était bien mené, parce que les gens la connaissaient pas forcément. Ah. Ils étaient tous bluffés. Bluffés, ils étaient. Ah, le morceau. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup maman parce que les gens se moquaient de moi et disaient que c'était vous faisiez plaisir alors qu'en fait non, vous avez vraiment passé un excellent moment. Même si on se fait plaisir, après tout, le résultat est le même. Eh ben voilà, c'est vrai. C'est vrai. Oh là là. Là j'avais. Oh là là. Ah ouais? Ah ouais? Non, t'avais un an. Je sais pas, mais bon. Eh, il apprend, il a four. Ok. Ok. Bon bah écoute, ok, mais j'étais encore plus jeune finalement. Ok. Très bien. Non, mais c'était juste pour savoir ça, maman. Merci beaucoup de rétablir la vérité. Et qu'est-ce qu'il faisait, Jules, pendant ce temps-là? Ah ouais, c'était fort, maman. Attends, qu'est-ce qu'il faisait, Jules, pendant ce temps-là? Attends, les gens me demandent qu'est-ce que faisait Jules pendant ce temps-là. Jules avait fait un sketch aussi, je crois. La manivelle. Il avait fait un sketch sur un vendeur de chaussures, je crois. Ah, énorme. Mais c'était un texte original. C'était un texte original. Oui, c'était avec Sacha. C'était avec ma soeur. C'était ma soeur et mon frère avait fait un spectacle à côté. Moi, j'étais tout seul avec mon One Man Show. Personne veut faire du bigard avec moi? Ouais, c'était ça. Moi, j'étais tout seul avec mon bigard et eux, ils avaient fait un truc avec un vendeur de voitures. Je sais pas quoi. Putain, mais je fais de la merde. Ça régale. Horde. Si. Mais c'était vachement moins bien que moi, je me souviens. C'est tout ce que je sais. En tout cas, tu peux embrasser Yolan de notre part. En tout cas, tous les copains t'embrassent, maman est dans le chat aussi. Des gros bisous. Ça donne presque envie de. Gros bisous. Salut maman, à plus. Salut. Bisous. Salut. Rivenzi et Florence. Ah mais Rivenzi est au hôtel.
Ouais, j'étais à une main en train de jouer, j'étais en mode attends, c'est un peu compliqué. Ah, bah, voilà. C'est trop mignon. Eh bah voilà, je vous ai dit, elle était. Ouais, non, mais elle veut. Elle a dit que c'était bien mené. Non, mais Rivenzy, là maintenant on est entre nous là. Elle veut encore te faire plaisir. Elle se dit putain, mon fils est coincé à 4 ans et demi. C'est pas possible quoi. Mon fils est complètement con et n'a jamais été drôle. Et du coup, t'avais 4 ans et demi quand t'as fait le sketch de Bigard ? J'avais pas 4 ans et demi, je devais avoir 10 ans, un truc comme ça quoi. Et c'était quel sketch de Bigard ? C'était la chauve-souris ? C'était la chauve-souris, ouais. Bien sûr. C'était pas le lâcher de salope, non. Non, c'est. C'était pas le lâcher, bien sûr. C'était pas le lâcher de salope à 10 ans, non. Non, effectivement. Et, mais pourquoi, souviens, et pourquoi son frère il avait pas voulu le faire avec toi? Non, mais parce que c'est un one man show, du coup bah tu le fais pas à deux quoi. Il pouvait jouer que la chauve-souris, il avait pas envie. Florence, tu prends jamais de cartes en fait. Elle est mute. Incroyable. Mais Florence, t'es mute en fait, on t'entend pas du tout depuis tout à l'heure. Non, mais elle t'entend pas non plus. Ah d'accord, ok. J'entends une rediff de Ponce en boucle et je n'arrive pas à voir d'où ça vient. Quoi? Mais pourquoi il y a Ponce? Mais ferme ta gueule, Ponce. Je suis avec vous là. Ah mais t'es plus avec nous, Florence, en fait. Maintenant ça a fait une déco, ça a fait une déco. Mais qu'est-ce que t'as fait? Il y avait une rediff de Ponce en fond et j'arrivais pas à la localiser. Mais pourquoi il y avait une rediff de Ponce? Je sais pas, je trouvais pas l'onglet. Mais attends, mais elle joue dans un film français de merde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était la vidéo YouTube que j'avais lancée sur le Discord sans faire exprès en voulant rejoindre. Voilà. Ah. Ah. Mais du coup, est-ce qu'elle peut nous rejoindre comme ça ou pas? C'est une très bonne question. Ah, essaye et puis on verra. Sinon, on refait la room quoi. J'ai une déco en cours de route. Ah bon? Essaye de rejoin et si on peut pas, on. On l'a fait en 24 courses donc tu nous rejoins après les 24. Ouais, bien sûr. Tranquille quoi. Elle était trop drôle ta vanne, Riff. J'espère que ta mère va t'appeler dans une semaine. Oh là. Est-ce qu'elle est sub à ta chaîne ta mère? Je crois pas. Putain, ok, super. Alors qu'elle est sub à Canal, ça craint en vrai. Alors qu'elle est sub chez Ponce, quoi, ça dégoûte quoi. Ah oui, c'est T3, ça fait 42 mois. Bah, c'est très bien. Elle a le badge fondateur et tout, elle fait trop plaisir. Ponce, tu es une merde. Vraiment, tout ton discours de bienveillance, c'est faux quand tu balances des bombes comme ça. Quoi, tout ton discours de bienveillance, c'est faux. Aucun discours de bienveillance. Vas-y, continue à dire que t'aimes les fleurs quand tu balances des bombes. Mais qu'est-ce qu'il faut connard là. Oh, mais putain, mais stop, les gars. Bisous à toutes les fleurs de l'ombre. Les fleurs de l'ombre, tu leur mets des bombes dans le cul, c'est ce que tu fais. Bah, oh là là, étoile, arrête de dire la vérité. On se calme. Excusez-moi. Étoile, merde. Réveillez-vous, fleurs de l'ombre. Rebellez-vous. Rebellez-vous, mettez des fleurs. Bah ouais, c'est chaud. Allez, révélez-vous les pancréas de l'ombre dans mon chat. Ah mais putain, mais arrêtez de me lancer les rouges, s'il vous plaît, les amis. Tiens, pardon. Putain, mais arrête de me lancer ta plante de merde alors. Bah désolé, je la contrôle pas. Sale ambiance ce soir. L'ambiance est délétère ce soir. Délétère ce soir, délétère. Bah, c'était toi. Mais quoi? Je suis dans la sauce. Je rigole, je suis moi-même une fleur depuis 13 mois, je tenais à vous le dire. C'est vrai. C'est vrai? Ouais, ça fait 13 mois. C'est vrai. Putain. Bon, oh là là. Étoile est une fleur depuis 13 mois, donc ça veut dire qu'il a reset depuis 13 mois. Bah ouais. Ça se passe mal, moi. Hein. Moi, c'est une cata, cette course. Hein. Bah, moi, ça fait 2 ans. Que ça se passe mal? Non, je suis sub à ta chaîne. Ah, c'est vrai. Bah, moi, ça fait 4 ans. Sous que j'ai mis. Putain. Bah, quoi, moi aussi, je suis sub à ta chaîne depuis plus de 2 ans. Pareil. J'avoue. C'est plus Twitch qui est une cata. Oui. Oui, je suis. Florence, t'arrives à rejoindre ou pas? Je vais en profiter pour Florence. Attends, ça charge. Je te spectate, mais... ça charge, je suis en plein charge. Ah, je crois que c'est bon. Ah, parfait. Qu'est-ce que ce online... Ah, c'est bot à coup pour les 3 mois de sub. Layers pour les 4 mois. Regarde, Ségolène Royal est là. C'est bon, hein. Ségolène Royal est là. Envie de clubber. Bonjour Ségolène. Salut Ségo. Quand j'étais en 6ème, mon père il me disait que je ressemblais à Ségolène Royal parce que je mettais mes cheveux derrière les oreilles. Pourquoi il t'aimait pas, ton père? Il te déteste. Il te déteste. Bah, aujourd'hui, merci beaucoup, Étoile, pour le 13ème mois. Merci, mec. Dans scène de ménage. Merci, SFK Dance pour le prime. Il dit tu parles comme elle. Moi, mon père, il me disait que je ressemblais... Mon père, il disait que je ressemblais à Grotad Morph, là. Énorme. Le Pokémon. Ouais, le Pokémon, ouais. Énorme mon daron, quoi. Énorme, trop bien. Trop marrant, non. Mon père, il disait que je ressemblais à rien. Mon père, il ne m'a jamais parlé. Ouais, pareil. Peut-être calmez-vous, peut-être que c'est pas obligé de... Enfin, tout déballer comme ça, c'est pas la peine. Non, mais t'inquiète. Yes.
Excusez-moi. Ouais, allez, bon, let's go pour la course du coup. Ouais. Let's go les gars. Quelle ambiance ce soir les amis. Mario Kart. Délétère ce soir. Délétère. Quelle map de fou, plus sérieux. Oh, c'est vraiment une map Clacos, mon cher étoile, celle-là. J'aime trop cette map. J'ai toujours eu des goûts de merde, y'a qu'à voir mes amis. Très bien vu ça. Mais Renard. Compétition MK en live avec Ponce aux commentaires et Antoine meilleur, et Étoile en train de faire les analyses des maps. Franchement, elle est incroyable cette map. C'est mon rêve. Éclaté, je suis pas d'accord. Mais moi, tu sais qu'être à l'analyse desk avec Antoine et dire oh, cette map me rappelle des choses exceptionnelles, c'est tout ce que je veux. Non, mais c'est vrai. Bah, moi, ça me ferait plaisir. Oh non, JD. C'est pas cool ça, JD. Aux interviews. Mais du coup, vous êtes complètement merdé là, vous avez été nul. Médiocre. Allez, TTT, et on se concentre pour la prochaine. C'est ça. TTT. Let's go, les gars. Qui est premier? C'est Étoile. Mais mets la bleue, mets le bleu. Team Rayou. Et JD ferait des commentaires de Ponce, ce serait énorme. Oui, bien sûr. Merde, je suis vraiment une merde. C'est-à-dire, tu sais, après la game, il sera en mode ouais, Ponce, il a été génial, il m'a fait beaucoup rire. C'est le moment de la game. Pourquoi tu parles comme elle si tu sautes mon fort là après. Je rate tous les objets. Mais JD, ça te dirait pas d'arrêter de mettre ta banane dans mon cul? Oula. Bah, c'est ce qu'il vient de faire. Je prends des murs, c'est nul. Wow. Oh, ça m'a permis de dodge la bombe. Attends, mais Étoile est arrivée tellement vite. Parce que je suis le fast. Je passe tellement pas un bon moment. Je suis the right. Tiens, voilà, on se calme de suite. T'as touché personne en fait. Si, Antoine. Non, ça non, a touché non. Juste ma rouge. T'es ah merde. Pas et c'est toi qui est venu au contact, hein. Non, allez, non, c'est toi. Qui est venu au contact. Super, JD. Bah, y'a pas de problème, je t'en prie. Super. C'est bleu pour Étoile là. Tiens, j'en ai déjà pris une. Non, mais une deuxième là. Putain, mais ça me saoule. Ça me saoule. Je pense qu'il doit être trop bien ce parc d'attractions. J'avoue. C'est par le bonheur. D'ailleurs, putain, s'il y avait... Lolande. Bah ouais, bien sûr. C'est pas possible. C'est moi qui t'ai pris. Si on devait vivre... Pas quand même. On a vu cette discussion la dernière fois, si on devait vivre dans une map Mario Kart, et moi je pense que je vivrais soit dans le parc Glouglou... Pourquoi tu bouges pas de la... Attends, pourquoi tu bouges pas, Florence, là? Dans Prairie Meumeu. Moi, ça, j'arrive pas à faire la marche arrière. Oh, putain, c'est pas vrai. Non, sérieux? Mais ouais, attends, ouais. Est-ce que des fois tu lâches la manette pendant plus de 20 secondes, genre... Non mais attends, mais là j'essaie de faire des trucs quand même, je vais pas give up, j'essaie de faire une marche. C'est Morgane pour les deux mois de sommeil. Souvent, le jeu te déco quand vraiment tu touches plus au truc. Quand t'es trop mauvais, ouais, bah je suis pas dans la merde. Écoute, je suis navré. Ah, désolé. Est-ce qu'on dirait pas en haut de sa voix, là? Ah, d'accord. Moi je vais faire un petit Big Blue. Moi je veux cluber depuis tout à l'heure. C'est vrai que ouais. Tu clubes, hein. On pourrait aller à la descente givrée, moi, de mon côté. Mais la descente givrée, elle fait toujours... En fait, toutes les maps qui sont sélectionnées, sont toutes trop bien, sauf la route du dragon de Seymour, qu'a pris JD. C'est vrai. Oh, l'envie de cluber. De Seymour. Oh, Florence la clubeuse. T'as complètement. Je club. Oh, ouais. Vous savez que la voix française de la voix française de Mulan, bah, c'est Liliane de Scène de Ménage. Oui, mais après, son mari aussi, c'est un grand doubleur aussi dans Scène de Ménage, j'ai oublié le nom du comédien, le chat va me le rappeler, mais c'est des grands comédiens de doublage, oui. Bah, et puis la vieille dans Scène de Ménage, c'est la voix de Loïs dans Malcolm aussi. Ah bon? Oui, 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 la... Frédéric Bourali. La meuf. Gérard Hernandez. Oui, Marion Gamme. Putain, je lis le chat, et putain, mais je veux... Ok, il faut que j'arrête. C'est la meuf qui fait Loïs dans Malcolm. Ah, je savais pas. Ah ouais. Yep, yep. Thank you. Je l'aimais trop quand j'étais petit, Loïs. Ouais. Et après, non. Voilà. Ah bon? Ok. Ouais. Elle est trop stylée. Bon. Non mais oui, le personnage est stylé, c'est vrai. Bon, il faut que j'arrête. Je fais de la foule de la merde. Non, mais non! Attention, le cut qui rend heureux. Il y a un cut qui rend très très heureux. Dans ah oui, je sais toujours pas bien le faire. Attends, Antoine, tu regardes le chat, mais tu restes meilleur que moi qui regarde que mon écran. Quoi? Ah, vachement bien, Étoile, je vais essayer de le faire. Attends. Il y a eu la première fois de ma vie que je rate ça. C'est vraiment la première fois. On l'a vu, c'était incroyable, Max, cette affaire. Oh bah la bleue. Oh bah c'est le destin. C'est le destin, c'était pour pas que je prenne la bleue. C'est le destin. C'est moi qui ai lancé la bleue. T'es fier? Non, pas tant que ça, faut voir. Tu peux balancer tes murs, Rivenzi, s'il te plaît? Putain, Rivenzi! Rivenzi première actuellement! Putain, mais. Arrêtez, laissez-moi tranquille!
Et Antoine, ça va. Ça va, tranquille. Ouais. Allez. Ça fait quoi, ça fait par des potes, je crois. Je prends le cut. Putain, il y a un cut que je ne connais pas, ça dégoûte. J'ai pas eu d'objet pour la fin, c'est non pas moi. Ah non, j'ai rien non plus. Ah, qu'est-ce que c'est qu'elle va spam une rouge là? Si, Ulti, elle est là quand même. Non, pas moi. Okay. Ah, j'ai tout donné. Dommage, j'avais pas de champignons. Tout donné. Mais non. Tout donné. Putain, mais toi... Tu sais qu'elle backspam juste pour savoir. Je sais pas, c'était peut-être... Ça va aller, Florence. Parce que Bowser était devant toi. Ça va aller, Florence. Ouais, ça va aller, t'inquiète. Mais t'as plus trop collé ou pas? Ça m'a enlevé tous mes points. Oui, ouais, tous tes points. Non, j'ai les 3 points moins supprimés. Ah, on joue les 3 points. La partage, c'est les 3 points. Mais ça, on le dit souvent, mais Ultia devrait faire du doublage de dessin animé. Mais en fait, t'as une très bonne voix, mais t'es pas comédienne en fait, Ultia. C'est ça le gros truc. C'est aussi. Exactement ça. Voilà, comme vous pouvez l'entendre. Comme vous pouvez l'entendre, ses talents de comédienne sont à chier, quoi. Exactement. La descente Jive. Allez. J'adore la descente Jive. J'adore aussi. Là, je joue avec la Coxy, Coxy Auto, je sais pas quoi, c'est marrant en vrai. T'as quitté la scoutinette ? Bon, non, mais genre juste depuis aujourd'hui quoi, pour rigoler. Mais c'est pas mal en vrai. D'accord. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu disais, Ultia ? Je disais que je pense que c'est la question qu'on pose le plus. C'est juste une blague. Est-ce que t'as fait du doublage, ouais. Ouais, ok. Du coup, c'est devenu une commande. Oh merde! Oh, oh ça m'a poussé, vie, on oh, c'est un ça. Enfer! C'est vrai? C'est un enfer. Oh, par contre, j'ai un départ de fou. Non, mais ma vie est naze, ma vie est en naze là. Parce que je pense que c'est un truc où les gens sont assez sensibles sur Twitch, c'est tout ce qui est question un petit peu. Un peu deep sur le doublage, et trucs comme ça. Enfin, moi je connais assez attention, peu de gens qui s'intéressent à quand je leur dis putain, j'ai rencontré un mec qui fait cette voix là, et les meufs sont en mode oh, ok, bon, d'accord. Ah oui. Aux F sur 20. Je sais pas. Je suis derrière toi, étoile. Hein. Let's go. Sur tes talons. Oh là là, c'est le pire cut et tout. Bah c'est vrai que c'est pas simple. Ça me rend. Ah. Toi. Plus maintenant. Re maintenant. Ouais, peut-être. En vrai, peut-être que je vais revenir sur la scoutinette. Je sais pas, mais c'est marrant de changer aussi les freins. Oh non, pas ici. Antoine. C'est le pire. Oh, dans la rivière. Oh là là, c'est horrible. C'est un bot ou pas Antoine qui a balancé in the river. Je pense. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un bot qui s'appelle Angle Droit ou pas? Oh les bots. C'est toi qui a balancé ou pas? Ok, la foudre. Ouais, ok. Non. L'éclair d'électricité. J'ai perdu mes 3 champis, alors m'accuse pas pour rien. Okay. Ah, putain, mais pensez quoi? Mais c'est quoi cette indignité? Hein? Ouais. Non, mais je te vois arriver dans le ciel. Bah, bien sûr. Ça débarque. Mais quand on débarque sur la piste, on est venu. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Oh t'sais, ma journée sur la piste. Hop. Putain, JD. Oui, bon, hein. Voilà, la défense. Oh, quel emmerdement! Oh, Ultia! C'est dégueulasse! YOLO! Attends. Vas-y, pense! C'est pour toi? Non. Je l'ai vu. Mais là, tu vas agrandir avant moi. Ah non, mais t'es un enfer, Antoine! Oh, toi! Des Oponce! Bien joué! Oh, non, ma verte! Non! Oh non! Vous chantez si bien que vous allez vous faire DMCA. Ah merde! C'est bon! Ah merde! Je suis dégoûté! Je suis dégoûté. Ouais. Allez, ça remonte, Florence, là. Oh non. De toute façon, Florence, plus tu vas jouer, plus tu vas devenir meilleur. C'est bien simple. Oui, ça c'est logique. C'est vrai, c'est logique. C'est logique, ça semble être effectivement assez mathématique, ouais. Ah, si c'est une show pour le Prime. Ah, ouais. Merci beaucoup. Ah oui, la scoutinette. La DS. Ah, c'est une Woog pour les 4 mois. Ouais. Oh, la voix céleste qui fait plaisir, là. Hein? Non, mais je joue sur DS, sinon, si tu veux. Ouais, je vais faire ça, ouais. Bien sûr. Putain, là en vrai j'aime toutes les maps sauf Route du Dragon. Voix Céleste elle est trop. Pareil, exactement la même que toi. Route du Dragon c'est une des worst maps je trouve.
Après, j'ai trop de mal avec Umtiti, je la run très très mal. Je trouve qu'elle demande, elle est très technique comme. Ah, moi j'aime bien laquelle Umtiti. Samuel Umtiti. Samuel Umtiti. Samuel Umtiti. Samuel Umtiti. Énorme. C'est une Ishkar pour les 14 mois de sub. Et toujours pas de clubbing. Comment il s'appelle Big Blue. Comment il s'appelle Big Blue. Que ça démarche comme Mutiti. Pas du tout. Putain. Au secours, mais au secours, les gars. Non, mais au secours. C'est ultra malaise là ce que vous faites, les gars, là en fait. Hein. J'avoue. C'est ultra cringe malaise. Cringe. Hashtag cringe, hashtag malaise. Comme Florence qui voulait pas danser sur du Gwen Stefani quand elle était petite. Non, là, c'est ça. Parce que c'était trop cringe malaise. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Merci beaucoup Antoine. Vous savez que nous on allait très loin avec mes cousines pour ce genre de spectacle. Que après on faisait faire des sondages pour savoir s'ils avaient apprécié le spectacle. Oh, vous étiez casse-couille jusqu'au bout quoi. Déjà on était obligé de regarder votre spectacle de merde et en plus il y avait des sondages pour savoir si on avait apprécié quoi. Tranquille merde. Et comme il y avait personne qui nous répondait, on écrivait des faux sondages. Ah là 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 là, ok Donald Trump quoi. Aime ça. Ah ouais. Oh putain, wouh. Pas passé loin celui-là. François Fillon a apprécié le spectacle. T'as ruiné ma vie Antoine. Et Rivenzi t'as ruiné. Non. Oulala. Ouh, oup, 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 oup. C'est mérite. Mais ah. Let's go. Laissez-moi juste avancer en fait. Ouh là là, compliqué. Je pète un plomb actuellement. Par contre JD, s'il y a pas de bleu, il est solo monde comme Corneille. Oh non. Ouais mais en même temps... J'ai pas d'objet là. Mais je tombe au seul endroit où... Non, je suis deuxième et l'objet que j'ai, il est pas très intéressant, je vais pas te mentir. Si, quand même. D'accord. Une petite verte là quand même, ça peut... Non, mais il est à 3 km. Ah ouais, là, 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 là. Il va le mettre derrière. Prendre les boosts. PF. Oh non... Quoi? Mais étoile, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le piège à con. Et qui est le piège à con, comme on l'appelle. Je suis dégoûté. Peut-être qu'ils vont se faire avoir par le piège à con, non. Les champis, là? Ouais. Non, non, non. Ah non, mais je suis trop con. Attends, mais elles sont pris quoi? Oh là là, allez, c'est serré. Non, non. Oh connaré. Espèce de connaré. J'ai backspam. Bah ouais, mais mec, en même temps... Oh oui. Oh oui. Oh non. Oh, non. Oh il a tout, Antoine. Allez, hop là. Oh non. Antoine. Oh non. J'ai tellement de temps. Ça lui. Sent très bon pour Antoine. Non, Rivenzi le con. Oh, let's go. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Comment t'as fait? J'ai la merde! Ah bon, j'ai sauté deux. Merci ergonomique pour les 4 subs offerts à la communauté, merci beaucoup! Très généreux de ta part, merci beaucoup! Si, si! L'actionnaire est plus à l'étoile! Je fais Matrix! Plus aucun doute! Pas mal du tout! Incroyable! Et peut-être les points de anglo droit là-dessus! Allez, let's go! Je suis abonné à la 9ème place! 5ème tout du long! On prend les 10 points! Je hurle. Moi je veux clubber surtout. Tu l'es. Tu veux que je vote club aussi? Ah bah tu fais ce que tu veux mon cher pompon. Merci le Tox pour le sub. Tu l'es. Oh ça veut clubber un max. Énorme. Allez ça club là. Moi je suis. Oh non 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 là. On va. Bah, moi je club mais dans un club un peu plus jazz. Un peu plus jazz. C'est vrai que c'est plus jazzy. Plus lounge. Plus ça. Piste musicale, c'est un peu un bar où tu t'as lounge. Merci. Tu t'as lounge. Oh. Non, pardon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Merci Kuro Fipito pour les 100 bits. Et merci à tous pour le train de la hype. Une Mercedes là. J'ai fait de la merde. Ou un to do de Nuba. Oh petite tisane avec Sky Coca à côté avant. Petite Merco, tu connais. Petite Merco. Je fais que changer de voiture, c'est infernal, j'en peux plus. Qu'est-ce que les gars? Non, je suis trop dégueu. Un peu parti. Un peu jazz, je rentre dans la boîte. Jazz, histoire d'oublier un peu l'histoire, le cours de ma vie. Pam padam, pam padam. J'ai tous les standards de Duke Ellington, tous les standards de Duke Dayton, Duke Dayton, Duke Dayton, Duke Dayton, Duke Dayton, Duke Dayton. Mais ferme-la, Michael Jackson! C'est super incroyable! C'est pas la même!
Mon frère mais Antoine, plus, j'ai pas la ref. C'est musique quoi, donc y a plus... Ça écoute pas du Michel Jonas ici? Oh. Michel Jonas. Il a fait un feat avec avec Black M. Avec Daft Punk. Ouais. Ça me fait trop rire, je suis allé dans le beat. Oh, c'était mérité. Aucun objet. Oh là là, j'ai rien pris. C'est la cravatastrophe. Quoi? Oh le catch. Ça, je pense que c'est incroyable. C'est Marc-Edouard. Horrible cette bagnole, c'est un enfer absolu. Non mais ça met bon. Pense s'il est en train de tourner un clip là, il a sa Merco. Ah mais gros, je suis dans ma Merco Benz actuellement, j'en peux plus. Tu zoom zoom zoom. Ah bah là, dans ma Benz Benz Benz, mec. Oh je suis pas là, j'ai vu arriver sur toi instantanément. Oh. Oh le gars. Oh mais en fait je peux pas, je peux. C'est injouable cette merde. Injouable cette merde. C'est super relatif un pont, parce que c'est pas vraiment à toi, quoi. Ça dépend vraiment de ta conduite, en fait. Ouais, complètement, quoi. Si t'as un mauvais gameplay, t'auras, c'est sûr, une mauvaise conduite. Mais en fait, je peux pas prendre de virage serré, enfin, c'est vraiment un enfer. Oui, je c'est de la faute du véhicule, on la connaît, t'inquiète. Oh là si, si, je vous jure, c'est... C'est vraiment la faute du véhicule. Vas-y, Florence. Bah, Florence, ça va. C'est moi qui vous ai mis l'éclair et je me suis fait écraser par une note deux fois là. Ah bah ah, le karma. JD balance ensuite tes deux rouges là. Karma aide. Go JD là. Vas-y passe. Mais non JD putain. Oh non mais putain. Oh là là je suis avec Pompon quoi avec sa bagnole de merde. Mais gros j'en ai putain mais la bagnole de merde de Ponce quoi. Note blue. J'en ai marre. Note blue. Oula. Oh the blue one. Tiens voilà. Pas la blue. Voilà. Oh pas la blue. Oh l'erreur. Voilà, mettez-moi juste bien. Voilà, merci Nintendo, merci. Putain. Oh non Nintendo. Et toi la trop de lag, c'est incroyable. Non en fait, ouais. Non j'avais ma banane JD, je serais pas mort. Ouais on la connaît. Allez. Bah oui, j'avais ma banane. Wow, yeah, banane. Mais je me fais double à cause de ça. Désolé les gars. Merci KFTV pour le Prime Money Shot pour les 7 mois de sub, Kurofipito pour les 100 bits. Merci beaucoup. Je vais attendre la balade. Mais non. La banane. La balade des gens. C'est Naïsi, Nairis pour le Prime. Pas, mais ça suffit pas. Ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Ça va aller, Florence? Tu ne me parles plus. Ça va aller, Florence? Tranquille. Ça va, Flo? T'inquiète. C'est tranquille. Bon, on va pas clubber là, vite fait là? Si, on va clubber, c'est si, bon. Si, on va clubber. On va clubber sur une étoile ou sur un oreiller. C'est Zidrune pour le Prime. Putain, si ça tombe sur la route du dragon, je ne réponds plus de rien. Ah, ça va finir par tomber sur ça, c'est sûr, hein. Mais Riven's Why. Salut, mon pote. Il est où le club? Je suis posé dans le club en même temps. Normal. Pute. Je suis posé dans le club. Normal. L'important c'est essentiel. La chatte Inox tag. Oh là là, énorme. J'ai mon bol d'ébli. La 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 la. J'ai mon la bol d'ébli. Faudrait que je la prenne par cœur au bout d'un moment. Mon bol d'ébli. Il y a vraiment mon bol d'ébli. Ouais, c'est un remix. C'est un remix, il y en a. J'ai un background. J'ai une histoire, j'ai un background, j'ai grandi avec des gens de... On l'a déjà faite celle-là, hein, par contre. Non. Ouais, non. C'est vrai qu'on l'a déjà faite. Ah, Antoine n'était pas là. Okay, mais Antoine, celle-là, on l'a déjà faite, en fait. Non. Quoi, là. Tiens, tu fais vraiment un focus sur moi. Ah, Pompon. Nanani, c'est parce que je m'attaque au plus faible. Pompon. Oh, la punch. Allez, hop. Bon, je tire ça. Réel, sinon je m'attaquerai en gueule. Elle était belle, celle-là. De quoi? Elle a dit quoi? Quoi? Oh là là! Elle a dit quoi? Elle a traité toute la famille d'angle droit. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Elle dit ça parce qu'elle a plus de blush depuis plusieurs. Allez! Ah là 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 là! Mais ça c'est. C'est parce qu'elle m'a volé mon blush! J'ai volé son blush à la blush de. La connasse! Mais c'est juste énorme ce qui se passe! Attendez! Merde! Mais pas la bleue! Pas la bleue. Oh non, oh bah Riven's Why. Oh bah Antoine Daniel. C'est moi. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. tu peux pas savoir ce que t'as fait de mettre du corail depuis des semaines. Un petit éclair d'électricité là. Oh ma chérie, ça doit être très dur. Un petit éclair. Ma chérie. Oh non, Riven's Why. Ça te passe mal. Oh là, c'est une cata. Oh, c'est horrible.
horrible ce que je fais. Je fais une game horrible. Voilà. Oh non, mais c'est Ponce. Ponce. Bon, désolé, j'ai besoin de libérer un slot d'objet, c'est vraiment juste pour ça, Ponce. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. T'en avais... On avait dit qu'on parlait pas du physique, Ponce. J'avais besoin du slot d'objet. Aucun rapport avec le physique. Pas du physique, pour le coup, là, vraiment. Non, vraiment, c'est, je parle du gameplay, en fait, on est en train de jouer au jeu vidéo. Au JV. Oh non. Pas la bleue. Et en plus tu me backspam ça, ok. Mais j'avais besoin de le slot d'objet. Non mais très bien, très bien. Très très bien, très très bien. Oh mais le nombre de rouges qu'il a, j'ai dit. Attends, attends, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Pas fini. Et bah c'est fini. Ce n'est pas fini. Je suis une merde. Voilà. Voilà, non, tous. Voilà, Riv Andy, voilà, voilà. Bien joué, Riv. Dernier moment, je comprends pas. Ça aurait pu être mieux, hein. Mais Riv, c'était pas beaucoup. Merci Jean Castex Gaming pour les 100 bits. Et Eya pour les 4 mois, merci beaucoup. En fait, il faudrait qu'on reste derrière, en fait. On reste derrière. Non, mais vous. On reste derrière. On va enfin dépasser Wendy le bot. Et si on allait cluber, les amis, finalement? Moi, je veux. Petite route du drag. Mais ta gueule. La route du drag, quoi, putain. La route du drag, please. Et je suis posé dans le club. Y'a que des refs en fait quand on parle. C'est que des refs. Est-ce que si on passe la chanson de Michou, on se fait DMCA? Oui, je pense pas. Bah, moi je vais te signaler après, c'est comme tu veux. Bah... Au pire, j'aurais un seul strike à cause de Michou, quoi. Super, en 41, ça aurait été super, la réponse. Ah ouais, bah putain, oulala, directement. Directement, ça dit la vérité. Merci Spell Silver pour les 4 mois de sub, merci beaucoup. Est-ce que ça va club B? Si c'est le club, est-ce que c'est le club? J'ai ma musique. Oh, let's go, c'est bon, c'est le club. Allez, c'est le club. Ah. On est parti pour cluber, les amis. C'est le club de Roudragon, quand même, hein. C'est pas passé. C'est Wilker pour les 200 bits, merci beaucoup. Ça va à cluber. Ça va à cluber. Un max, c'est parti. Et tu lèves un bras. Ouais. Non, en vrai, je crois pas. C'est moi les boules de feu.
C'est toi, Antoine. Ouais. Bah t'as ruiné. On s'accroche. Putain, mais ça a duré pile le temps de la chanson de Michou, quoi, la course, incroyable. Et ça a été créé pour Wilkier. Ouais, le service Wilkier pour être sans vite. Oui, ça a été créé pour. C'était tout à fait thématique. Thématique. Non, c'est pas Kids United. Abonné à la 9ème place, c'est incroyable. Troisième place là, on savoure. Elle est comme ça, Harmonie, elle est au fond. J'ai repris ma scoutinette, je suis allé chercher une première. Le vrai gros duel de la soirée, c'est quand même Angle Droit versus Like It You. Je suis d'accord avec toi, effectivement. C'est la musique de Michou. Dans le club. Mais c'est trop tard, fallait l'écouter quand on était dans le club. Mais c'était vrai. Merde. Oh, j'aimerais dans bien jouer le club, Michou. Ah, j'aime trop non, ça. Non, mais arrête, fais pas genre. Ah, mais c'est le clip où il a fait sur un yacht et tout, là, oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Ça, vraiment, ça. Ouais, vraiment, ouais, il m'a demandé de le dépanner pour le clip, pour le coup. Et du coup, bah, tu sais, c'est à la cool, quoi. Alors, je l'ai écouté. Si vous voulez, hein. Non, mais du coup, tu vas faire qui strike, le met là tout. Mais pourquoi qu'il la remet là? C'est l'échelle de tout le monde là. Mais Rivenzi, tu veux pas plutôt mettre la Marseillaise s'il te plaît? Bah ouais. Non. T'aimes pas la France ou quoi? Bah. Hein, enfin, ma France. Petite Marseillaise, petite Marseillaise. Pas la Marseillaise. Hein. Alors, Ultia qui prend. Oh putain. Ah. Qui prend map aléatoire du coup pour refaire des maps qu'on a déjà fait. Ouais, c'est très mal. Il y a la Rivenzi, la Marseillaise. Tu es quelqu'un d'exceptionnel, je tenais à te dire. Ah, merci, c'est gentil. Bah, est-ce qu'on peut virer cette Marseillaise en fait? Ponce qui n'aime pas la France, ok, super. On rappelle que Ponce est raciste en plus. Hein, donc... T'es pas Jean Castex ou quoi, Ponce? Qu'est-ce ouais, qui se passe? Y'a un problème, Ponce? Après, je pouvais vous mettre l'hymne breton après si vous voulez juste derrière, ça me fait plaisir. Ah non, hein. Non, on parle d'hymne de vrai pays, Rivenzi, s'il te plaît. Waouh! Je l'aurais pas tenté. Du coup, je lui ai fait rater son départ à Rivenzi tellement je l'ai décontenancé. Vous pouvez pas dire que j'aime pas la France parce que j'ai des potes français donc. Ouais, bah. Et Antoine, en vrai, ce que tu viens de faire, j'espère que... Ouais, c'est-à-dire ? Ouais. D'accord, étoile, ok. C'est okay. Le suspense. Je ne mérite plus... T'es 2 heures, t'es en train de jouer, tu vas me dire que t'as... Tu viens pas nous le capter ? Non. Non, je l'avais enlevé pour mettre la musique de Michou vite fait, et puis bah... Tu voulais mettre la musique de Michou vite fait, quoi ? Super. Mario Kart, c'est pas... Véronique. Oh, bien, ça, oh putain là, bah, allez, là, je te check, Ponce, là. Check ça. Ah, là. Le vase Sanson. Le vase de Sanson. La tapisserie de Bayeux. Check ça. Morgane. On fait les bruits. Ouais, bien joué. Cette rouge, je pense. Ah putain, écoutez-moi ce gobelin quoi! C'est incroyable! C'est cool! Trop bah, c'était JD! Rimandi, tu peux me laisser passer s'il te plaît? C'est horrible! Comment ça, c'est horrible? On parle de Michou s'il te plaît! Bah, fais mieux si c'est si horrible! Mais non, mais je parle. Bah, non, mais par contre, je trouve que ça a été. Vous trouvez pas que la prod est pas ouf? Genre, sans déconner? Bah, fais mieux, genre, vas-y, pense! Vas-y, pense! Vous êtes trop chiant, putain. Rimandi, ça gérait. Quand tu reviens du cinéma, genre, bah ouais, fais du cinéma. Bah vas-y. Mise en film, si t'as pas aimé. D'accord. Attends, test. Non. Dernier test. Test peu concluant. En tout cas, je continuerai jusqu'à que je retiens comme toutes ces stars que j'ai un poster. Mon rêve, hein, je n'ai que ça. Quoi? Non, je me donne de la force. Non, mais je me donne du courage parce que je suis deuxième. Mon rêve, je n'ai que ça. Ça va. Ah, excusez-moi, je me mute pas, mais je le fais maintenant. Merci Knife and Light pour le raid. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rivenzi, le raid. Il pense qu'il va gagner et il va se prendre une bleue. Rivenzi, freine. Comme ça, tu vas pas te prendre la bleue, tu vas faire que deuxième. Freine, je peux la. Oh non, j'ai tellement pas de chance. Mais Riv. Non, putain, Antoine, Riv, t'aurais pu. Attends, tu fais deuxième ou pas, Riv? Non, c'est moi deuxième. Non, Riff, t'aurais pu faire deux. Parfait. Putain, je passe troisième du classement. Putain, Florence encore neuvième. J'ai pas vu la bleue. Mais oui, mais en fait, je me suis fait griller par Bowser. Je suis au bout de ma life. Après, le fameux duel Bowser angle droit. Franchement, bah oui. Terriblissime. Terriblissime. J'avais fait une course tellement parfaite. C'est juste terriblissime. En fait, Rivenzi, si tu m'avais laissé prendre la bleue, tu t'aurais été deuxième. C'est pour ça que je te l'ai dit. En fait, Étoile, c'est un boss. Bah oui. Il dit tout le temps le contraire, mais si. C'est non, ça qui est insupportable avec Étoile. Non, j'ai repris le jeu. Maintenant, j'ai changé. Je dis. Ah non, mais j'ai pas dit ça, mais j'ai dit j'ai repris le jeu. Du coup, je pense que je suis bon maintenant. Oui, c'est vrai qu'avant, t'étais vraiment. C'est Rivenzi qui remet la Marseillaise. Ah, j'ai besoin d'un petit peu d'énergie. Redonne-toi de la force. C'est dur.
prenez Florence. Le tour de la force. Florence. Pardon, je fais autre chose. Florence, sélectionne la mine Wario, la mine Wario. La mine Wario. Putain, vous vous souvenez de l'anecdote, attendez, ah oui, que je vous ai raconté au The Event par rapport à mon pote qui avait dessiné au requin. Salamèche, tout ça, quand j'avais menti, comme quoi j'avais créé Salamèche et tout. Et en fait, le mec qui avait créé Au Requin, j'ai dit son nom en live, et en fait, il se trouve que ce mec stream sur Twitch. Mais non. Si. Non. Ah, merde. Et du coup, il y a des gens qui l'ont retrouvé, et du coup, il a raconté quelques anecdotes. Ben, il faudra que je check le live en question. Et son pseudo, c'est Shikitsune sur Twitch, si vous voulez suivre. Tout à fait. D'accord. Voilà. Ça régale. Voilà. Et du coup, tu lui as dit pour Salamèche ou pas? Hein? Tu lui as dit pour Salamèche? C'est le mec qui a fait au requin? Je lui ai dit pour Salamèche, c'est-à-dire, je lui ai dit. Bah, tu lui as dit que c'était pas toi qui avait inventé. Non, non, il le croit encore. Ah, d'accord, okay. Arrête. Il est pas très fini, ton pote. Non, mais par contre, j'ai vu le clip de son live où les gens lui parlent de ça, et en fait, il disait « Ah mais oui, mais bien sûr, mais moi, je le croyais pas. C'est absolument faux. » Il me croyait 100%. Il est en train de mentir. Attends, c'est quoi son pseudo? Shikitsune. Et c'est pas ça pour te faire bizarre plaisir aussi. Ouais, bah si, mais non, mais il m'avait dessiné au requin pour que je le présente à Nintendo. Il t'a trollé. Il m'a trollé. Oh non, c'est pas vrai, c'est moi qui. C'était pour te faire plaisir. Il était comment au requin? Il avait du flow ou pas? Il avait un flow, mais. il était. Bah, c'était fait par un enfant de CM2, quoi. Enfin. Ouais. Ça devait pas valoir bien mieux que le spectacle de Rivenzi sur Jean-Marie Bigard, quoi. Donc. Mozart, il a fait une symphonie, il avait 6 ans. Hein. et Vincent, il a fait au requin, quoi. mais moi j'ai. Oh putain! Pardon, excusez-moi. J'ai utilisé ce clé sans prévention. Mais tu l'as reconnu, c'est bien lui ? Ah oui, c'est lui, 100% pas, c'est lui. Je veux pas de rouge. Je veux pas de rouge. C'est... Non, non, mais pour ça, c'est... Viens, on fait un duel de run, pense. No item. Ouais, mais fais gaffe, il y a une rouge sur moi. Ah merde. J'ai plus de rouge, plus de rouge. Only finalement, le monde en 2020, il est tellement plus petit qu'il y a quelques années. C'est vrai. Le monde a rétréci de ouf. Déjà parce qu'on est englouti par les flots. Exactement. C'est vrai que tu dis comme ça, c'est... Je suis sûr que ça aurait été un très beau Pokémon. Ah, mais j'en suis certain. Mais j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui avait fait un fanart de requin bien fait. Et c'était assez stylé. Un fanart de requin, mais j'y crois pas. J'y crois pas de... Oh, il a utilisé un item. Ouais, j'ai utilisé deux champis. Oh, le bâtard. Ah, mais vous avez une avance, les deux, là. C'est monstrueux, en fait. Oh le bâtard, j'étais en mode bah je vais pas le bomber parce que du coup il y a un petit éditeur. C'était allergé pour les mois de sable. T'as raison. Alors Shikitsune, je vais aller voir son live un petit peu. Eh mais il est en live là. Ah mais il est en live. Oui, il est en live là Shikitsune. Mais il est en live et du coup il a pris 600 viewers d'un coup, on me dit. Ça régale. Incroyable. C'est comment? Shikitsune, comme ça se prononce à la japonaise. Il est sur Phasmophobia. Bah, tu sais quoi, soyez gentil avec lui, hein, franchement. Si vous êtes des fils de pute, c'est. Il se met trop bien. Il se met trop bien. Attends, je vais. Le sang de la veine. Énorme. Je vais le chapeau. Je pense que le chapeau, ça rend heureux. Ah ouais, putain, c'est énorme. Le pauvre, il est en train de dire Sand Smith. Et en même temps, il y a tout. Sandra Smith. Testeur Gilécom. Voilà, des gens de prestige. Énorme. Il y a 2400 viewers sur son live. Il y a 2500 specs. Juste. What the fuck. Rire de droite. Bah n'hésitez pas à le follow, bien sûr. Et à sa chaîne, merde. Ah ouais, c'est clair. C'est genre merde. Il a 800 followers. On fait passer les 1000 ce soir. N'hésitez pas à le chapeau. Hein. C'est très très important. C'est énorme. Mais le fait de pas paniquer, le fait de oui, pas... soyez gentil, envoyez-lui de l'amour. Je veux un maximum d'émotes de Renault dans le chat pour le rassurer, s'il vous plaît. Un maximum de merci. De pour le rassurer, s'il vous plaît. Ouais. Par contre, on peut se concentrer sur le gameplay, s'il vous plaît. Putain, Rivenzi. Il a 3500 viewers. C'est énorme. Bah bon. Alors, si on peut expliquer qui c'est très rapidement, en gros, Antoine, c'est quelqu'un avec... C'est un ami d'enfance avec qui j'étais en primaire et un peu au collège aussi. Du coup j'ai raconté une anecdote pendant le The Event le concernant entre autres et en fait on m'a appris qu'il streamait et du coup voilà et maintenant il a 4300 viewers.
Mérité. Il est en train de la hype, il est en train de la hype à 100%. Allez, ça sub un max là. Allez, régalez-le. L'anecdote, c'est des gens qui la connaissent pas, je pense. Non, l'anecdote que j'ai racontée, c'est que en gros, j'étais un énorme mytho quand j'étais en primaire. Et, okay, ça me fume. Et en gros, j'avais dit que j'avais créé le Pokémon Salamèche à mes amis. Et en fait, il y en avait pas mal qui m'avaient cru. Et dont lui, même s'il dit le contraire. Et en fait, lui, il avait dessiné un Pokémon qui s'appelait Au Requin, qu'il avait inventé pour que je le propose à Pokémon à l'époque. Mais on avait 10 ans, hein. On avait 10 ans. Bah oui. Et, et du coup, voilà. On avait 30 ans. C'était l'année dernière, en fait. Et du coup... Mais du coup voilà, il a 4... là on vient de parler de lui, du coup il a 4500 viewers ce soir, incroyable. Antoine l'année dernière avec une cigarette électronique en train de parler. Il a un train de live de niveau 5 à 340%, je tiens à le dire, hein. Oh la vache. What? Ouais. 347% de train de live chez lui, hein. Vas-y, et son pseudo c'est Shikitsune sur Twitch. Incroyable. Tu veux pas inventer un Pokémon là? Tu veux pas? Non, arrêtez. N'allez pas parasiter en lui disant de faire des trucs et tout, il est sur Phasmophobia. Ah non. Déjà que le jeu est stressant, si en plus de ça, c'est la catastrophe. Donc voilà quoi. Mais n'hésitez pas à le follow, bien sûr, il a l'air gentil comme tout. J'ai pas eu de nouvelles de lui depuis l'époque, hein, je tiens à le dire, ça se trouve c'est un connard. Hein. Ah oui, mais je ne pense pas. Je ne sais pas. Merci Arnaud pour les 2 mois de sub, Anivas pour l'année de sub, Achiratsu pour le Prime, Fallard de Mister HD pour les 3 mois, Super Exode pour le Prime. En tout cas, je viens de checker, il est passé de 800 followers à 1700 followers. Bravo à lui. Il est en train de hype, écoutez-moi bien, il est au train de hype niveau 5 à 430%. Ah ouais. Je n'ai jamais fait ça chez moi. ça n'est jamais arrivé. Il doit être fou. Si, il n'y avait pas un train de la hype hors live une fois. Si, une fois, c'est arrivé une fois. C'était justement avec Pense et Étoile. Ben oui, c'était parce qu'en fait, on avait parlé du... C'est crazy nickel pour les primes. Cette vidéo, elle est trop mignonne. Je ne suis pas un pro gamer, mais je pense avoir un bon niveau si je m'y mets de la volonté. Oh, c'est trop mignon. Ah, je suis une merde. Énormément à Twitch. Mais arrête, Étoile, comment tu parles de mon pote d'enfance, là? C'est trop chou. Dégage, toi. Retourne être diabétique, là. Antoine, je te rappelle que t'as dit « J'espère que le diabète t'emporte, hein, et moi, je peux pas vanner ton pote. » Ah, merde. Pardon, excuse-moi, je suis désolé. Mais j'espère pas ça du tout, Étoile, merde. Ouais, t'espères juste que j'arrête de respirer. Allez, on refait Coupa Police à cause de Florence, super. Allez, super. Pardon. Yes. Oh, elle est super bien cette map. En même temps, Florence n'était pas là, quand on oui, a joué. Oui, voilà. Que... voilà. J'essaie de comprendre ce qui. Je regarde un peu son. Merci Jean Cac pour le sub. Ouais, je regarde un peu, mais ça va, il a l'air d'apprécier. Qu'est-ce qui. Bah, je mets pas le son, mais je pense qu'il est un peu stressé, mais les gens ont l'air gentils. Mettez des trucs gentils dans le chat. Hein. Il a genre les émotes de Renault, mais... les émotes de Renault, c'est cool en vrai. Ou des petits cœurs, hein, ou des choses comme ça. Parce que en gros. Mais moi j'ai pas d'émotes gentilles en fait. Je réfléchis, est-ce que j'ai une émote chez moi qui est gentille? C'est à ton émote, sont à ton émote. J'ai l'émote un régal qui peut être sympa, mais bon, c'est pas non plus. Mais tout semble cynique en fait, c'est ça qui est terrible. C'est vrai que tout semble cynique chez moi, c'est terrible. C'est très étonnant. Oh arrêtez. Moi je suis sympa. Ok, je vais faire une émote cœur. Je vais faire une émote cœur, je vais la dessiner sur Paint. Voilà, je vais dessiner une émote cœur sur Paint. Tu gâches tout, Antoine. Tu gâches vraiment tout. Oh, mais arrêtez, donc, mais vous êtes méchant avec moi. Paint, c'est toi bien. Qui es méchant. L'émote fake, en vrai. Moi, je fais CP à mon pote de CP, là. Attends. Gabro de primaire, là. Je suis trop occupé à faire percer mon pote. Désolé, les gars, moi, je fais Kekro la famille. Je suis ultra QLF. École Descartes à Soisy-sous-Montmorency dans le 95, les amis. S'il vous plaît. Là, on fait tout croquer. Les bains, tout à fait, les amis. C'est un copain d'avant, quoi. Ah ouais, c'est vraiment copain d'avant, quoi. C'est énorme. Énorme. De fou, sérieux. Énorme.
Du coup, il a dit qu'il kiffait mon émote Evoli. Apparemment, je pense que je vais lui dire que c'est moi qui l'ai designé. Ah. Ah, c'est très très bien joué de la part de Ult. Putain, Ult est vraiment très drôle. On bosse tous chez Nintendo. Putain, pourquoi tu m'as mis une petite rouge là? En tout cas, il a masse viewers. Hein. Bon, n'hésitez pas à follow la chaîne et soyez sympa avec lui. Mais putain, mais. Ah, c'est pas parti, j'avais une banane, gros, elle est pas partie, j'ai spammé. Mais... Je suis désolé. Pour... T'inquiète. C'est le jeu. Oh, on me vole. Je vais faire ton tournoi dimanche. Oh, j'aurais dû faire dans l'autre sens. Oh non! J'ai fait full de la merde. Full de la merde. Il a reçu 40 mois et 40 subs et 2000 bits, c'est ça que vous dites? Bah, trop bien. Bah, c'est trop bien pour lui. C'est énorme. C'est trop bien. Merci Shooty pour les subs offerts à la communauté. Kojay pour les 5 mois de subs. Marjou pour les 100 bits. Sarfion pour les 4 mois. N'arrêtez jamais le vélo. Kaetamen pour les 100 bits. Merci beaucoup. Il y a 2K1 follow. Mais non, mais c'est incroyable. On l'a fait passer de 800 followers à 2100. Mais genre, il doit être refait. Allez, on va au moins à 2400 pour tripler. Mais tu sais qu'en vrai, c'est incroyable. Genre, imagine, t'es à 2 viewers. Merde. Et d'un coup, bam. Mais je crois pas qu'il était à 2 viewers avant. Il était à 8 viewers. Il était à 8 viewers. Et, ouais, et là, là maintenant il est à 2700, mais tout à l'heure il est monté à 4500. Ouais. C'était assez insane. C'est ouf. Shikitsune, ça veut dire renard de la mort? Peut-être. Ah ouais? Peut-être pas si sympa que ça le gâte. Ouais. Parce qu'en fait, en fonction du. Faites attention. Ça veut dire ta personnalité. C'est pour ça que Ponce récure les murs de temps en temps. Tout à fait. Wow. Tout à fait, je travaille dans le mur. Tout à fait. Je suis. Bah, arrêtez de le forcer sur au requin. Par contre, ça va devenir un truc qui va lui casser les couilles au bout d'un moment. Mais arrêtez de me parler de requin, merde! En tout cas, si je me souviens, c'est vraiment que t'as culpabilisé d'avoir fait ça au final. Bah, un peu, oui, forcément, évidemment. Mais après, en vrai, là, est-ce que tu te rattrapes pas ce soir? Est-ce que finalement, est-ce qu'on n'efface pas le passé? Est-ce qu'on fait pas table rase ce soir, les amis? Ouais, je ne sais pas. Complètement. Je ne sais pas. Les émissions de télé, vous aviez perdu votre ami d'enfance de vue. Il est avec nous ce soir en plateau. Oh non. Le mec apparaissait derrière un rideau. C'était en mode putain, c'est ouf. Putain, le circuit Animal Crow. On me dit, au requin, il est sur le Discord. Ouais, il dit qu'il a refait le dessin de Auroquin sur le Discord d'Antoine. Oh, énorme! Oh putain, faut que je le voie. Attends, après la course, je vais check. Je m'en fous si je... Oui? Tu nous envoies le lien? Je vous envoie le lien, bien sûr. Attends. Est-ce que vous pouvez le mettre, genre, les modos en message épinglé sur le salon art, s'il vous plaît, que je le vois assez facilement? S'il vous plaît. Peut-être déjà épinglé. Peut-être. En tout cas, c'est très important. World Premiere! Au requin. World Premiere. Fais la bonne annonce, mets une petite musique un peu hypante et tout, franchement c'est ouais, ça. Je vais mettre la musique de Smash hein. Ah oui. Oula, elle est sacrée cette musique. Bah mec, au requin c'est pas sacré peut-être? Bah moins que Smash. Est-ce que Oroka a plus de flop Pac-Man? Je ne crois pas. Moi je pars, on va voir ça tout de suite, mais je pense que oui, très honnêtement. On sait pas encore. Moi je pense que oui. On sait pas encore. Mais... I think. En vrai, pense que je joue à Smash après. Moi en vrai, Moi, étoile, je suis un peu chaud. Mec, je fais jouer Steve. Il est pas chaud, il est un peu chaud. Antoine, par pitié. Antoine, il faut que tu vois mon Steve, par pitié. En vrai, j'ai une mi-chauffe là. Ah, mais en vrai, oui, j'ai jamais testé avec Steve. En vrai, je suis chaud, juste pour Steve. Oh non. Allez hop, c'est parti. Merde. On joue à Smash après, c'est confirmé. Attends. Non. Attends, étoile. Déjà, on va checker au requin. D'accord. Mais je suis trop nul. Putain, mais il dessine encore, du coup, ça veut dire. Est-ce qu'il s'est amélioré depuis, contrairement à moi? Ça, c'est... Depuis les 10 ans, j'espère. Bah attends, moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est pas mon cas, mec. Mais attends, mais tu fous pas de ma gueule. On revient de Scriblio et c'est vrai. Bah oui. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Oh, un petit niveau, quand même. Oh, les bâtards. Après, tu dessines mal, mais j'ai trouvé, dès que tu dessinais, je trouvais. Hein. C'est vrai. Oh, pardon, étoile. Ouais, c'est catastrophe. J'ai vu mon gars, merci, bon. Quel boss. Ouais, attends, je vais vite checker au requin. Et où est mon salon? Il est là. Salon. Art. Message épinglé. Envoie, il s'est pas spécialement amélioré, mais. Je vous l'envoie dans ton salon, pense dans. Je vous le montre sur le live juste après. Je vous le mets dans en stream. Dans en stream, je vous le mets. Toi, tu t'en souvenais parce que tu culpabilisais un peu. Non, mais lui, ouais, c'est ça. Attends, je vous le montre.
Ouais, oh, je vous l'ai mis dans le salon en stream. Ah, il est incroyable. Tu nous dis quand on peut le montrer, on attend ton tour. Et là, je le montre. Le voilà. Ouais, je l'ai montré. Vous pouvez le montrer aussi. Ok, on le montre. Au requin, les amis. Au requin, messieurs. World premiere. World premiere. This is Oreca, the new game from Pokémon. This is Shark Water. Shark Water. Water Shark. Il a tout simplement une AK-47. Il a une Gatling sur le dos. Il est extraordinaire. Je suis le. Bra 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 ratatatata. Ça c'est au requin, tu vois. C'est incroyable. Il parle comme ça, genre au requin, il fait ratatata. Ratata. Ouais, il dit pas son nom comme les autres Pokémon, il fait ratatatata. Tu sais, il fait comme ça au requin. En vrai, c'est plutôt bien. Vous avez pas vu. Moi, je trouve ça ok en vrai. Ouais, non, ça va, ça va. En vrai, ça va. Je suis assez sérieux en vrai. C'est vrai que c'est Nintendo friendly as fuck, ouais. C'est très Nintendo friendly. Bah attends, il y a bien Tortan qui a des canons sur le dos. Bah ouais, dessiné oui, par le canon à eau, ça n'a rien à voir. Oui, mais oui, mais il balance peut-être des gouttes d'eau au requin. Après, on s'envoie des bombes dans Mario Kart, les amis. C'est un peu une influence. C'est un peu une influence Gad Elmaleh avec de Tumoris, quoi. Parce que t'as vu Tortank. Ouais. Mais comment, mais mec, t'arrêtes de critiquer au requin tout le temps là? Qu'est-ce qui se passe? Tu pars en croisade contre requin en fait? Tu vois là, c'est quoi le délire là? C'est quoi ce délire là? Attends, je balance une rouge à JD vite fait là. Je suis super jaloux en fait, mec. Tu vois, je suis un peu en croisade là. Bah, bro, là. Il est de quel type? Bah, je pense qu'il est de type combat haut. Au combat, ouais, je pense. Ouais, au combat. Ou plutôt au. Ouais. Il est de type requin surtout en fait. Requin au combat. Au requin. Il est de type au requin, quoi. Maintenant, il y a les. Comment ça s'appelle les requins? Oh putain, Riven's Why! Sharpedo! Sharpedo! Ah, mais non, mais c'est quoi ce nom? Je te jure, mec! Mais oui, Sharpedo quoi! Tranquille, Sharpedo! Il te harcèle et tout, c'est horrible! On dirait un mec en boîte, genre c'est insupportable! On dirait un mec en boîte! Normal! Eh, arrête de faire ton Sharpedo, wesh! Tiens, c'est très bien tenté, dommage! Tu t'es pas touché? Oh! Ouh! Je savais que t'allais le prendre comme ça! Et je suis tombé! Ah non, même pas! Attention à Nable. Ah putain, Nable. Ouais, oh, j'ai prévenu, merde. J'ai prévenu. Je prends 154 bleus comme si j'étais un rugbyman. Putain. Ouais. Comme si j'étais un rugbyman. C'est pas mal idée. Hein. Moi je l'avais. Sharpedo. En vrai, ça fait pas badé, hein, Sharpedo comme nom, je trouve. Ouais, c'est... Oh non! Oh non! Oh non, pas ici! C'est affreux. Oh ouais, pour ce qu'il prendrait avec une red. Ça n'a pas touché Raven's Why. Ça se passe tellement mieux depuis que j'ai pris la scoutinette, par contre, c'est abusé. Moi, ça se passe mal, là, pour le jour. Je vais faire double cut et je vais faire premier. Ça se passe très mal. Je t'annonce. Au fait, j'ai une confession à faire en Antoine ce soir. Oui. Ah. Oh là. Un truc... La voix de la... Que j'ai assumé la dernière fois en live et vraiment, c'est la honte. Oui. Mais je pense qu'il faut que je te le dise. Oui, il tient. Tu vois la photo que je t'ai envoyée pour le Skyblog? Bien sûr. Oh. Ouais. Oh, c'est pas toi, c'était si la semaine capté, dernière. Mais déjà, JD, je te déteste. Ah. Je sais pas si t'as capté, mais. mais genre, il y a des posters de Tokyo Hotel derrière. Donc ça, on avait vu, ouais. Est-ce que t'as pris la photo quand je t'ai demandé de m'envoyer une photo, en fait, Ultia? Non, pas du tout. Mais je sais pas si t'as capté, mais en fait, il y a une carte postale avec la croix de Lorraine dessus, derrière. Ah bon, non, j'ai pas fait gaffe. Et donc ça, voilà. Ouais. Et il y a une histoire à cette carte postale avec la croix de Lorraine dessus. Ok. Et okay. En fait. Bah, il faut savoir que quand j'étais ado, mon père m'a traîné à colomber les deux églises pour que j'apprenne Charles de Gaulle et la croix de Lorraine. Ah, je m'attendais à bien pire. Et en fait, je trouvais que la croix de Lorraine, ça ressemblait au logo de Tokyo Hotel. Ah ouais, t'étais genre ultra fan oui, d'accord. De cette photo, hein, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Catastrophe. Ah oui, d'accord. Aïe. En fait, De Gaulle était juste un méga fan de Bill Kaulitz, quoi. Tout simplement, en fait. Complètement. Merci Michel Dupeuple pour les 8 mois de sub. Mighty Toes pour les 2 mois. Jean Castex Gaming pour les 200 bis. Roquentin pour le Prime. Ce qu'on est en train de vivre ce soir, c'est très mignon et à la fois, c'est très bizarre. Et après, vous vous demandez pourquoi il n'y a pas des pensées à Switch toutes les semaines. Hein. C'est vrai. Alors, en même temps, il nous faut un peu de temps pour nous remettre mentalement. Ouais, il faut s'y remettre aussi, quoi. C'est bon aussi. Florence, t'as décidé de voter Égout Piranha en hommage au caniveau du streaming. Mais l'Égout Piranha, c'est le feu. C'est Fireburn. C'est de la merde. On dit que Sharpedo est dans Pokémon depuis 2002, rien de nouveau. D'accord, ok. Non, mais j'ai quel âge, c'est impossible. Merci, mange avec moi, bâtard, pour être sans mythe. Bah, t'es plus vieille que tu le penses, je pense. Non, c'est 3ème gène. Ouais, c'est ça, c'est genre. 3ème Ruby Saphir.
En fait, c'est l'évolution de Carvania. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai enfin réussi mon démarrage turbo. Ah, let's go, Florence. Il y a pas de petite victoire. Bravo. Bravo. Ah, mais tu prends toutes les sous-pieds, Ponce. On dirait la vraie vie. C'est vrai qu'il est très fortuné, Ponce, effectivement. Je suis extrêmement riche. Ah ouais, pour qu'il est... raid par Jean-Michel, enfin Jean-Luc Mélenchon. Ah bah oui, bien sûr. Demandé, hein. Arrête. On connaît les inside, on sait très bien. Pour qui tu votes? Mais pas Ponce, on te connaît quoi. Mais fermez-la. Il t'arrête, c'est pas pour rien quand même. Ponce, on t'a déjà vu en soirée quoi. Et tu fais quoi? Pour ce, ah oui, ton paillasson. Chante... Ouais, c'est vrai. Bah oui, je rappelle que ton paillasson, il y a marqué front gauche dessus, quoi. C'est vrai. je chante l'international tous les matins en mouvement, la main sur le cœur. C'est vrai, C'est le final. Oui, on rappelle que sur FIFA, tu peux pas mettre un maillot d'une autre couleur que rouge, quoi, parce que ça te rappelle. Exactement, je ne joue que Monaco, ou bien Rouen. Ah bah, Monaco, c'est pas très. Quoi? Mais qui a fait ça? C'est la couleur. C'est la gauche quoi. La couleur, bâtard. La oh, je suis derrière Marcotte. Non. Si. Non. C'est moi. C'est moi. Je repasse devant. Oh est-ce non que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour ce quête exceptionnel, le chat? Il y a quelqu'un qui a écrit dans mon chat: Ponce est juif, point d'interrogation, j'ai peur d'être ban avec ces... J'ai peur d'être ban avec cette vanne, mais je tente. Il s'est fait ban. Aïe aïe aïe, c'est le coup dur. Direct. C'est le coup dur. Ah, désolé. Il fallait essayer hein, pour savoir, maintenant fallait, tu sais. Non, mais il fallait essayer. Maintenant tester, tu sais. N'hésitez pas à tester, hein. N'hésitez pas. Faut tester, faut tester. Faut. Tant qu'on fait pas, on ne sait pas. Ah ouais. De toute façon, on peut plus rien dire. Hein. Ouais, y a plus de saison. On pouvait plus rien dire. À l'époque de Proche, c'est la pire. À l'époque de Gaulle qui écoutait Tokyo Hotel, là, à l'époque, on pouvait. En vrai, franchement, ça ressemble grave. Encore en train de se justifier. Oh putain. Let's go. Le run est propre. Oh non, ouais les gars. Ouais ouais les potes. Oui en vrai c'est le Bérénice pour les 100 bits, Doliprane 1000 grammes pour le prime. C'est Bérénice pour les 100 bits. C'est beaucoup. Le pauvre c'est rude. Non non mais c'est pas, il s'est pas pris un ban def, je crois que selon ce que j'ai vu, il s'est pris un ban 10 minutes et puis voilà. Ce qui est gentil, ce qui est franchement gentil. Combien il a de followers maintenant chez Kitsune? Je vais voir chez Kitsune maintenant, combien il a de followers. Ah non, c'est même le message qui a été supprimé, c'est même pas un ban. Ah bah oui, mon nom ça va. Oh, Il a 2300 followers maintenant chez Kitsune. Bravo à tous. Oui, bien joué, bravo à tous. Eh ben bravo à tous, Shikitsune qui est maintenant le 12e plus gros streamer français. Et donc je le sois. Je vous le rappelle, hein, c'est le petit renard de la mort de son prénom, comme on l'appelle. Petit renard. Petit renard, ouais. Mais du coup, t'étais quand même sympa en copain de classe, quoi, même si... Moi ? Tu faisais des faux espoirs, ouais. Ça va. Bon, je pense. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Mais non, regardez ce qui a été fait sur Twitter, c'est un truc de ouf. Quoi, y a qu'est-ce qui a été fait sur Twitter ? Un montage de Tom Collins, c'est moi, à la place de Heidi Klum. Attends, fais voir. Mais pourquoi tu votes ça, Rivenzy ? Je te déteste. Tu peux RT Ultia que je le vois? Tu peux RT, ouais. Cette course elle me rend trop triste. J'ai plus envie de jouer. Je vais jouer à GeoGuessr. Oh, étoile! Elle me rend trop triste cette course. Elle est trop bien cette course. Tu vas être encore plus triste en jouant à GeoGuessr? Cette c'est course vrai. Me réprime. Vraiment, elle me déprime. J'ai plus envie de vivre. Je suis content de vous avoir mis celle-là en vrai. Moi j'aime bien. Hein. Vraiment, merci. Je la remets après. Je la remets allez, c'est après, parti! Pala pala papa! Très très belle image. Pala papa 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 papa! C'est vrai que t'es pas mal en blonde là en vrai. Ouais, ça va. Ah, personne me suit, hein, super. Si, moi j'écoute, j'aime bien, hein. Ah, je veux savoir la musique, Antoine. Si, moi aussi je suis en plein de musique là. Attends, Antoine, tiens. Ouais. Putain, je viens d'arriver, je comprends rien. Bah, bienvenue, non, mais installe-toi. Installe-toi. Souvent comme ça. Tiens, pense. Ouais, prends un petit temps d'adaptation, on va te le cacher, mais une fois que t'es dedans, après c'est bon. Une fois que t'es dedans, normalement tu passes un bon moment, mais ouais, c'est vrai que. C'est vite dit tout ça. Laisse le temps, laisse le temps. Avec tous mes amis. Putain, mais qu'est-ce qui barre Edwin étoile là? Ah, je sais pas, il est encore bourré. Merde! Je n'ai jamais pu boire de l'alcool parce que mon pancréas ne marche pas. Ah. Oh là 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 là. Il va y avoir une carapace bleue! Je la suis pris en plein dans la gueule. Oh excusez-moi. Énormément de plaisir! Excusez-moi les amis, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, j'avais même pas que j'avais pour le plaisir!
Putain, mais j'étais deuxième toute la game. C'est la première. J'ai pris une boule, j'étais le premier qui a coupé. Non. Putain de course à chier qui a aucun sens, qui a aucune vision de la vie, on s'amuse pas, on prend aucun plaisir. Allez, première place. C'est bon. Ah bah oui, première place. C'est dispo pour le prime. Mais ta gueule, Étoile, ta gueule, tu saoules tout le monde. Tu saoules tout le monde. Ça fait des mois qu'on veut te le dire. C'est une intervention, Étoile. Je fleure tout ça, passe tout devant moi, bande de merde. Oh là là, mais il est insupportable et laid en plus de ça, mais c'est un truc de fou. La guitare de DM. C'est vrai qu'il est laid, je suis d'accord. C'est vrai que je suis vraiment moche. C'est pas vrai, Étoile, t'es très beau. T'es suçable 2000 fois, quoi. Ah, t'as fait tomber ton chandelier, Ultia. Le chandelier d'Ultia est tombé. I'm gonna swing like a chandelier from the chandelier. Ta voix est tellement belle, Antoine. Cristalline. T'es disponible. En vrai, Staline, ça te va vraiment bien, enfin, blonde Ultia. Je pense que tu devrais... Mais attends, je vois la photo. Franchement, Heidi Klum, elle peut aller se rhabiller. Ah oui, Heidi Klum éclatée au sol. Mais c'est la photo est au sol. Heidi Klum. Éclatée au sol. Heidi Klum. Par contre, elle est chouette. Je disais Klum, mais on... C'est sur le Twitter d'Ultia. Klum. Et ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment? Ça s'écrit W Z C. Ça serait la polonaise en fait. Un meuble. C'est un meuble à Ikea, Klum. Le Klum. Le Klum, c'est Antoine Daniel. Je te jure, je le croise, mais je lui tape un check. Merci Aldo Rideau pour les 2 mois de sub. Oh non. Le Klum. Oh, la prairie me meut. Let's go. C'est moi qui l'avais choisi ou pas? Oui. Non, c'est Florence. Je suis désolée. Mais elle est trop bien, la prairie me meut. Regardez le truc d'Ultia. Elle est jolie pour une blonde quand même. Regardez. Ouf. Ah, l'ambiance est délétère. L'ambiance est délétère. C'était gratuit sans raison. Une sorte de blanc de ouf. Putain, l'ambiance. Oh, l'ambiance complètement niquée. J'imagine en IRL le repas de famille. De toute façon, ta tonne, c'est une conne. Oh là là, l'ambiance est délétère. Et de toute façon, ma tante, c'est ta mère et c'est une pute. Ouh. Ah ouais, j'avoue. T'as l'imabio wiki. Le mot est faible. Hop là. Pif. Pif pif. On va bien ensemble. Pif. Vous allez plutôt bien ensemble. Ouais, vous allez bien ensemble, je suis d'accord. Moi, je trouve pas tant que ça. C'est vrai que je te trouve. Je te trouve vraiment. En même temps, vous avez 30 ans d'écart. Ça joue peut-être aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle est un peu fanée, quoi. Non. C'est la pire chose. Elle n'est plus dans sa prime jeunesse. Oh là là, c'est horrible. Non. Ah la mort, l'échafaud pour Ponce, quoi. Non mais. Non, c'est Rivenzy qui a dit ça. Mais l'échafaud pour Ponce quand même, si tu veux. Allez, tu montes, Ponce. Non, j'ai rien fait. Non, t'imagines juste avant de mourir. Ça va le tien. Je n'ai rien fait en fait. Mais c'est pas moi en fait, putain, je vous ai dit encore. Mais c'était qui? Bon, venez, on dit que c'était Mister JD. Ouais, c'était moi, ouais, depuis le début. Oh, c'est pas drôle, Ponce. Non, bah oh, ça. T'es vraiment pas un mec drôle. En fait, en vrai ça dépend des jours, mais il y a des fois où j'ai un peu d'humour quand même, Étoile. Non, en vrai, t'es vraiment pas drôle, vraiment. Oh. Je refuse de finir cette course, je suis indigné. Oh non, je refuse. Non, il se fait bouffer par Mister JD, du coup. Non, je refuse. Je serai. J'attends Marcotte. Non, tu la mets pas. Ouf, putain, c'est bon. J'attends Marcotte. C'est bon, je refuse. C'est bon. C'est la fin de la course. Je fais la grève. C'est Zigowatch pour les 3 mois de sa balle de rideau pour les 2 mois de sa pierre de merci beaucoup. Décide de faire 11e. C'est bon. Mettez 10e. J'ai raté. Florence va-t-elle dépasser Mario de métal? Le combat. Je l'ai fait parce que je suis 8e et plus 9e parce que toi il a attendu. Non, j'ai pas attendu. J'ai juste été détruit par mon passé. C'est pas la même chose. Arrête, Florence, de me diffamer. Très bien. Ah, j'ai juste sucé la barrière. Je le prends et je suce la barrière. Bon, Ultia, tu prends une course là ou on fait quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Ultia, tu prends une course ou tu prends Tom Klotz? Je vais chérir la photo qu'elle a. Tom Klotz? Avec Je suis en train de regarder. Billy. Elle est en train de contacter des imprimeurs pour la faire en format A3. Non, mais de toute façon, il est trop laid avec la barbe, c'est bon.
De toute façon, on peut dire que c'est le clown du spectacle. Mais j'ai écouté hier le remake de Dungeons & Dragons de Tokyo Hotel, c'était horrible. Comment ça, le remake? Bah, je sais pas, ils ont fait une version de 2020. Ah. Et. Ah. Et t'étais pas au courant, Ultia? Non. Bah, je peux te dire que dans leur clip, je peux te dire que dans leur clip, ils ont plein de croix de Lorraine. Hein. Ça, je peux te le dire. Ça, c'est ça. C'est... Ça a fait 500 000 vues en un mois et j'ai trouvé ça un peu triste. De quoi? Ouais, ça va. Ah oui, c'est Tokyo Hotel. Bah, oui, mais plus personne écoute Tokyo Hotel. Bah oui, voilà. Oh, mais c'est arrête ça, de mais... dire ça par contre. Non, non, t'écoutes encore Tokyo Hotel, Étoile? Bah, moi, mec, c'est merde. Qu'il y a une semaine, je me suis fait une session d'Orchestre Monsoon, où j'ai écouté tous les sons qui me faisaient penser à mon passé. Non, mais tous les sons qui me faisaient penser à mon passé. Et j'ai Mais moi, Tokyo Hotel, c'est pas mon passé, hein, perso. Moi non plus, mais moi non plus, mais moi non plus. J'ai écouté Sine Semilla. Ah, Sine Semilla. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Du monde. Et que quelqu'un vous prenne la main. Que votre chemin évite les qui visent le calme jardin. Jardin. Bien sûr. Bon, jardin. Ultia, donne-moi une raison tout de suite de pas t'envoyer cette rouge. Dans les rues. Je sais pas, mec, je. Arrête! Ah bah, tu m'as convaincu, bien joué. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Le premier, c'est un... on est d'accord, c'est un bot le premier. Oh non. Non, c'est faux, c'est moi. C'est pas toi le premier? Si, si, maintenant, si. Il essaie de se dissimuler. Maintenant. C'est toujours un bot. Attends, mais quoi? J'ai une banane en étant cinquième, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, Ultia, on prend cette verte. Et elle m'a bien fait chier, non? Ultia, on prend cette verte. Oh. Et oui, on prend cette verte. Déteste cette course, quand même. Ah, j'adore. Oh, Riven's Wild. Top jeu de pièce en deux, c'est quoi ma vie? J'ai fait le clown du spectacle, personne n'a réagi. T'as dit quoi? Mais putain, mais... Mais faut pas le répéter quand on fait des blagues comme ça. C'est quoi, c'est quoi? Il a fait quoi? Le clown du spectacle. Ah, c'est tout. Ah oui, non, ferme ta gueule, oui. Antoine, si oui. Tu ne freines pas, tu assumes pleinement d'être extrême droite. Ah ouais? Ah, c'est ce point-là le jeu. Mec, dommage que j'avais pas de champi, sinon j'aurais tracé, hein, je peux te le dire. Ah, c'est quand même terrible, Antoine, ce que tu avoues ce soir, dans cette soirée. Là. C'est énorme. Je suis dégoûté. C'est pas grave. Voilà. Donc t'étais première toute la game, non, Tia? Putain, apparemment j'ai le même âge que Bill Kaulitz. Ah bon? Ah, ouais. Ah, peut-être que du Donc coup ça fait, peut intéresser et lui, tiens. Ouais, et quand j'étais du coup jeune ado et que j'étais fin love de Bill et Tom Kaulitz, et ben je faisais des calculs en mode ouais, quand j'aurai tel âge, ça sera plus si choquant notre différence. Oh, oh, c'est l'horreur. J'ai fait pareil avec Alyssa Milano. Je faisais exactement pareil. Moi, genre, quand j'avais je sais pas 10 ans, je me disais en vrai de vrai. J'ai fait la même avec Dominique de Villepin, moi perso. Attends, moi j'ai fait la même avec ma mère. Ouais, moi, ok. J'ai fait la même avec ta mère, Étoile, allez hop là. Ah ouais, là, hop là, c'est bon. Check ça, gros. Avec la moustache. Allez. Bah faut qu'elle se dépêche, hein, parce que là c'est plus pour longtemps, ouais. Quoi. L'heure tourne, hein, tic tac, tic tac. Elle s'était plus ouate de cul. Oh là là, on parle de ta mère, Étoile. T'avais quel âge, Ultia, quand tu fantasmais sur Bill Kaulitz? 22. Quel bonheur. Ben j'avais. Enfin, fantasme, mais le mot est peut-être fort par rapport à l'âge que tu as. Ah, bah, si, carrément. Carrément. Ah, si, carrément. Elle se touchait, la schneck, hein, tout à fait. Complètement. Complètement. Pardon. Arrêtez, vas-y. J'avais de mes 12 ans à mes 13 ans. D'accord. Ah, ça va. Non, parce que. T'avais. Et du coup, la différence d'âge. Mais attends, mais du coup, t'as quel âge? J'ai 25 ans. T'as 25 ans et lui il a 31 ans. Du coup. Ah, ça mais va, mais tu vois. C'est easy. Du coup, j'ai envie de te dire let's go en fait. Hein. Bah, j'ai envie de te dire let's go là. Nul au même âge. Quand j'étais gamine, il avait l'âge de mon grand frère. Moi, voilà, il était majeur. Ouais, ça va, ça passe. Non, mais bien sûr. Ah non, mais c'est énorme à cet âge là, bien sûr. Il est mort, tu vois. Alors que du coup, je faisais des calculs. Je me suis dit, voilà. Et puis c'est super dur à calculer plus 6. Alors, quand j'aurai 20, il aura 26 au pied. Je suis allé à l'Institut Henri Poincaré pour. C'est Cédric Villani, je lui dis alors. Tu connais le chanteur de Tokyo Hotel, est-ce que tu peux faire une petite courbe de riche? Ah, t'es con, putain! Ah ouais! Ah, tu me fais rire, bâtard! Oh, quoi? Oh, la merde, t'as touché! Oh! Ah, rien à droite. Bah, tiens, voilà, hop là. Donc, ouais, il est avec Lady Clum, elle a 47 ans, quoi. Oh, ça dégoûte, quoi. Bah, 47, il en a quel âge? Il a 31. Lui, elle aussi a se posé la question avec partir de quand c'était plus choquant, l'oreille. Oh non! Non!
Ah ouais, je pense que se poser la question, okay. Il a deux ans à attendre. Quelle vie horrible. Non, 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 non. Excusez-moi. Non, 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 non. Parce que moi j'avais un crush vachement moins stylé à l'époque. Hein. Je crois qu'à l'époque de Tokyo Hotel, il avait dit hein, qu'il aimait bien les femmes un peu plus matures. Ah ouais? Bah ouais, ouais, c'était ouais, Tourge d'Anne, ça veut dire j'aime juste les mille d'ailleurs. Oh. Bah ouais, c'est vrai, bah ouais. J'aime Tourge d'Anne. Bah tu sais que Tourge d'Anne, ça veut dire. Ça veut dire traverser la rivière. C'est ça. Non, non, c'est la Mosson, c'est la Mosson. Ah, excusez-moi. Non, pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Du coup, c'était qui, Florence? C'est très honteux. Oh non. Zac Efron? C'était non, moi, je... Laurent Romeshko. Laurent Romeshko. Quoi? Attends, tu le présentateur des chiffres et des lettres. Attends. Alors toi, tu disais que c'était cringe de danser avec ta cousine, mais par contre, crusher sur Laurent Romeshko. Se caler des gros wads en pensant à Laurent Romeshko. Mais j'avais 12 ans, calme-toi. Oh, mais tu. Bah, t'avais déjà les doigts. Est-ce que tu hurlais le compte est bon ou pas? Romeshko, je sais pas. Consonne. Tape sur Google, Laurent Romeshko, tu vas voir sa tête, tu vas comprendre qui c'est. En mais vrai, il a la tête, il déjà, a la tête ouais. Du genre idéal en fait. Non, déjà non. Déjà non. Oh, oh putain. Quel bonheur. Après, il est pas du tout moche ou quoi que ce soit. Non, c'est bah non, il est pas mal. Il est pas moche, Romeshko. Il a un charme fou, dirais-je même plus. Alors, je me dis que Florence, à 68 ans, ça fait vraiment plaisir. Mais Laurent Romeshko, il a pas changé de tête depuis 20 ans. C'est un truc de fou. Hein. Ah oui, non, mais oui, clairement. C'est un Time Lord. Hein. Ah non, mais il est super cool, Laurent Romeshko. Mais c'est vrai que. Si tu veux, Alors, par contre, mais, quand t'as grandi, t'as plutôt compris qu'il. Quand t'as grandi, t'as compris que ce qui te plaisait plus, c'était plutôt Bertrand Renard, quoi, finalement. C'était plutôt ça, quoi. Par contre, non, je t'interdis de mal parler de Bertrand Renard. Mais je déteste Bertrand Renard, mec. Mais parce qu'il est désagréable, il est chiant, il est en mode « Oui, bah vous auriez pu trouver plus facilement, franchement c'était pas dur, mais nique ta race, Bertrand Renard !» Il est pas comme ça, Bertrand. En fait, Bertrand, le mec, il a ses entrées à France Télé, il l'appelle Bertrand maintenant. Appelle-le Trembert pendant que tu y es, mon ami, hein. Vas-y. Hein. Mais la Trembert est vachement gentil. Hein. La Trembert. Bertrand Renard, c'est la personne qui assiste Laurent Romeshko, le présentateur du chiffre et lettres, et c'est celui qui est spécialisé, enfin en fait, qui est spécialisé dans les chiffres. C'est-à-dire que lorsque tu fais un compte, t'es bon. Imagine, tu dois trouver 337 et Ponce ne trouve pas, il trouve que 335. Ah, j'ai 335, ouais. Ouais, malheureusement, il fait. Ah, ben en fait, tu aurais pu trouver. Mais il a pas un accent du tout. Oui, je sais, sinon vous aurez pas posé la question, bande de cons. Si, un accent du sud, parce qu'en fait, je suis Nicolas Cantou. Ah, pardon. Ah, c'est vrai, ça aurait bien vu. Écoutez, monsieur Pujadas. Écoutez, monsieur Pujadas. Il faut qu'on pense quelque chose, monsieur Pujadas. Il faut dire quelque chose. Ah, monsieur Sarkozy. Je vais vous dire quelque chose, Pujadas. Oh, ça fait maintenant des années qu'on essaye de nettoyer au Karcher la racaille. Monsieur Pujadas. Écoutez bien ça, Pujadas. Dans 5 ans, la racaille. Ah, il imite trop bien Coquelou qui imite Sarkozy. C'est un truc. Ah, mais c'est incroyable. Oh le merde. Et encore, vous n'avez pas la gestuelle. Parce que là, je suis à... Il a commencé à se raser le crâne aussi, hein. C'est assez hallucinant, quoi. C'est assez hallucinant. J'ai 30 cm de jambes. Donc, je suis vraiment en full RP actuellement. Full RP, Nicolas Sarkozy. Il est très très fort. Oh putain. Oh là là, mais c'est là. C'est. Oh là là. Et du coup, comment ça se fait que t'en es venu à crocher sur lui en fait et pas J'avoue. Sur une... Je bizarre, regardais des chiffres et des lettres quand je rentrais de l'école. Oh, oh là là, mais quelle vie. Mais ça, c'est vraiment. Non, non, alors. Quoi? Elle faisait pas de soirée. J'interdis. Mais bah, attends, j'avais 12 ans, les gars, calmez-vous. Ah, oui, c'est la meilleure émission de tous les temps avec question pour un champion. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Je dirais pas le même. Il y avait le Big Deal quand même. Le Big Deal, c'est de la frappe. Le Big Deal. Mon ami Vincent. Mon ami Vincent. Drone le jeu. C'est Barémine pour les 100 bits, Capucine pour le sub. Mira pour les 2 mois. Alors, y'a pas Laurent. Edouard Balladur Sama pour les 5 mois de sub, merci beaucoup. Et en fonction de. Oh, mais putain, mais qui pisse dans sa gourde à pisse? Mais c'est quoi ce bruit? Putain, mais. Non, mais t'as rempli mon verre, quoi. Ouais, mais tranquille, pense. Reverser ton verre, s'il te plaît, encore en vrai. Oh putain, mais c'est vraiment cool.
Merci Captain Danette pour être de WhatsApp. Non, moi je te dis, c'est Alyssa Milano, vraiment. Ah oui, c'est vrai, Alyssa Milano. Moi, c'était Bill du Big Deal, justement, maintenant qu'on en parle. J'adorais les aliens. Comment ça, adorait? J'adorais. Adorais? Attends, adore. Moi j'avais que. Non, moi c'était pas vraiment. Adorais. Alors, Alyssa. Attends. Comment elle s'appelait? Bernadette Chirac? J'ai marqué Alyssa. Non, non, mais je veux trouver. Quand j'étais petit, il y avait une actrice que je trouvais incroyablement jolie. Bernadette Chirac? Mais c'était la meuf qui jouait dans Neuilly sa mère. Ouais, elle est canon. Mais il a fait l'époque. C'est Takumi pour laisser moi de sub. Rugu du pour laisser moi. J'essaie de chercher. Véronique Jeuneste! Lynn Renaud. Ah putain! Énorme. C'était Joséphine Japy. Ah, Joséphine Japy, mais je vois pas du tout à quoi ressemble Joséphine Japy. Si je fais pas premier sur cette map, j'offre 5 subs. Chez qui? Chez moi. Francis Huster. Oh putain, non mais chez moi, s'il te plaît, étoile, je suis en galère en ce moment là, putain, je suis obligé de télécharger les cajoux à Rungis en ce moment, s'il te plaît, étoile, chez moi. C'est qui Francis Huster? Mais j'en ai marre. Un comédien. Y'a rien, Ultia, tu remplis ton bac, Ultia, Francis Huster, un comédien. Ah, mais Francis Huster, un comédien. Un comédien. Francis Huster, virgule, un comédien. Mais putain, qui c'est qui m'envoie cette rouge? Qui c'est qui me déteste? C'est moi qui envoie la rouge, mais c'est pas moi qui te déteste, mec. Hein. Francis, Ultia, est-ce que tu connais le dîner de con? Oui. Tu vois, Jacques Villeray? Bah, c'est lui. Mais non. Jacques Villeray, c'est Francis Huster. C'est Francis Huster, en gros. Tu vois, Jacques Villeray, c'est Francis Huster. C'est vachement plus clair. Est-ce que tu connais la section d'assaut? Putain, quel bonheur, ça y est. Antoine, s'il te plaît, lâche cette verre, je t'en supplie. Non, mais en vrai, on est d'accord que Francis Huster, c'est juste machin, là. Oui, c'est juste le blanc. Mais mec, juste machin, comment tu peux ne pas te souvenir de son nom? Mais pas du tout. C'est-à-dire juste machin? Juste le blanc. Ah. C'est quoi, non mais j'ai pas la culture G des personnalités françaises, excusez-moi. Non, mais tu vois pas qui est Jacques Villeray? Non mais par contre, personne qui juge la culture G. Élu homme de... Huster, je vous déteste. Homme de l'année, hein, en 2002. Ah bah non. En fait, c'est ça j'ai jamais regardé la télé, c'est peut-être pour ça aussi. Mais moi non plus, Francis Huster, c'est pas pareil. J'ai pas entendu parler de la gueule. Moi je ne le vois qu'au théâtre de toute façon, Francis Huster. J'étais surtout à l'opéra, à la rigueur. En référence aux émissions télévisées dont on parlait tout à l'heure en fait. Ouais, mais je ne l'ai vu qu'au théâtre effectivement, Francis, pour le coup. Mila Kunis, rien à dire. Mila Kunis, elle est trop belle, Mila Kunis. Ah oui, mais je sais pas qui c'est. Elle est magnifique, Mila Kunis. C'est qui? Une comédienne. C'est une actrice. Ouais, une comédienne. Dans Sex Friends, je crois. Oui, tu vois pas qui c'est. C'est la voix de Meg dans Family Guy. Dans BoJack Horseman, à un moment donné, ils font venir Mila Kunis justement. Non mais c'est un dessin. Oh merde. Oui, mais du coup, mais c'est elle qui fait la voix. Il s'en souvient de ce mot. Et c'est elle qui fait la voix, je crois. Ouais. Elle joue aussi dans Jupiter Ascending, qui était pas ouf. That 70 Show, bien sûr. Évidemment. Avec Ashton Kutcher. Bien sûr. Mila. Putain, trop. Merci Diffidus pour les 2 mois de sub. Hein, Razor Blades pour les 5 mois de sub. The Marsu pour les 5 mois. Elle a joué dans Black Swan. J'ai trop aimé ce film. Le livre d'Eli. Avec Vincent Cassel. Le livre d'Eli. Ouais, trop bien Black Swan. Ah, mais moi, ouais, non, ça, c'est pas mon... J'ai croisé. J'ai raconté ça chez DFG. Mais c'est vrai que j'ai croisé Nathalie Portman dans un jardin à Paris. Wow. Sur la ligne 3 bis. Non, mais pas sur. Appel port. Non, mais en fait, elle avait un chapeau incroyable. Genre, elle avait un chapeau, tu sais, qui couvrait un peu, enfin, de ouf, son regard. Et en fait, j'ai capté que c'était elle. Et j'étais en mode, oh ouais, elle. Oh ouais, elle était vraiment magnifique. Elle est dégueulasse, tu t'es dit, quoi. Nathalie Portman, elle est trop belle, c'est sûr. Alizé, mon crush de jeunesse. Ouais, Alizé, oui, aussi, pour beaucoup. C'est pas ma faute. Cette vidéo, là, où elle fait... elle danse avec un truc noir, là. Oui. Ouais, j'en ai non, marre. Non, Laïsla Bonita. Non, non, c'est un truc, c'est une chanson à elle. Non, c'est une chanson à elle et c'est un truc qui a fait, mais c'est j'en ai marre de vue. Ah oui, ça a fait masse vue. À l'international, il y a que les commentaires anglais. Ouais. Laïsla Bonita. Elle a un petit poisson sur les fesses. Ouais. Ce détail croustillant que vous ne lirez que dans Pure People, messieurs dames. Avec ce petit poisson sur les fesses. Laïsla Bonita. Oh, la promenade Todd! D'ailleurs, sa danse est sur World of Warcraft. Incroyable ça. Todd. Oui. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Ah, oh, c'est la dernière course. Mec, si c'est tout ce que t'as à dire, tu fermes ta gueule, pense, ok? Ouais, ferme ta gueule. Pardon. Waouh, c'est ma pompon. Désolé, bien sûr. Pardon, pompon. T'inquiète.
Je joue roi du silence, mais je joue tout seul. Putain, TTT. Ah, j'ai un chat qui me lâche les doigts. Oh, j'ai travaillé cette map. Impossible, je l'ai travaillé. Comment on bosse cette map de merde? Bah, j'ai. Elle est pas mal cette map, hein. Ouais. Aïe. Ouais. Oh, je vous ai touché tous les deux, c'est un scandale. Quoi? Oh, Marcotte. Oui. Ok, je suis 8ème. Qu'est-ce qu'il y a, Marcotte? Florence, est-ce que tu peux nous expliquer, oui, mais sans PowerPoint, ce choix de personnage? Baby Mario? Ouais. Il est mignon, voilà, c'est tout. C'est parfait. Voilà, enfin, c'est tout. Pour moi, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est synthétique. C'est vrai qu'il est mignon, Baby Mario. Mignon. Trois mots, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est ce qu'on voulait. Oh, la bombe a été lancée magnifique, je sais pas qui l'a mise, mais. Putain, wow, ça me dégoûte. Elle était incroyable. Merci. J'ai dû prendre tellement de large. Salut, oui, pense. C'est un bot, ça. Ah bah yes. Ah non, ça c'est Antoine, ça. Parfait. Qu'est-ce que j'ai pris? Putain, merde. T'es pas tombé dans l'eau. Si, je suis super heureuse. Ah bon bah c'est bien alors, j'aime bien. Mais elle a été travaillée cette fois. Oh là là, une cata. Oh, alors peut-être. Oh non, mais la blue. Elle a été travaillée. Oh, tu veux voir une indignité, Ultia? Regarde bien, tu vois Ultia? C'est parti. J'en ai marre. C'est ça l'indignité, Antoine? Non, 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 non. Non, rien. Oh, mais quel bâtard! Mais c'est incroyable comment c'est. C'est trop. Attends, mais du coup, je hais ce mec. Mais c'est tellement indigne. Mais j'étais tellement en avance. Non, non, non. Tellement indigne. Oui, mais Antoine, il a des billes pendant des foudres. Vous voulez faire quoi? Me poussez pas, on m'a poussé. JD, fais gaffe, banane. Okay. Hop là. Oh, je vais te débarrasser de toi, Antoine. Oh, c'est pas fini. Oh, j'ai fait de la merde. C'est foutu. Oh là là. Non, 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 non. Putain, c'est qui? C'est Mister JD. C'est Mister JD. Mister JD. JD. De Mister. J'ai une idée. Quelle map de fou, sérieux. Non. Oh, ponce. Oui. La Switch. Oh le bâtard. Bien vu. J'ai rien d'autre à dire. Non mais j'ai pas compris comment t'étais arrivé avec tes trois vertes là et... Oh, je suis arrivé un petit peu... Salut Ponce. Oh, Antoine. C'est qui Salut Ponce. Oh, j'ai même pas vu mec. Yes. Quatrième place. Oh là là. Ah mais c'est Rivenzi qui était en fantôme. Ouais. Ah oh, quel Rivenzo est le fantôme. Alicia, oh, ouais. Putain. Yes, je suis pas dernier. Et Marcotte qui bat Mario de métal à la toute fin. Incroyable. C'est le classement général, ça. J'étais 8ème. Oui. Mais oui, au classement général. T'as battu Mario de métal quand même. Oui, voilà. Bravo. Mario de métal. Allez, on en relance 24, les amis. En plus, j'ai perdu des points. J'ai perdu beaucoup de points avec mes décos. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Rire de droite. Merci à Nadou pour les 3 mois de salaire. Non plus, parce que t'as déco au tout début. Donc, quand même, soyons. Voilà. Si. C'était quand même vachement au début. T'as quand même fait 20 courses, quoi. Je veux dire. Je vous remontre requin vite fait. Petite terre. Le step-up de Riv est insane, par contre. Post-pipi ou quoi? Ah ouais, post-pipi, ouais. Petite post-pi, ouais. Oh, c'est vrai qu'Olivier Mine, c'est vrai qu'il était pas mal non plus aussi. Bon, allez, je vais tisser. Ciao. Allez, c'est bon. Ah, ciao. Ciao. Un petit jogging sur 20 secondes. Je vais faire pipi aussi. En attendant, je vous laisse avec l'image de Ultia. Tu veux pas laisser sur l'image de Horequin? Oh non. J'alternerai entre Horequin et... J'alternerais, je ferais une petite alternance finalement depuis les chiottes. Et moi justement je réfléchissais à qui était mon crush de jeunesse et j'ai pas l'idée en tête en fait. Trop stylé. J'en avais pas une en particulier. Je sais pas. Justement je suis en train d'y réfléchir et je sais pas. Brice Hortefeux, ouais bien sûr. Brice Hortefeux c'était le crush de qui? D'Antoine? Ouais ouais. En fait j'aimais pas le physique, c'était surtout les idées que j'aimais moi. C'était surtout ça. En fait. C'est vrai. C'était une passion intellectuelle, c'était un amour platonique. C'était ça, finalement. Complètement. C'était un amour complètement. Brice Hortefeux, punaise. Sûr. C'est qui déjà lui? Oh merde. C'est vrai qu'il était beau gosse. En vrai, ça m'étonne que t'es pas craqué pour le physique du type. C'est un député européen. De Brice Hortefeux, il a été ministre aussi. C'est en France. Oui, il était ministre. Ouais. Ministre de la justice ou de l'intérieur? De l'intérieur, non! Il a pas été. Putain, Ponce! Des chiottes! Ponce qui revient avec la bite sortie en train de pisser dans son bureau. De l'intérieur, non? Non, mais en vrai, c'était pas de l'intérieur, Hortefeux, à un moment? Peut-être, je sais plus. En tout cas, lui. Encore un qui a raté un donation goal aux The Event, lui, tiens d'ailleurs, hein, Brice Hortefeux. Pour raser un peu tout ça, là. Oh,
Pourquoi j'avais une écharpe à l'intérieur de chez moi? C'est JPN, JNL pour le Prime, merci beaucoup. Pour avoir un flow, quoi. Eric le porc épic pour le Prime également. Merci pour les Prime, les amis. Merci beaucoup. Alors, il a été ministre de l'Intérieur. Il a été ministre du Hortefeux. Brice Hortefeux. Donc, il a... Ouais, il a été ministre de l'Intérieur sous Sarko quand c'était Fillon. Il a été ministre du Travail sous Sarko quand c'était Fillon. Ça a toujours été Fillon sous Sarko de toute façon. Il a été ministre de l'Immigration, Intégration, etc. quand c'était Sarko sous Fillon. Et il a été ministre délégué aux collectivités territoriales quand c'était Chichi en 2005. Jacques Chi. Sous Villepin. Jacques Chi. Ah, d'accord. Comment Jacques ça parle de Hortefeux alors que je suis pas là comme déjà. On l'appelle. La chiche. Toi, JD, c'était qui ton crush de jeunesse? Donc, attendez, juste pourquoi on était en train de parler d'Hortefeux. JD, c'est Toadette. Claude Guéant. Non, Toadette. C'est Toadette, JD. Bah, un peu un mélange entre Claude Guéant et Toadette, alors. Ouais. Putain, vraiment. Ouais, Florence. Claude Guéant. Tu lances le Ponce? Ouais. Tout le monde est là. Vous trouvez pas, juste, oui, pardon, mais vous trouvez pas que Hortefeux, il a une tête un peu de. On dirait limite un Américain qui va se présenter avec Trump. Genre vraiment. Non, c'est les cheveux, c'est les cheveux. Un mec qui est passé dans une cage à ultraviolet, surtout, je trouve. Bah, ouais, un peu comme Donald. Hein. D'ailleurs, oui, c'est toujours pas. Toujours, le résultat définitif n'est toujours pas tombé, là. Non, je crois pas. Si, si, c'est Obama qui a gagné. Mec, c'est. Putain, c'est incroyable. En fait, en gros, on a le résultat de la Pennsylvanie. Je crois que c'est Biden qui est passé devant en Pennsylvanie, mais on attend encore les résultats. Bah non, s'il est passé en Pennsylvanie, il gagne, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bah en fait, il a pris l'avantage, mais on attend toujours. Ah oui, d'accord, c'est pas définitif. Il avait 1000 voix d'avance. Du coup, bah c'était. Il avait 1000 voix d'avance. En fait, il a fait un comeback avec de ouf, apparemment. Oui, effectivement. Bah c'est les votes dans les par mail. Ouais, vas-y, pense. Ouais. Chacun pour soi, mode normal, il y a difficile tous les véhicules, 24 courses. Mais du coup, il y a un truc qui me turlupine. Quand tu vas sur le Twitter de Trump, il y a que des tweets qui sont masqués. Oui, parce que c'est le truc Twitter. C'est le truc Twitter qui, en gros, si ce que tu dis est une fake news ou un truc comme ça ou je sais pas quoi, ne se base pas sur des choses. Excusez-moi. C'est la modération de Twitter. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut remettre les circuits qu'on avait? Bah oui, je pense, oui, oui. Parce que sinon, il nous en reste 24 autres. Oui, non, mais les autres, ils puent la merde. Non, c'est Kinbass pour les 3 mois de sub. Fibrumine pour les 2 mois de sub, merci beaucoup. Sachant que, Mais Trump s'est même fait couper par des médias américains hier en plus, pendant qu'il était en train de faire un discours. Oui, tout à fait. Il avait lancé son discours et il y a certains médias qui l'ont coupé. Enfin, là, en ce moment, là-bas, ça a l'air d'être la folie en ce moment. Bah ouais, tu sais, comme quand il s'était fait ban de Twitch, hein, par exemple. Quoi, il s'est fait ban de Twitch? Ouais, bah en fait, en gros, Il avait passé dans le club de Michou, en fait. Et du coup, le DMCA, quoi. En gros, il fait quasiment tout sur Twitch, mais il fait très peu de viewers, entre 200 et 500, on va dire. Parce qu'en fait, c'est des redifs de meetings, en fait. C'est des meetings. C'est vraiment original. Ouais, mais même, c'est vraiment de la merde. Enfin, genre, c'est vraiment. Oui, mais en fait, c'est pas beaucoup, mais c'est des meetings et ils sont pas diffusés que sur Twitch aussi. Ouais, bien sûr. C'est ça le truc. Mais quand même. Même au niveau curiosité, tu te dis quand même Donald Trump, c'est quand même assez improbable. Et en gros, il s'est fait ban de Twitch pour discours haineux. Voilà. D'accord. Aïe. Et alors qu'il y a que des redifs de. Enfin, c'est ouf, non? Ouais, bien sûr. C'est quand même, moi je trouve ça ouf. Mais après, s'il y avait. En fait, ça fait pas beaucoup de viewers parce que c'est des directs de discours qui passent aussi sur YouTube et ailleurs. Du coup, forcément, tu vois, c'est pas. Je sais pas, Alexandria Ocasio-Cortez qui fait du Among Us, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois. Oui. Là, c'est pas la même utilisation de la plateforme, en fait. Du coup, c'est pour ça que ça fait pas beaucoup de viewers aussi. Il y a des gens qui je pense. Surtout que c'est aussi diffusé à la télé, en fait. Je vois tout à fait, c'est-à-dire que ce sont de simples redifs qui passent sur une plateforme comme Twitch. Des directs, mais c'est des discours, quoi. Donc bon. Ouais, mais quand même, c'est. Quand même, se dire que c'est Donald Trump. D'accord, oui. Ça fait pas beaucoup, il y a pas de problème, mais c'est vrai que 200 personnes qui regardent, c'est vraiment ridicule pour le. C'est vrai. Les États-Unis qui parlent, enfin, c'est vraiment. Mais je fais n'importe quoi, j'arrive pas. C'est vrai. Pas la blue. Par contre, on va faire 24 courses, mais comment on va faire vu qu'on doit jouer 6 heures à Smash après? Oh là là, putain, il est insupportable. C'est quoi le problème en fait, Étoile? Non mais je rigole, en vrai, on jouera. Non mais y'a pas de problème, moi je fais les 6 heures juste après. Oula, il a dit, hein. JD qui est bouillant. Moi j'adore Smash. Les autres qui veulent pas jouer. Mais est-ce qu'on devrait, JD? Au début, tu me disais que t'aimais pas. Non, je suis pas hyper fan, mais ça va. C'est ça, une fois de temps en temps.
Évidemment que non, 6 heures de Smash, c'était assez ironique quand même, on va pas se mentir. Non, 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 mais non, ça je m'en doutais, mais je me posais la question, est-ce que tu t'étais réconcilié avec Smash ou pas trop? Bah, je joue, bah solo, j'y joue jamais, quoi, ça me saoule. Oui, ah, bon, mais pareil, hein, je joue jamais seul. Pas grand monde qui joue solo, je crois. Si, étoile. Ouais. Bah, super. Bah, gros, à vous. Bah, oh là là. En vrai, c'est non, pas au centre. Steve qui m'a redonné envie de jouer au mode entraînement. Tu sais que j'ai fait vraiment une vingtaine d'heures solo avec Steve. Super la bleue. deux bleus dans la même course, hein. Vraiment. C'est vrai, et à chaque fois, c'est quand c'est toi qui es premier. Attention. Oh, elle m'a fait tomber ta rouge. Oh, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Oh, let's go. C'est une catastrophe. Mais ça va, t'es encore bien en avance par rapport à moi, pense, t'inquiète. Je crois que j'ai mis trop de crème sur les mains, mes doigts ils glissent sur les boutons. Oh merde, c'est pas vrai, t'as mis trop de crème, Ultia. Oh la crème. Oh non, j'aurais pas dû faire ça. Non, 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 les gars. Oh putain. Oh, JD. Oh là. Oui. Oh non. NR, pensez NR, NR, NR. NR, 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 NR. Mais pourquoi vous disiez RN très vite, j'ai pas compris. Non, nice run. Nice run. Ah d'accord, excusez-moi, d'accord. NR. Ouais. Excusez-nous les joueurs. Rassemblement national. SAD. Okay. Yes. Ah oui, non, oui. Non, c'est pas ça. Très bien. Allez. Et ouais, il semble effectivement, pour continuer ce que vous dites, il semble effectivement que Biden est gagné. Hein. Enfin, il semble ah ouais que tout semble. Oui, mais c'est pas confirmé à 100% à l'heure actuelle. À mon avis, ce sera un des deux, je pense. C'est pas Trump confirmé, ou Biden, mais... je pense. Oui, mec, t'avances pas à ce point non plus, JD. Comme la Fiat 500 aussi dans le. La Fiat 500, bien sûr. Mais voilà, pour vous dire que ça sent bon pour Biden. Il va péter un câble, non? Bah ouais. Bah, il est déjà un peu en train de le faire, j'ai l'impression. Là, c'est compliqué, là. Il va. Je pense qu'il va troller. Tu te sens mal pour Trump, Ultia? En vrai, je pense qu'il va devenir dingue. Il va devenir, c'est-à-dire que... Et tout, Ah bah... Oui, pas de oui, pression d'esprit sûr. De base, maintenant. Bah oui, voilà, de base, il est très particulier, quoi. Genre, là, ça fait deux jours qu'il crie au... Ouais, au trucage. Enfin, au... Ouais, voilà, enfin, ouais. Genre, c'est... Non, il disait que les votes légaux le mettaient en tête et les votes illégaux le mettaient pas en tête, en gros. Mais c'est quoi ça serait illégal, enfin, si c'est reçu comme... Non, mais oui, enfin... En fait, le truc, c'est qu'il dit ça, mais il avance pas de preuves. Plein de donuts. C'est-à-dire qu'en vrai, il peut y avoir... Enfin, voilà, on sait jamais, tu vois, évidemment, mais... Plein de donuts. Mais le truc, c'est qu'il y a pas de preuves, en fait, ça, le truc. Il n'y a pas de preuve de l'illégalité et des bulletins. Pour l'instant, non, en tout cas. Il n'y a rien de ce qu'il avance, de rien éprouver. Oh, attends. Wop. Quel enfer, quand même, ces élections-là. Ouais, c'est l'enfer. Enfin, c'est vraiment... Mais wow, du coup, c'est... le voir hurler sur... Ça donne pas envie, hein. Ouais, j'avoue, ça donne... Ça donne pas envie. Mais presque mal pour lui. Clairement, tu préfères non, avoir Jean Castex. Ah oui, là. Je sais pas. Pour le jour, c'est rien. Pas vrai. C'est tous des pourris, hein, de toute façon, hein. Tiens, j'ai des herpes, hein. Tous des pourris, hein, j'ai envie de te dire. Hop là. Non. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, je suis obligé, t'es trop fort, mec. Non, mais c'était pas toi, c'est en fait, j'ai raté le Nevada, je crois, a suspendu son dépouillement dans la journée parce que. Ils en avaient marre, ils voulaient faire une petite pause. Ouais, je crois que c'était ça. Petit Fortnite. Il y a encore une. Je voulais jouer à LOL. Petite game de LOL. Petite enquête de Rocket League. On se met bien. Ah, on se détend. C'est la fin de cette game pour moi. Oh mais putain, elle est arrivée, mais elle, mais j'ai. J'aime pas quand l'étoile il dit c'est la fin de cette game pour moi, bon. Je suis derrière lui. Parce que t'es dans le. Cercle entre guillemets. Comme Fianso. Comme Fianso, c'est ce que tu veux dire, c'est énorme. Non, je suis débile. Oh, je suis trop débile d'avoir fait ça. Ah ouais, bah là je suis mort. Non, ouais, j'ai. Je suis dans la sauce. Non, putain. Yes, ah, c'est toi qui étais premier, Antoine. Non, j'étais pas premier. Mais putain, je me suis fait dépasser à la fin encore. Okay. Chier la bite. Mal. Bon. Trump, il a même dit à sa fille que si c'était pas sa fille, il aurait eu des relations avec. Oui, yes. Non, mais c'est. Voilà. Quoi c'est... Zéro empathie pour cette personne, hein, franchement. Ah oui, non, mais. Ah non, bien sûr. Vraiment un sac à merde. C'est même message pour les 100 000. Par contre, c'est vrai que Biden qui va être élu, il a 77 ans quand même, ça. Oui, complètement. Oui, ah, par contre, fait Biden est très vieux, ouais. Il fait un peu momie, moi, je trouve, Biden. Hein. Il fait un peu momie. C'est le dommage qu'Antoine, et regarde. Bah, je fais un peu momie aussi, hein. Oui, c'est 4 ans un mandat, tout à fait. Mais il a déjà dit qu'il ne se représenterait pas. De toute façon. Oui, bah, ce qu'on dit.
Comme Sarkozy qui a déjà quitté la politique 8 fois depuis le début de sa carrière. ce qu'on dit. Après tu vois la différence, c'est que... De 82 ans, t'es en mode... Oui, Trump a 74. Trump, il a 74. Ouais. Mais apparemment, et il y a Sanders, des... Sanders, il avait combien? Oh, plus de 80. Sanders, il avait plus de 80. 80 il a 200 ans, c'est genre... 8 millions d'années. Et comment il s'appelle Obama, du coup, il a pas, il veut plus représenter ou c'est juste parce qu'il a fait deux mandats et c'est mort? Mais Biden pue la merde aussi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec ça, les amis. En fait, non, mais on discute juste pour le coup. En fait, en gros, le dernier président à avoir été élu trois fois aux États-Unis, c'était Franklin Delano Roosevelt, qui était mort en fonction. Et en fait, après qu'il ait été trois fois élu, ils ont dit bon, on va être trois fois. Ah oui, c'était ça, oui, c'était ça. La descente givre. Complètement. Let's go. Ok, pompon. Trump est pas ouf, tu es mon adversaire. Appuie sur la bouche devant la caméra. Non, mais attendez, ça déjà. Ça, c'est un truc culturel américain, ça, pour le coup. Horrible. Non, mais par contre, je crois que Biden est vraiment mêlé à des affaires de. Si, je crois que Biden est mêlé dans des affaires cheloues, moi. Probablement. Oh, non, c'est étonnant, ça, dit donc. Probablement, oui. Je sais pas. Je suis pas renseigné plus que ça, mais bon. Comment ça? Ah, d'accord, vous en êtes là, vous. Ok. Ouh la merde. Ça continue quand même à me choquer, mais ok. Mais mec. Non, mais t'as raison. Non, mais vous fumez, vous êtes en mode. Oh bah oui, non, mais bien sûr. Mais mec. On va dire, non, mais genre en fait, je t'explique un truc. Non, mais évidemment. Mais bien sûr. Pense qu'il pense que les hommes politiques sont des petits anges. Non, j'ai pas dit ça. Mais je reste quand même toujours étonné de voir à quel point c'est normalisé et qu'on soit en mode oui, non, mais bien sûr! Ah non, mais bien sûr! C'est ça qui est terrible, ah, non, évidemment! Aussi, mais complètement! complètement! Mais ouais, mais c'est pour ça que je vote pour lui, mais bien sûr! C'est pour ça que je vote pour lui! Okay. Exactement, c'est très j'aurais bien les petites Trauss-Kahn. Alors lui. Oh là là. Oh là là, l'anaconda du FMI, comme on l'appelle. Ah ouais. Et lui-même. Hop. Oh, mais encore une blue! Ah, double ouais, double da. Au mauvais moment, bah du ouais. coup. Ouais, je pense à la même chose. Non, t'inquiète, okay, je ah, hop là. Ça casse les couilles! Attends, mais t'es sérieux? Y'a aucun problème, bon, ça me fait plaisir. Tu viens vraiment de casser la bleue pour me sauver? Oui, ça me fait plaisir. Bon, alors je backspam pas ma verre, je la mets devant. Ok, bon. Ah, j'ai bon, après, pense, il faut quand même pas forcer. Mais ouais. c'est bon, mais je suis quand même content. Ah, j'ai pas eu le bonus de vitesse, oh, chuté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon chat est passé en emotonly? Je me demande bien. Ah, c'est bizarre. Ah. C'est bizarre ça quand même. Qu'est-ce qui s'est passé, Jaggy? Ça, c'est le karma pour moi. C'est vraiment le karma d'être premier sur cette course que j'ai été un mec gentil. Oh, Ponce, t'as vraiment fait ça. Je suis passé devant. En gros, j'ai détruit sa banane de protection avec ma verte et derrière j'avais. Mais Jaggy, en vrai, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des propos irrespectueux. En vrai. Alors là, mais je me mute jusqu'à la fin. Après, s'ils ont envie de parler de la politique des US, c'est pas un problème, Jaggy. Mais tant qu'ils s'insultent pas et que. J'ai pété la bleue pour lui, pour pas qu'il soit. Et que voilà, quoi, y a pas de problème. Mais s'ils ont envie de parler de ça, ils peuvent parler de ça. Mais c'est juste que. Du coup, je voyais pas ce qu'ils disaient. Non, c'est pour ça. C'est pas problème. C'est vrai, c'est vrai. Cela ne nous regarde pas. Non mais t'inquiète Jaggy, t'inquiète. J'enlève ma cam, full tryhard. Je me suis dit, il y a eu des propos dégueulasses. Hein. Ah non, ça on peut le faire. Quelle ambiance est... Ma petite circuit. Délétère. C'est Fibrumine pour les deux WhatsApp, meilleur pour le Prime. Que l'ambiance est délétère. T'aurais pas dû les prendre les champis quoi, c'est trop le truc. Alors par contre, effectivement, c'est... Alors je vois les gens qui insultent les modérateurs, ça pour le coup évidemment, c'est très judicieux de votre part, effectivement. Bien joué. Complètement fracassé son champi quoi. En fait j'ai vu. Hop, ça dégage. L'ambiance sur le chat est délétère. Oh non arrête. Non. Délétère. C'est tellement private, c'est horrible. L'ambiance sur mon chat est délétère, les amis. Ah, je pense que ça parle de. C'est délétère. Ah ouais, dans le chat, c'est chaud? Non, ça va en vrai. Ok. Non, ouais, ça va de ouf. Il y a eu une comparaison assez intéressante. Il y a eu Biden, c'est la grippe, et Trump, c'est le Covid. La grippe. Je sais pas. Ouais, mais attendez.
Bon, j'arrête là alors, pas de problème. Non, non, mais, vas-y, pense. J'ai plus le message sous les yeux, ça a déroulé. Merde. Non, mais. Et en fait. Mais Biden, on n'a pas encore vu. On n'a pas encore. Gastro-entérite. Ah, c'était plutôt ça, oui. Et en gros, après, il y avait. Ouais, il y avait le rhume. Ouais, il y avait le sida qui était évoqué à un moment. Il y avait le sida qui était évoqué, je crois. Il y a eu quoi d'autre? Ouais. Il y a eu pas mal de trucs évoqués. Ouais, il y a eu quelques petites maladies. Non. Ont été évoqués. Ouais. On, ou... on a une syphilis aussi qui est passée. Oh non! J'avais économisé mon champi! J'avais rien économisé du tout. Ah, mais du coup, il parle vraiment plus, étoile, il me fume. Pourquoi étoile, il parle plus? Parce que je crois qu'il est deck de la dernière game. Bon, parfait. Attends, parti, je suis concentré, je m'entraîne pour un tournoi. Il après, s'il si était meilleur joueur, il serait pas deck ou quoi? Ponce. Ah bah alors, marquage, je m'entraîne. Oui? Non, mais je dois venir plus fort. Je dois m'améliorer. Je me suis fait avoir comme un bleu. Ah, je suis pas assez fort, Ponce. Mais si, mais t'es tellement fort. Je suis pas assez fort, mec. Je dois recommencer. Mais t'es je dois recommencer, fort. Je dois réussir, je dois y arriver. Mais tu là, peux y arriver. Je pense que tu trouvais que Étoile avait pas le niveau pour le tournoi. Donc Ouais. Hop là, la banane pour éviter ça, trop tard. Mais du coup. J'en ai ras le cul. Salut Antoine, mon live. Merde, je suis pris. Oh mon dieu. Mais c'est quoi la chaîne? Oh là là. À la frame de chez la frame. Mais vraiment la frame. Et du coup, je me la prends et je me suis pris ça bleu. Et non, du coup, quoi? Comment est-ce que vous avez gardé vos items? C'est pas possible, il est béni des dieux. Genre, c'est pas possible. Je prends cette rouge. Juste un frame perfect là-dessus. Juste un frame perfect en fait. Mais comment ça se fait que vous avez gardé un pied devant alors qu'il y a eu l'éclair? Mais non, c'est on l'air pour les 7 mètres sub. Yuki, carré pour aider-moi. Neftal, FF7 pour les prime. Merci beaucoup. C'est une chatte, c'est un chenil. C'est un chenil. Tout à fait, c'est un chenil. Et toi, toi qui es un pro player de Mario Kart, j'ai une question sur ce circuit. Tu vois l'endroit où il y a la petite cascade où tu peux faire le raccourci avec le champignon là. Si je balance le boomerang à cet endroit-là pour essayer de sniper de quelqu'un qui est de l'autre côté, mais que moi j'y vais pas, est-ce que le boomerang peut toucher une personne en face? Oh là là. Je pense que ouais. Je pense que l'angle, je pense que j'ai hésité, mais j'ai pas osé. Okay. Pas de loin, mais je pense qu'il touche parce que l'angle du boomerang est, tu sais, c'est un peu conique sur le bord. Ouais. Genre, c'est hyper large. Bien sûr. Je pense que ça touche. C'est un peu conique, T'es vraiment le meilleur, Étoile. Voilà. Merci. Mais je suis pas le meilleur, c'est. Si, pense qu'elle a c'est un peu conique, quoi. C'est pour ce qu'elle a la couronne actuellement. Ouais. Complètement. Complètement, je garde la cour, moi. Complètement. 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 Il devrait appuyer sur insert pour voir s'il triche. Station glag. Allez. Pas de soucis. Allez. Gueula. Oh, la station gueula. Allez. Allez. On est grand ce soir, on est très grand. Comme dirait Marc Madio. Let's go, les gars. Il y a The Belgian Fries dans mon chat qui dit « Je suis bien content en Belgique, pas d'élection, juste un king, t'as rien à faire. » Bon, voilà, c'est une jolie façon de dire pas de gouvernement, quoi, mais oui, complètement. C'est vraiment le king, quoi. Ouais, c'est vraiment le... Bah, en vrai, c'est le boss, hein. C'est juste le boss. Pas la tête. Vous avez vu que le roi d'Espagne, il a dû abdiquer en faveur. Ah, Jaggy dit on a un gouvernement maintenant. Évidemment, non, voilà, mais c'est ça, bien sûr. C'était une blague, ça de quelqu'un dans le chat, j'imagine. Évidemment qu'il y a quand même un gouvernement. Évidemment, bien sûr. Évidemment. Comme des enfants. Voilà. C'est ok. Et d'ailleurs, je crois qu'en Belgique, c'est même pire, je crois que le vote est obligatoire. Ah bon? Genre, sinon quoi? Bah sinon, tu payes une amende. Il y a des pays où le vote est obligatoire? Sinon t'es ban. Sinon t'es ban. C'est validé par le chat, tout à fait, c'est vrai ce que je dis. Ah bon? Tu prends un time-out? Tu prends 10 minutes. Non, moi je trouve ça pas bien non plus. De rendre le vote obligatoire? Bah, non. On parlait de nos crushs nuls et maintenant on parle du débat sur le vote obligatoire. Bah oui, on peut pas reparler. C'est-à-dire que si tu peux voter blanc ou quoi avec le vote obligatoire, c'est. Bah oui, tu peux voter. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de pas voter et de voter blanc, je pense. Oui, je suis d'accord. Ça veut pas dire la même chose, c'est pas le même message. C'est pas le même message, c'est sûr. Ouais, mais franchement. Non, est-ce que. Ça se fait trop. Toi, Antoine. Ça se fait trop. Oui, moi je suis contre, oui.
Moi, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, en fait, ok. Je pense que ça peut être une mesure socialement. C'est pas très équitable. Mais non, mais regarde, quelqu'un qui a besoin d'aller bosser le dimanche pour gagner. Ah bah ça. Il est en galère. Tandis qu'un mec ultra riche qui va pas y aller, qui va se prendre une amende de 100 euros, il s'en bat les couilles. Tu vois, bah voilà. Moi, ouais. Je le dis, je suis d'accord avec toi, voilà. Voilà, je suis d'accord, putain, je suis d'accord avec toi. Voilà. Non, Rivenzi. Ok, merci. Merci, Rivenzi. C'est de la chance, c'est juste passé. Oh, dommage. Oh, Ultia, c'est dur. Ouais, c'est très dur, Ultia. Ça peut finir au tribunal. Gizmoon pour les 26 mois. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je déteste tous, en fait. Je suis désolé, c'est ma haine. Ouais. Et le vote est obligatoire en Magic, sinon amende. Et si jamais tu récidives, ça peut aller au tribunal. Voilà. Ah ouais. Oh, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh ouais, j'ignorais ce fun fact sur la Belgique. C'est un fun fact. C'est pas le seul pays, Non, c'est sûr que c'est pas le seul pays, bien sûr. Je crois que t'as 4.100 bits. Faut faire attention, Steve. En Belgique, oui, l'histoire du roi d'Espagne, je sais plus ce que c'était, mais il n'y a pas une histoire de fraude avec le roi d'Espagne, ce qui fait qu'il a dû, il a dû quitter le trône, il s'est même exilé en dehors du pays, en fait. Tout à fait, le père, alors, il a dû abdiquer pour son fils, et après il a dû partir en mode, bon, allez, je vous laisse, moi, de mon côté, petite fraude fiscale, c'est chaud. Salut, mon pote. Ouais, c'était... Putain, mais c'est ouf. Le mec est roi d'Espagne, mais en plus, moi, ce qui me tue, c'est en quoi, quand t'es roi d'Espagne, t'as besoin de faire de la fraude fiscale, quoi. Ouais, j'avoue que c'est assez... T'as tout, tu as tout, tout est disponible. Hyper mal payé. Mais oui, mais attends, mais c'est quoi ce délire, quoi? Tu veux toujours plus. D'où t'as besoin de faire ça quand t'es le roi d'Espagne? Le roi d'Espagne. Tu es littéralement roi. Tu es un roi. T'es quand même roi. T'es juste, t'es un roi en fait. Si tu veux t'acheter une. Si tu veux t'acheter une Tesla. Mais oui, mais merde. C'est-à-dire que tu es roi. Tu es issu de la famille. En fait, tu es juste un roi, en fait. Et pas roi d'un tout petit pays, tu es roi d'Espagne. C'est l'un des arguments, justement, qui c'est genre, c'est... France, par exemple, pour expliquer le retour de la monarchie en France, c'est... Bah oui, mais nous, on n'est pas des politiques, donc si on revient, et ben, ça veut dire que... Nous, on a nos pouvoirs de Dieu, donc le truc, c'est que... On n'a pas besoin de détourner de l'argent. Un pouvoir de droit divin. Bah là, regarde. Par contre, à partir de quel moment pour sa Switch c'est devenu c'est dans l'air, gros, à quel moment c'est devenu c'est dans l'air? Ah, mais je sais pas, tu vois, là, toi. LCP. C'est depuis que ça a été racheté par LCP, ouais, c'est ça. Il y a Eric Zemmour qui va arriver bientôt normalement. Il va Eric Zem. Non, c'est vrai, il est pas dans l'air, c'est vrai. Quand j'étais en prépa, j'avais deux royalistes dans ma classe qui se battaient de différents bords. Les orléanistes et les bourbons. Les bourbons, ouais, je sais pas. Lance ta rouge en toi. Ah oui, à Lille aussi, il y en avait qui étaient royalistes, là, ils mettaient des trucs dans... Lille, c'était rouge en toi, je t'en souviens. Orléaniste, je crois, non? Quoi, étoile? Bon, allez, il y avait un mec dans mon lycée qui était royaliste, il se faisait frapper, c'était horrible. Il y en a marre. Moi, je me rappelle d'un mec qui était royaliste dans mon lycée, il se faisait frapper, c'était horrible. Des os, bro. Antoine qui teamplay avec Ponce. C'est trop de la peine. Mais pas du tout. Mais c'est vrai qu'il est sexy. Hein. Mais putain. Elle était à Lyon 3. Oula. Mais non, c'est moi qui me l'ai supprimé. Mon chat s'emballe sur Lyon 3. Là, qu'est-ce qui se passe? Mais étoile. C'est bon, j'y arrive plus. J'étais à Lyon 3. Vas-y, viens là, Antoine. Viens. C'est parce que. Ouais, JD, ouais. Ça va, JD? De Bourges à Skip. Et à Lyon 2, c'est plus les hippies. Quoi? Non! Oh, Riven's Why! Je te pisse dessus, Riven's Why! C'est gratuit. Désolé. Oui, c'est ça, c'est. Ah, c'est bon. Pas les spams, hein, c'est la fin. La route. Oh putain, j'ai pas réussi à les rattraper. Yes! Ça me rend fou là. Et les bonnes parties qui jouera Peach d'or rose. Peach d'or rose. Étoile, tu t'es pris tous les trucs. Non, j'ai décidé d'abandonner. Les prolos de Lyon 2, quel enfer. Oui, en gros, à Lyon 2, c'était full blocus manique. C'est là où t'as acheté ta Zeb. C'est là où t'as acheté ta Zeb. La Zeb? C'est quoi une Zeb? J'ai un gameplay tout ou rien, Florent. Ah, la Zeb, c'est de la drogue? Non, je veux 10ème. C'est ça, non, ça n'existe pas, la fac c'est gratuit, mais... C'est de la weed? Je sortais quand même. C'est de la weed? 7€ par an. C'est le cannabis. Oui, c'est que si t'es boursier que c'est gratuit, la fac. Non, mais c'est gratuit si t'es boursier, mais si t'es pas boursier, c'est genre 200€, quoi. C'est pas... Hein?
Non, je paye pas. C'est à peu près 200 non, euros pour une licence des... plus la, enfin, la Smera ou la, enfin, tu sais, les trucs sécurité étudiante. Oui, 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 ouais. Mais 250 ça euros la Marie Juanga, oui. Ça représente pas grand-chose. Ouais, que ça y bike. D'études. Moi, j'ai jamais été à la fac. L'électricité. Moi, j'avais payé 100. J'ai jamais été à la fac. J'avais pas le comment ça s'appelle, j'étais pas boursier, ouais. Et je payais, je crois que ma première année avait payé genre 157 euros, avait coûté pardon, vraiment, bien genre sûr, c'était tout petit, c'est 105, bon après bon t'as ton appart, t'as machin, t'as bidule, mais moi j'avais eu genre, j'ai vraiment le souvenir d'un 157 balles quoi. C'est aux États-Unis où ils s'endettent sur une vie oui. Pour l'université. Mais oui, c'est ça. 200 euros, ça représente l'électricité, l'eau que tu utilises là-bas. Après, nous, ça nous choque de s'endetter sur machin bidule, mais c'est la culture nord-américaine. Ah, mais bien sûr, évidemment. Ah, bah, évidemment. Barack Obama avait fini de payer son prêt étudiant quand il était président. C'est vrai ? Ouais. Il raconte ça, mais je pense qu'il y a un peu de storytelling. Ouais, c'est un peu du storytelling, je pense. Il a été gouverneur avant, je pense qu'il a... Après, c'est un peu de storytelling, je pense. Voilà, jamais plus de 300 balles l'année. Je pense que c'était une façon d'amener le problème sur la devant politique en disant « Regardez comme moi, je suis concerné et tout », ce qui était pas mal. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, putain. Oh, putain. Oh, mais attends. Avec les voitures, ils font pareil avec tout, en fait. Mais moi, j'ai plein de potes qui ont fait des écoles de commerce et tout. Putain, quasiment 30 000 balles en tout le cursus. Putain, oh! Moi, les SPEM, c'était 10 000 euros l'année. Hein. Oh, ouais, 30 000 balles, ouais, ce que je disais bien sûr. 10 000 euros l'année? Ouais, c'est une OPCOR Games, quoi. L'école post-bac en bord de mer, là, c'est 6 000 euros. C'est quelle école? De mer aussi, ça va. C'est une école de quoi? C'est une école post-bac de l'EDTech. Ok, mais. L'EDTech. Je sais pas. Tout ça pour finir streameuse sur Twitch, quoi, putain. Ça dégoûte, quoi. Ah non, moi j'ai pas fait ça. Ah non, moi j'ai pas fait ça. Ah oui, d'accord. Non, non, moi j'ai fait un cursus full gratuit. Je crois qu'il y a... Ouais, Harvard, c'est... Sus Ratus. Voilà. Moi bon, j'étais pas boursière, du coup, il y avait quand même... Moi j'ai fait Oxford. Moi j'ai fait Harvard. Non mais tu rigoles, mais Harvard, je crois que c'est $60,000 ou un délire comme ça à l'année. Hein. C'est un peu cher. Après, c'est worse. Hein. Ouais, c'est worse. Si t'as les moyens, c'est worse. Bah, c'est worse. Tu te rends compte de combien de temps tu vas mettre pour le rembourser, quand même. Mais ouais, genre, mais mec, en fait, si tu fais Harvard, crois-moi que... Mais mec, tu vas pas gagner d'argent. Non. Je suis d'accord. Tu vas pas forcément être Zuckerberg, hein. Putain, ouais, voilà, en fait, ouais, genre, 60 000 l'année, imagine, sur 5 ans. Bon bah voilà, hein, c'est quand même... Ciao, bye. C'est chaud, quoi. C'est quand même très très chaud. On me dit 40 000 Harvard et 60 000 Yale. Ouais, t'as des belles écoles de merde à 10 000 euros par an, exactement. Après, tu sais, moi j'ai regardé Gossip Girl. Exo, exo. Et bah les personnes qui allaient à Yale, bah, ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont l'air. Ils avaient tous beaucoup d'argent dans Gossip Girl globalement. Non, parce que Dan, il a pas beaucoup d'argent. Ah oui, c'était père. Le prolo, mais qui vivait quoi? Il vivait quand même à New York. Donc ouais. Bon, non, mais il vivait à New York. Mais New York, ça dépend où. Oui, mais il vivait genre à Brooklyn, je sais pas quoi. Ouais. Il est dans les rues de Brooklyn. Brooklyn, non. Non, mais il y a quelqu'un dans ton chat, bon, parce que je vois tout. Il dit: et toi, Lil Rev, c'est pas parce que tu fais Harvard que tu gagnes 10K par mois? Non. Mais Harvard, même si ça te garantit pas de gagner 10K par mois, c'est quand même. Il y a les gens qui font Harvard généralement s'en sortent très très bien dans l'avenir. C'est-à-dire que tu peux pas plaindre les gens qui vont payer Harvard, genre par pitié. Enfin, je pense qu'il y a d'autres problèmes dans le monde, en termes d'études, que de plaindre les gens qui font Harvard, quoi. Genre par pitié. Quand même. Je suis à Bellecour École à Lyon. Je ne sais pas si tu connais. Je me suis endetté 36 000 euros les 4 ans. Bah, Oui, 36 000 balles sur 4 ans. Ouais, moi je connais plein des gens comme ça. Et des gens, tu sais, quand t'arrêtes tes études en cours de route, des fois tu dois redonner la somme sur le cursus entier. En fait, ça dépend des écoles. Moi j'avais une histoire d'un pote qui avait fait ça. Il avait fait qu'un an, mais il vous devait payer pour les 3 années ou je sais pas quoi. Oh, what the fuck. Ah ouais, c'était mal, j'avoue. T'es content là. Et là tu te rends compte que l'école est nulle, t'es en mode. Mais en plus, c'est ça qui est terrible. C'est souvent des écoles. Enfin, il y a beaucoup d'écoles assez bidons, quoi. Bah oui, alors que l'école de la vie, c'est gratuit, quoi. Oh, exactement, il est assez doux. Ouais, est assez doux, hein. Alors, tu dégages chez nous ? Je dégage. Mais je reviens, et toi, là ? Ouais, elle avait dit ça, elle est assez doux ? Oui, ouais, elle avait dit qu'elle avait fait l'école de la vie. Ouais. Alors que c'est complètement une fille d'eux. J'avoue, c'est un peu. Non, mais elle a fait les cours fleurs, en plus. Non, mais c'est surtout qu'elle a vraiment. C'est dire que t'as fait l'école de la vie quand t'as eu un passé aussi privilégié. C'est... Ouais. C'est bizarre. C'est honteux. Après, bah, ça reste de la vie, hein. Oui, d'accord. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça reste la vie, ouais. C'est ça.
C'est un peu comme si tu nais, t'hérites de 10 millions d'euros et tu fais « Je me suis fait tout seul !» Bah, y'en a plein qui disent ça. Non, C'est la fac de droit, moi j'en ai connu des gens comme ça. Hein, qui... Enfin, ils héritaient pas de 10 millions d'euros, mais... Oh, 10 millions, c'est quand même non, rare, ils les héritages millions, de 10 millions, quand même. Le côté, genre, j'ai 200 ou 300 euros d'argent de poche par semaine, et après, le côté, ouais, mais moi, si j'ai réussi, c'est que je me suis donné les moyens, très bon. D'accord. Mon gars. 200 euros d'argent de poche par semaine. Ah oui, mais j'ai non, c'est pas énorme pour le coup, je trouve. Enfin, ça va vite, hein, tu vois. Ah non, j'avais pas ça. Après, deux, bon. Trois soirées, pas ça va assez vite. 2-3 McDonald's de campagne et ça disparaît. Non, mais faut compter à la fin de la semaine, c'est compliqué quand même. Hein, mais ouais, c'est ça. C'est mais tu sais que moi j'ai beaucoup de mal avec ça aussi quand. Tu sais, des fois les gens sont en mode waouh, t'es chaud, t'as réussi telles études, etc. Et moi je me dis souvent que l'éducation. Ou peut-être la chance d'avoir eu des parents qui étaient toujours là pour toi. Bien sûr, évidemment, ça joue. Mais en plus, ça ne retire en rien ton mérite à toi aussi, en plus de ça, tu vois. Si, ça retire tout. Moi, je trouve ça en méritant, mec. Moi, je trouve que ça retire. Moi, je prends mon exemple, tu vois, mais je trouve que ça retire quand même un peu. Ça retire pas tout. Non, mais oui, mais bien sûr que oui, mais c'est juste que c'est pas grave, c'est ok, c'est tout à fait ok. Oui, il y a R. Mais... Oui, t'as eu de la chance, et puis voilà. Oui, il y a R. Mais c'est juste que t'as quand même un. On a tous eu de la chance à certains moments. Oh, mais et je c'est tout quoi. Et oh putain, mais j'en ai ras le cul! Excusez-moi. Oh, bon, là, j'ai plus que j'avais. Non, mais depuis le début. Oui, oui. Oh non. Là, j'ai dit bien vu le Max Pop. Tu vas oh putain, elle est pas passée loin celle-là. C'était sûr que t'allais. J'ai réussi à te stopper devant la ligne, Antoine. Comment il a fait, ce bâtard? Putain, mais je suis full 4ème ce soir. Ah bah, je suis full 9ème, alors plains-toi. Moi, je connais il y a quelqu'un dans le chat qui me dit « Moi, je connais un mec, il a fait Harvard et à la fin de son cursus, il a vendu le dessin d'origine de Dracofeu, mais il est blindé de ouf. » C'est vrai ce que tu dis, Jackal. Aïe. Le ouf. Ah oui, c'est vrai que Macron, il avait dit que c'était dur pour les étudiants parce que lui, il avait que 1000 euros par mois pendant les siennes. Non, oui, c'est pas vrai. On a oublié ça. Non, c'est pas vrai, il a pas dit ça. Si, je te jure qu'il avait dit ça. Il a dit ça. Il a dit bien d'autres choses, tu sais. Il a vraiment dit qu'il avait que 1000 euros par mois. Oui. Moi, c'est pareil. Après, enfin, vous arrivez à vivre avec que 1000 euros par mois, vous ? Ça dépend où t'habites, ça dépend ce que tu fais. Ouais, après, ouais. What the fuck ? Enfin, avec 1000 euros par jour, vous arrivez, vous hein. Non, c'est un peu serrer la ceinture. Non, franchement, 1000 euros par jour, j'y arrive, ça va, tu vois. Mais je fais pas les folies, quoi. J'en reviens pas. Après 1000 euros par jour, enfin... Après, tu sais, Macron, il est complètement déconnecté de la réalité. Enfin, je veux dire, c'est... Il sait rien, mec, hein. Lui, il est en mode 1000 euros, c'est de la merde, tu vois, genre... Complètement déconnecté. C'est vrai qu'il avait 1000 euros loyer compris ou pas? Ah, les astuces ratus. J'espère, sinon il est vraiment, c'est le roi du monde quoi. Mais je. Moi, c'est j'avais, possible. J'avais 300 balles quoi. Après, ça dépend. Après, c'est aussi, ça dépend de où est-ce que t'habites, mais oui, c'est complètement délusionnel. Moi, au bout d'un moment, avec ma mère à nous deux, on vivait avec 600 balles par mois, nous deux, pour le coup. Ah ouais, c'est l'enfer hein. Ouais. C'était pas facile, mais bon. Ça n'est sorti. Les pâtes étaient le quotidien. Ouais. Un peu, ouais. Après, certains week-ends, il y avait du pesto. Et ça, putain, c'est le plaisir, ça. Franchement, si je réussis pas ce cut, je ne parle plus jusqu'à la fin de la soirée. Ah non. Oh putain, vas-y, foire-le. Ah, je l'ai réussi, je suis désolé, Antoine. Oh putain, par pitié, mais ferme ta gueule. Merde, je suis désolé. Je voulais pas. Mais putain, mais j'en ai ras le cul. Mais est-ce qu'on peut dire, Antoine, que tu as start from the bottom? Au moment où j'ai commencé les vidéos sur YouTube, j'avais start from the bottom à ce moment-là, oui, complètement. Un peu. Il y a pire, mais il y a bien mieux aussi. Il y a toujours. Oh, aïe. Qui une fois de plus. Ah non. Oh non, mais putain. Mais gros, mais pareil, je me suis fait. T'inquiète, non, on a vécu la même. Ah, par contre, JD ne cut pas. Et ça. J'ai plus envie de jouer. J'ai vraiment plus envie de jouer. Bah arrête. J'arrête, c'est bon. Pourquoi elle est passée à côté de moi, elle? Putain, mais tu disais qu'elle avait 12. Oh, mais putain. Désolé, toi là. Full 4ème hein, pour moi. Okay. J'ai trop de chance, ça n'a aucun sens. Attends, mais j'ai plus envie. Attends, est-ce que je vais passer devant l'étoile? Non, non, si, oui, peut-être. Non. Bah, courage is no good. Courage is no good. Ah, quand même. Oh, je me souviens pourquoi j'ai arrêté ce jeu. Je me souviens. Oh, c'est bon, je me souviens maintenant.
Non, là j'ai trop de chance. Là j'ai eu. Question de sérieux, ça rémunère bien Twitch. Oh, mais gros, je joue bien, mon run est propre. Il y a quelqu'un qui demande question sérieuse, ça rémunère bien Twitch. J'ai zéro idée comparé à YouTube. Mon expérience perso, je peux te dire que, en tout cas, dans mon cas, oui, très bien. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Ouais, je pense que si tu compares les vues, Twitch paye beaucoup mieux que YouTube par exemple. On avait fait le calcul l'autre soir, et en fait, en termes de pub, ça paye exactement plus ou moins le même prix sur YouTube que sur Twitch en termes de pub. Mais la pub, bien sûr, mais c'est vrai que sur Twitch, non, t'as ce système d'abonnement. La pub, elle te rapporte beaucoup plus, on a fait le calcul l'autre jour. Bah justement, non, justement, sur Twitch, elle rapporte un peu moins la pub. Ouais, oui, mais la pub sur Twitch, ça représente un faible pourcentage de nos revenus Twitch. Ah oui, bien sûr, ça représente un faible pourcentage. Oui. C'est qu'en gros, il y a cette idée de notamment avec les émotes et les abonnements, il y a ce truc-là où, en fait, c'est du crowdfunding permanent, en gros, oui. Twitch. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a quelqu'un qui dit 750 subs et tu peux vivre de Twitch environ, je pense même c'est un peu moins. Après, ça dépend si t'es en 70-30. Si t'es en 70-30, ça dépend où t'habites. Ça dépend de plein de trucs. On en discutait avec Ponce, on disait que ça se tournait plus autour de 500 en réalité. Après, ça dépend où t'habites. C'est sûr que si t'as un appart en plein milieu de Paris ou je sais pas quoi, ouais, effectivement, ça va être compliqué. Mais sinon, avec 500 subs, tu peux vivre du streaming. Clairement. Ouais. Ça dépend. Complètement. Je pense que vous entendez par vivre du streaming. Genre, quand j'avais 300 balles par mois, je vivais quand même. Oui, non, mais bien sûr. Oui, t'étais pas morte, effectivement. C'était pas ton activité principale. Bien sûr. C'est différent. Du coup, je pense 700, même moins, je suis d'accord avec vous. À partir de 400 subs, tu ouais. peux Franchement, je sais. Ça fait déjà à peu près minimum 2000 balles par mois, quoi. Franchement, même en habitant, par exemple, quand j'étais c'est une ville qui coûte vraiment... Oh, t'es un bâtard. Mais non, mais c'est Étoile, c'est la faute à Étoile. Mais c'est que ton loyer, il était cher. Non, mais attendez, oh, c'est bon, je m'en suis pris 18 depuis le début de la hausse. Non, c'est pas cher, Berlin. C'est pas cher. Ça coûte rien du tout, Berlin. Ah ouais, mais il y a des gens qui disent ça. C'était cher, ton loyer. Oui, parce que c'était un appart dans lequel on était deux, et finalement, je me suis retrouvé tout seul. Et donc, c'était cher de payer cet appart-là tout seul, mais c'était un choix aussi. Mais oui, c'était cher, mais c'était rien comparé à Paris. Quoi 60 mètres carrés, je payais 850 euros par mois. Enfin, en plein cœur de Berlin, ça change rien. Enfin, ça coûte rien comparé à Paris oui, ou quoi, tu vois. Je pensais que c'était plus que ça. Non. Les bits, ça sert à quelque chose aux streamers. Oui, bah du coup, c'est un peu comme les donates, sauf que c'est contrôlé par Twitch, quoi. Bah, ce qui fait vraiment la différence, c'est la répartition 50-50 ou 70-30. En fait. Ça fait la diff, mais faut préciser une chose parce que les gens disent 70-30, 500 pour 3, avec 3,50, t'es bien. Mais attention, là, vous parlez en brut, quoi. Il y a les impôts, il y a tes cotisations sociales, il y a tout ça qui fait que t'inquiète pas que tu touches pas 3,50 sur un sub, évidemment. Oui. Évidemment. Ce serait beaucoup. Et aussi, par contre, il y a un truc qui est à pas négliger. Moi je pensais à ça parce que je regardais jamais mes stats en gros sur Twitch. Regarder les stats de ce que t'apporte Twitch, tu vois. En gros ils te disent t'as gagné tel argent avec les abonnements, tel argent avec les bits, tel argent avec les pubs. Ouais. Et la thune que ramènent les pubs, quand tu mets des pubs régulièrement, c'est abusé. Parce qu'en fait, c'est un truc qui est négligé par certains streamers, mais les revenus des fois... C'est Lucast pour les 11 mois de sub. Tes revenus, quoi, ou 30% de tes revenus. Ah, tu veux dire c'est pour quelqu'un qui met beaucoup de pubs. Connard de virus. Par exemple, Solary, le stream ou... Bah ouais. Moi, tu vois, moi je mets très très peu de pubs. Non, le bot il troll au niveau des subs. Ça m'a rapporté l'équivalent de 20% de ce que je gagne ou 30% de ce que je gagne. Ah ouais. Moi les pubs me rapportent beaucoup, mais c'est parce que il y a pas mal de gens sur les lives et tout. Mais en fait, on avait fait le calcul l'autre fois, et en fait c'est à peu près un CPM qui est... à peine inférieur à celui de YouTube. Ouais, je crois que justement, ça en parlait sur mon Discord aujourd'hui, et je crois qu'on n'a pas le droit du tout de dire combien ça nous rapporte les pubs. Ah bah, non, mais de toute façon, je le dis. C'est la même chose sur YouTube, mais on n'a pas dit le montant. Je peux pas pré-shot le truc et vous le dire, j'ai pas dit les détails, mais. Pas dit de montant précis. Ah oui, pour ceux qui se demandent, le 70-30, c'est 70% pour le streamer, 30% pour Twitch. Et 50-50, c'est 50% pour le streamer, 50% pour Twitch. Tout à fait. Et comment tu passes ? Parce qu'il y a des gens qui demandent comment on passe à 70-30. Bah, en fait, il faut afficher un certain nombre de subs constants. Enfin, pas afficher publiquement, mais. Non, c'est pas ça, mais ils m'ont dit de pas donner le chiffre publiquement. Ah, je sais pas. Non, mais moi, je sais même pas combien c'est en vrai.
Et du coup, bah, une fois que tu as validé ce montant et c'est hors prime et hors subgift, et ben, tu peux passer en 70. Ouais, c'est ça, ouais. C'est précis comme chiffre ? Oui, c'est un chiffre précis, oui, tout à fait. Ouais, je connais le chiffre. Je connais aussi bien sûr. Et bah, moi, je ne le dis pas du coup, mais oui, ils peuvent en parler. Bah, c'est bizarre. Je vois pas pourquoi ils peuvent pas le dire en fait. On avait pas le droit de. Moi, c'était marqué dans un mail à la fin. Je joue mal. Ah ouais. Mais non, mais en vrai. Et ceci ne nous regarde pas. De quoi parlons-nous? Je ne sais même pas. Prime et hors subgift, quoi. Ouais. Oui, c'est hors prime et hors subgift, tout à fait. Prime, c'est censé quand même être. Moi, je n'ai jamais réussi à franchir ce. Pour donner un indice, j'ai jamais réussi à franchir ce nombre de subs hors prime et hors gift. Ouais. Let's go, je sub chez JD, quoi. Mais c'est juste. En fait, n'hésitez pas à donner votre prime à des gros streamers et à donner votre vrai sub à. Ouais, j'avoue, c'est vrai. En vrai, c'est vrai. Malin, ça, oh non! C'est ce que tu dis, mais c'est assez vrai. C'est assez vrai même. Oui, mais du coup, c'est très contre-intuitif, mais n'hésitez pas à faire ça parce que vraiment. Oui, enfin, en vrai, dans tous les cas, privilégiez toujours les plus petits streamers en vrai. Si vous les regardez autant que de très gros streamers. Oui, mais enfin, moi, c'est ce que je pense si en tout cas. Oui. Évidemment, je vais pas m'en plaindre. Mais par exemple, si t'as le choix entre quelqu'un où tu sais très bien qu'il a 150 subs et quelqu'un qui en a 3000, moi je prends mon exemple, mais typiquement, si tu subs chez quelqu'un d'autre, je serais en mode bah normal, tu vois, il y a R. Non, moi je suis en mode c'est mort, allez, ça va aussi. Genre là, par exemple, moi je suis sub chez Ponce. Pas dans la charité, hein. Et je sais que genre je vais donner mon prime à Ponce, alors que j'ai toujours donné mon prime à Rive d'habitude, parce que bah justement, il y a cette règle, quoi. Oui, complètement. Ça fait, même si c'est que 1, c'est déjà ça. Mais ouais. Non, moi je suis pas en 70-30 par exemple, pour ceux qui posent la question dans mon chat. Mais après, je trouve que, en tout cas, le fait que jusqu'à un nombre de subs assez élevé, Amazon prenne la moitié des revenus, je trouve que c'est beaucoup. Voilà. Ouais, c'est Ah non, c'est honteux. C'est une carotte sur Je trouve qu'on se fait un tout petit peu de carotte. Non Mais surtout que les viewers, eux, ils veulent. Les personnes qui te regardent, ils veulent te soutenir toi, quoi. C'est vrai qu'ils sont bien. Ils sont pas les couilles d'Amazon. En moi, à chaque fois, quelqu'un s'abonne, il dit aussi pour Bezos. Merci Jeff. Merci Jeff, bien sûr. C'est pour Bezos, c'est pour Bez. Regarde-toi, mon pote. Bah, ils veulent lécher son crâne. Hein. Évidemment. Ah, non, mais ça, je suis d'accord. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. De ouf. Et oui, exactement, c'est ça, c'est la moitié du brut, bien sûr. C'est vrai qu'on a parlé de sexe, ensuite on a parlé de politique, maintenant on parle de fric. Ouais, lécher son crâne. C'est quand qu'on parle de drogue, là, ça doit arriver juste. T'inquiète. Bah, c'est... Ça arrive. Bah, c'est arsenic, hein, sexe, pouvoir et bifton. Très bon son d'arsenic. J'espère que vous allez l'écouter. Ok, bah, j'écouterai, mec. Très bien. Mec, tu peux le mettre. En vrai, c'est complètement Ben de Twitch qui prend les 30%. Ouais, je peux vous le dire. C'est Ben de Twitch. C'est en fait, Ben de Twitch, c'est le seul type qui prend les 30%. C'est ça. Il se régale. On a pas fait les circuits de Donkey Kong aujourd'hui. C'est vrai. Allez, moi, ça part là-dessus. Il vient quoi déjà? Hein? Forêt tropicale des cas, c'est dans Banane. Banane, quoi. C'est dans Banane. Yo, c'est un stream de droite ici, tout à fait. Uniquement des gens de droite. C'est ça. Nous sommes tous de droite. Hein. Je vais le sourire. Chardel. Ah bah la jungle des cas. Et voilà. Et bah voilà, il suffisait de la demander. Merci Static Glitch pour les 6 mois de sub. Merci beaucoup. Et oui. Ok, suivez les raineurs, les gars, les religions, ça arrive après la drogue. Ok. C'est vrai qu'on n'est pas dans le bon ordre. Mais le script de K.A. Kripon ce soir est assez sulfureux, hein, ce qu'on s'est dit. Il est en dax, il s'est dit là, j'ai envie de péter un plan ce soir. elle a réuni lundi quand on s'est dit qu'il y avait Ponce à la suite, fait quand il nous a présenté le programme, on était en mode waouh, Ponce. La chronique de Rivenzi sur cacahuète. Sur cacahuète. Sa première chronique, et il a commencé à dire oui, et puis alors vous savez que... Ah oui, sur Le Roi et l'Oiseau. Voilà. C'est vrai. Il a inspiré Miyazaki, tout à fait. Je trouve que ça, c'était cadeau, bien sûr, pour Brillant Société, n'hésitez pas à la reporter. Putain, je glisse. C'est horrible. Hop, c'est propre ce qu'on est en train de produire. Après, moi, comme si vous voulez vraiment détendre l'ambiance, j'ai le sketch de la souris. Ah Vas-y. Tu l'as ? Non, je ne l'ai pas. Ah putain, ça va pas être filmé. Mais je sais que la vidéo existe pour le coup. Ah putain, mais let's go. La vidéo existe. Let's go là. KVR. Je leur demande, mais... Ah, je sais, oui, je crois qu'elle existe. Ça doit être tellement gênant d'avoir une vidéo de son fils à 10 ans qui fait du bigard, putain. Bah apparemment pas tant que ça. Après c'était pas de lâcher de salope, pour le coup. Bah heureusement. Il est pas hardcore, vraiment, il y a rien d'hardcore dans ce sketch pour le coup. Heureusement, ça aurait été horrible, mec.
Non, mon père me l'a arrangé d'une certaine manière. Mon père me l'a réécrit. Bon, Rivenzi, là. Il a écrit des trucs, hein, pour le coup. Il est en train de gratter le nez. Parce que tu trouvais pas comme ça le texte du sketch, hein. Du coup, il fallait le retrouver, le réécrire, etc. Ça, c'était voilà. Un vrai boulot, monsieur. Oh non, je pris une banane random. Salou. C'est trop bien, c'est trop bien. Oh non, j'ai cru que c'était le dernier tour. Je suis une merde, j'ai lancé ma verte, je pensais que c'était le dernier tour. Oh, je suis une merde. Une sombre merde. Oh, ah. Oh, c'est une catastrophe. Oh, c'est une catastrophe, les amis. Aïe, aïe, aïe. C'est toi, Antoine, qui est tombé? Ah oui, oui, complètement. Oh, l'enfer. Ah, c'est la descente aux enfers. Moi aussi. Et je ne prends pas l'objet. Je suis dégoûté, j'ai pas pris de cadeau. Un petit éclat? L'électricité? Non, 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 non. Oh là là. Oh non. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quel jeu de merde. Oh, il vient de dire la merde. C'est incroyable. Let's go. Pousse. Let's go. Let's go. Quel jeu de merde. J'ai pris 2 bleus, 7 rouges. C'est horrible. Quel jeu de merde, mais c'est vraiment un jeu à chier, genre c'est vraiment un jeu nul à chier. Quel jeu qui pue la merde, personne. Riv Andy qui fait une première place quand même. Oh là là, incroyable. Quel step up du Riv. C'est incroyable. Ignoble, dégueulasse. J'arrête. Ouais, le destin s'est acharné. Mais c'est de ma faute, j'ai cru qu'on était au dernier tour, qu'on était au deuxième tour. Let's go. Let's go. Je suis tellement content. Allez, Yosh. C'est ouf. Ça, c'est le premier top 1 de la soirée, c'est dingue. Oh non. Putain, oh non. Mais il remet la Marseillaise, quoi. Putain, oh, mais... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu mets la Marseillaise, Rivenzi? Qu'est-ce qu'il fout? C'est peut-être trop, pardon, pardon, pardon. Ah, il a fait top 1, quand même. Je me suis un peu emballé, ouais, c'est parce que j'ai fait top 1. Ah bah vas-y, parce qu'il est pas de RPZ de la FR. L'hymne de Breton, messieurs dames. Guanadou. Je monte pas mon nombre de subs à plus vite, moi, effectivement. Allez, le chat. Putain, on va se faire supprimer la VOD. À cause de la Bretagne, quoi. Je pense pas qu'il y a DMC. Je pense qu'il y a pas de DMC là-dessus. Ah, c'est le... C'est l'hymne breton? Oui. C'est joli, c'est pittoresque, quoi. C'est mignon, quoi. Tout à fait. C'est bien brave, quoi. C'est breton, hein. Ça, par contre, c'était l'hymne gallois. Alors, ah. C'est le même hymne que l'hymne gallois, l'hymne breton. Ouais, mais ça, c'est l'hymne gallois. Ah, t'étais pense. C'est l'hymne breton. C'est l'hymne breton. Non, c'est l'hymne gallois, ça. Tiens, prends-toi cette carapace. Putain. Ah, tiens. Il m'a dit bouffon. Il m'a fumé. Il t'a dit bouffon. Il m'a vraiment insulté, bouffon, oui. Mérité, en vrai. Ouais, mérité. Oh, putain, j'ai cru que c'était... Oh, non, ouais, mérité. Oh, non. Moi aussi. C'est pas cool, ça, JD. Ah, il vraiment insulté. Je l'ai cherché. Mérité, tu l'as cherché. Il y a tous les Bretons dans le chat qui m'insultent. Mais Mendy, là, viens là. Mais merde. Je suis tellement dans l'air, tellement JD me met la pression mentale en mode. Voilà. Oh, les bananes, là. On se calme, les gars. Ça, c'est très bien joué, le chat. C'est beau, ces circuits, j'en ai plus. D'accord. Non, 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 non. Moi aussi. Ah, dommage, Antoine n'est pas tombé dans le trou. Non. Antoine, je t'envoie un truc, t'essaies de le rattraper. Vas-y. Vas-y, réflexe. Très bien. J'ai raté, je suis désolé. Oh merde. Non. Ouais, désolé, bro. Vive la Bretagne, bro. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Pareil, je suis déçu, vraiment. Vive la Bretagne, bro, l'enfer du team. Mais non, mais ça suffit les rouges là, ou d'un moment. Ça va, si vive la Bretagne, c'est ok. Ok, c'est ok, en fait, je le kill. Il double avec l'étoile, c'est poncé encore là, mais il est insupportable. Salut, Tia. Non, non. Vas-y, dans le trou, hop là. Dans le trou. Dans le trou, là. Non, pas encore, pas encore. Mais non, mais vous allez pas me mettre à l'aide. Encore, il y en avait encore une. Oui, désolé, bro. C'était, elles sont toutes de moi. C'est mais infernal, mec, tu m'en as envoyé 5. Ouais, ouais, non, 3, je t'en ai envoyé. Tranquille, tranquille, y'a rien. Oh, y'a rien, je vais. Hier. Ok, c'est bon. T'as évité le klaxon. Je
vais beaucoup trop vite, c'est trop chiant. Oh non. Éternel 4ème hein, sur celui-là. Hein. Incroyable. Hein. Ah, après, Éternel 4-4. Je peux pas te. Oh putain, je pouvais pas te rouge, t'étais sous. Ah, je suis. Merci, Johan Jojo pour les 100 bits. Florick Grimes pour les 4 mois de sub. Merci beaucoup. J'adore quand je le bille, il met presque plus de temps à passer. Putain, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Ah, on te voit bloqué sur la carte, effectivement, Florence. Non, bloqué non. Sur mais la non, carte. Mais... Est-ce que t'es déco? Tu ne finiras pas. Tu t'es déco, Florence? Bah non. Ah, ok. Bloqué sur non, la carte. Il a crié, mais c'est un mec qui m'a passé devant, fork. Mais genre, vraiment, à la prime. Ligne d'arrivée. The Trick Fork. J'adore, je suis déjà dixième, alors bon, ça saoule, quoi. Attends, en Bretagne, il pleut tout le temps, quoi. C'est vrai, mais non, il pleut que sur les cons. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Ah, c'est pour c'est ça ce qu'on qu'il dit pleut en beaucoup. Bretagne, comme dirait. C'est pour ça qu'il pleut beaucoup là-bas, effectivement, oui. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est la pire réponse de dire ça. Il pleut. Ouais, il pleut effectivement que sur les cons. Oui, mais il pleut tout le temps chez vous, les gars. Non, il pleut pas tout le temps. C'est pas vrai. Non. J'étais en Bretagne cet été. Il faisait beau. Il faisait très beau. C'est vrai. C'était un très bel été. Il faisait très beau en Bretagne cet été. C'était un bel été, je suis d'accord. Je me suis fait crever les pneus 3 fois et tout, c'était cool. Mais non. Non, c'est faux. J'ai non, pas de bagnole, j'ai pas de permis, pas de permis. j'ai pas le permis. Ouais, tu vois, Antoine, tu véhicules des fausses idées, tu vois, donc fais attention, quoi. Your fake news. Gross fake news. Let's go. La tristesse, on m'a dit, en vrai, ça passe, t'es pas dernière. Bah en vrai, mais en vrai t'as tellement peu joué au jeu, Florence, aussi, bah c'est oui, normal. C'est pas dur avec ça. Est-ce qu'ils peuvent fermer leur gueule, eux? Mais de quoi tu parles, étoile, là? Bah ils sont méchants avec Florence, je la défends. Ah, ok. Mais quoi? Mais je parlais de son non, chat. Non, mais c'était même pas méchant, en plus. Non, c'était vraiment pour la réconforter. What the fuck, Antoine, j'étais en train de la réconforter, tu dis ça, vas-y, c'est bon. Ouais, c'est bon, étoile, là, tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé, toi. C'est pas un peu fait le même effet que quand tu viens de te faire larguer et qu'on te dit un perdu, 10 heures retrouvés, tu vois. Ne parle pas, étoile, là. Parle pas, Antoine, ne parle pas. Ouais, c'est bon, là. Bah, tu vas pas me voir dans cette course. Attends, ouais, j'ai pas le droit. Ouais, je te vois plus, étoile. Je te vois plus, étoile, là. Sauf qu'Antoine, tu me l'as mis derrière, en fait. Ouais, carrément. Je te l'ai mise derrière, ouais. J'adore te la mettre derrière, pense. Bon, bah, je vais, ok. Non, arrête, étoile. Il veut s'aligner, ce bâtard. Ah, voilà. J'aurais dû mettre ma roue sur étoile. Sur Antoine, pardon. Ultia est premier. Quoi, moi, mais pourquoi ça me target, là? Juste derrière. C'est quoi ce délire, là? Oh, j'ai pas d'objet, super. Pour la peine de mal parler la Bretagne, plus de cheer pendant un mois. Ah non. Oh. La pression économique. Non, j'adore la Bretagne. Je suis un grand fan du Finistère. C'est quoi ta ville préférée? C'est quoi ta ville? Ta ville préférée de Bretagne, pense, c'est quoi? En vrai, je pense honnêtement que. Alors, je sais que c'est chez les riches et tout, mais Vannes, je trouve ça super beau. T'es jamais allé en Bretagne? Mais si, je suis allé à Vannes. C'est Pégard. Mais mec, bien sûr que si, je suis déjà allé en Bretagne dans ma vie quand même. Je savais pas. Si, après. Jamais allé. Ouais, je sais, mais. Mais moi, oui, du coup. Je sais pas si ça existe, mais je pense que c'est assez générique pour que ça existe. Plougastel aussi, ça existe. Si, Plougastel, bien sûr que ça existe. Non, c'est pas ça. Bien sûr que Plougastel, ça existe. J'ai dû le voir quand j'ai eu Gaisard. Plougastel Saint-Germain, il y a plein de Plougastel. Plougastel, c'est la base. Non, mais en vrai avouez que Vannes, c'est joli quand même. Oui, c'est super joli, beau, Vannes. Très beau. Vannes, c'est Van, ouais. C'est magnifique. Et même toutes les îles à côté et tout, c'est une frappe en vrai, ce coin-là. Étoile, bien sûr. Étoile. D'accord. Non, c'est de la diffamation. Les gens qui disent Nantes, là, mais franchement, allez, c'est... Waouh, t'as bien pris le temps, hein. Je viens de rouler. C'est terrible. Je me sens humilié. Mais pourquoi tu fais ça, Pont? Parce possible. Que tout à l'heure, tu t'en es foutu que je peinte quelque chose. Oh, gros, le mec est rancunier, quoi. En gros, c'était il y a 8 semaines. On a fait du coup. C'était il y a 60 années. Ouais, c'était... Je sais plus quand c'était, mais bref, enfin, je me rappelle... Non, pas ici. Oh non. Si. Oh non. Justement, c'est par rapport à ce qui s'était passé. Pense, tu vas regretter... Tous pourquoi ces moments à t'accrocher comme ça. Tu es béni des dieux. Je suis béni des dieux, tout à fait. Mais tout c'est fait. Quoi? Mais gros, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce qui se passe. Mais Ponce, j'ai fini 6ème à cause de toi, quoi. C'était tellement pas nécessaire de faire ça. Je sais pas, mais dimanche je vais me faire. C'est Darkofo pour le prime. C'est sûr. Ah oui, trouve-moi ça. Non, c'est Ponce qui m'a mis le klaxon tout à l'heure. En vrai, ça doit faire 18 courses que toutes les courses sont pareilles. Mais je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. Ma vie n'a aucune saveur, genre. Je pense que je fais des belles runs, mais. Mec, t'as peut-être le Covid. Mais après, t'es avec des gros joueurs là. T'as quand même. T'as perdu du goût, hein. J'ai aucune. Y'a plus de saveur.
Tu y a un peu de saveur quand même. Non, non, là j'ai aucune saveur là. Moi, là, un peu quand même. Je mange et y a rien quoi. Non, mais toi, ta vie est trop bien. Là, là actuellement, c'est pas mal. Ta vie est trop bien, ouais. Tu rends ouf, t'as trop de chance, ça va pour, je sais pas, pour une fois. J'ai l'impression que je prends bien mes cuts, que je fais bien mes trucs. Tiens, elle est en plus remise en question. Bah oui, en fait, je me remets grave en question parce que je suis pas immonde normalement, quoi. Et là, je sais pas, j'arrive à rien. Et bah, il faut te remettre en question, Ultia, là, au bout d'un moment. Ouais. C'est ce que je fais. Voilà, hein. Mais hey, mais on l'a déjà fait ça. Non mais je vais pas jouer dimanche, ça va me rendre trop triste. Pas terrible, mais si c'est Ponce qui m'a dit. Bah mec, tous les dimanches, tu sais que je t'ai jamais battu sur un tournoi de dimanche. Non, ça va me rendre trop triste mec, je pense que dimanche je vais jouer à... Je pense que je vais jouer à GeoGuessr pendant 67 heures. Et je vais faire que, et je vais faire que Avignon. Bah peut-être que tu finiras 3ème du coup, et toi là, c'est cool. Oh, c'est... Oh là là. Ah, alors là, mon cher Antoine, retiens bien ce que je vais dire. Je vais jouer H24 jusqu'à dimanche. Je vais pas dormir. Je vais pas dormir ce soir. Je vais faire 24 heures d'affilée de France et je vais le battre. Comme ça, après, il va dire qu'il est fatigué et que c'est pour ça qu'il a perdu. 24 heures, Antoine. 24 heures. Je la connais. Je vais mourir. Je mourrai dimanche, je serai mort et j'écrirai sur mon lit de mort. C'est de la faute d'Antoine Daniel, né à aucun des pas. C'est dur. Ok, ok, étoile. Ok, étoile. Ok, étoile. Ok, étoile. Ok, étoile. Ok, ok, étoile. Tu verras. Pas de problème. C'est quelqu'un dans mon chat qui a dit la Bretagne c'est surcoté. Mais je trouve que c'est pas trop coté. Non, si, c'est assez coté. C'est coté la Bretagne. C'est ultra coté par contre. Ah, moi j'aime bien la Bretagne. C'est pas ma région préférée de France. Enfin, mon pays dans la France préférée, pardon. C'est la France, toi plutôt, ouais. Mais je pense que c'est. Mais moi j'aime le Pays Basque. Oh putain, quel fun. Je pense que je devais être beaucoup trop loin, mais moi j'ai jamais entendu quelqu'un à Paris-Venzy vanter les mérites de la Bretagne. Non, arrête la Bretagne. Putain, mais tu connais pas les plus gros forceurs du pays, toi. Mais je viens de m'expliquer, je dis, je pense que j'étais beaucoup trop loin parce que je n'ai jamais rencontré de personne qui vantait les mérites de la Bretagne. Mais non, j'ai pas dit que c'était pas une belle région. Moi aussi j'étais loin. Non, mais le nombre de gens qui parlent de la Bretagne. Ouais, en bien, j'ai jamais. Bah, Monté, il vient du Grand Est et il arrête pas de vanter les mérites de la Bretagne. De Haute-Marne. De Haute-Marne, oui. Voilà. Ça ne l'empêche pas. Non, quand même, c'est... Les gens aiment bien la Bretagne de manière générale. T'as jamais fait de festival par exemple? Parce que bon, au festival. Si, mais j'ai jamais croisé de Bretagne. T'as jamais bu de l'alcool? Les Bretons. Oh non, mais ça suffit! Pardon. Pitié, y'a pas une bleue là qui veut venir là? À part Rivenzi, c'est le premier Breton que j'ai. Y'a pas de bleue. Oh là là. En fait, Étoile, on se rend compte qu'il gagne que s'il y a des carapaces bleues, mais sinon il perd en fait. Bah ouais, en vrai, ouais, c'est vraiment le cas. Y'en a une qui arrive. Bah ouais, mais trop tard, parce que Pompon a un halo autour de lui. Il a un halo. Je baigne dans la victoire, je ne sais pas comment, pourquoi, quand. Quatrième. Halo de victoire. C'est hallucinant. Bah, je... Non mais alors par contre, Ultia, j'hallucine sur le fait que t'as pas rencontré des gens qui forçaient sur la Bretagne. Jamais, non. Juste, Rivenzy, quoi. Putain, mais c'est ouf. Mais c'est vraiment, c'est un truc, les Bretons, c'est... J'ai un message à mon chat. Je ne sais pas en quoi les Bretons sont des forceurs. La Bretagne, c'est juste la meilleure région de manière objective. Bah voilà. Pourquoi vous êtes des forceurs, voilà. Tout à fait. Non, Rive, il est pas si forceur que ça sur la Bretagne. Non, Rive, ça va. Rive, ça va. Et pourtant, on dit ça va alors qu'il a quand même des émotes Bretagne, le drapeau breton derrière lui. Et on est en mode ça va. C'est vous dire à quel point c'est hardcore. Je sais pas si vous captez. C'est vrai que il te dit bonjour en disant que Kenavo. Oui, et il te dit, et à chaque fois qu'il trinque, il dit Ermat. Il dit Ermat. Et voilà. Enfin, et on dit ça va. Oh, Florence, t'as vraiment pris cette map? Quoi? Florence ne sait pas jouer définitivement. Choisir le royaume sorbet, c'est ne pas savoir jouer. Oh là là, le royaume sorbet, Florence, mais ça va pas quoi. C'est trop bien le royaume Bessor. Oh là là, et Rivenzy qui prend le désert sec. Non mais là. Et il y a le désert tout sec aussi. Oh là là, mais c'est quel enfer. Il y a le parc gloop gloop. Non mais je préfère le parc gloop gloop. Oh non, c'est mais la meilleure map du jeu, par contre. Chier, putain. Gloop gloop, c'est la On me demande à quand les modes valdoises. Jamais. De France et de Navarre, ici est une safe place, donc venez. J'habite venir parler breton, vous avez le droit. C'est une safe place. Non, mais ferme-la. La voilà la blanche Hermine. Tous les provençales, n'hésitez pas à venir, les minots. Vous calez directement, même l'Occitanie. Même l'Occitanie, vous pouvez venir. Oui, les provençales, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, mais l'Occitanie, ici, moi j'ai vécu à Toulouse. Les provençales. J'ai vécu à Toulouse, les amis.
Mais dans les territoires. Non, je parle de la Provence ici, tu as bien compris. Non, mais je parle d'Occitanie, l'Occitanie, tu quittes. C'est oui, pas la Provence, l'Occitanie. J'accepte. Non, bah non, surtout pas. Mais j'accepte ah oui. aussi l'Occitanie. Surtout pas. Surtout pas. Bah attends, bro. J'accepte. Il a dit surtout pas, on sait jamais. Les Auvergnats, on va où? Bah non, mais c'est quand même pas. Bah attends, c'est quand même pas la même culture à Toulouse qu'à Marseille, quoi. Oui, effectivement. Oh, c'est ah, quand je même sais le pas, c'est un peu pareil, hein, Nougaro. Mais après, Nougaro. Bah oui, mais Nougaro, c'est Toulouse, merde. Nougaro, c'est Toulouse. Bah t'as une preuve? Bah oh. Oui, il est en énorme affiché au début de la rue Parc Avenir. Oh, mais mec, j'habitais au bout de cette rue, j'habitais rue du Thor. Incroyable. Je sais, j'habitais rue Parga, moi je t'ai dit au 21. Mais putain, t'habitais Parga. Oh là là, incroyable. Mais oui. T'as un clip Twitch. Incroyable. Je suis toulousain. Non. Donc bon. On a habité, quasiment dans la même période. Mais oui, mais c'est fou, Ponce. C'est ultra fou. En vrai. Mais oui, t'as effectivement la photo de Nougaro en énorme entre la place Saint-Pierre et Parga Minière. Et Parga, ouais, c'est ça. Tout à fait. Et rue du Thor, c'était entre Thor et Parga. Non, t'as la rue des Lois entre Parga et. Ah oui, rue des Lois, pardon. Exact. On m'a dit que Toulouse était éclaté comme ville. Oh là là, mais ferme ta gueule. Moi j'ai adoré. Personne n'a jamais dit ça, je pense. Oui, Toulouse, tout le monde aime bien, Nick. Je rigole. Ne trigger la moitié des gens. Le gars, il veut juste trigger des gens. C'est son seul objectif. En fait, les gens sont très chauvins, quoi. Mais moi, même pas tant que ça. En même temps, moi, je viens d'Île-de-France à la base, donc oui, voilà. C'est interdit. C'est interdit. Interdit d'être chauvin. C'est interdit, mais c'est normal. Si, de pas être chauvin. C'est interdit. C'est interdit. C'est pas interdit, mais c'est juste que c'est normal. Enfin, tu vas pas être chauvin de merde. Oh là là, putain. Oh. Le gars, il vient d'une ville où le seul truc, c'est une putain de comptine pour enfants avec un pont brisé, quoi. Mais nique ta race, quoi. Calme-toi, quoi. C'est bon. Oh, le festival d'Avignon. Bah, comment, oh ça comment ça s'est passé cet été, le festival d'Avignon, mon cher Pansé? Ah, c'est marrant, ça. Ah c'est oui marrant. Comment ça s'est passé, le confinement dans la région parisienne, mon cher? Ouais, franchement, vachement bien. C'était cool. Waouh, ça l'ambiance. Franchement, c'était cool. L'ambiance est délétère ce soir. Et c'est bien pour ça que et les Bretons, nous savons que nous sommes les meilleurs. Non mais. Et pendant ce temps-là, il y a JD en train de manger de la fondue en Haute-Savoie là. Qui va à l'Algérie? En fait, je suis le seul connard ici qui vient d'Île-de-France, en fait, je crois, à la base. Oui, tout à fait. Alors, parce que JD vient de Savoie, enfin de Haute-Savoie, excuse-moi. Rivenzi, tu viens de Bretagne. Ponce, tu viens d'Avignon. Ultia, c'est où déjà? Je viens de nulle part, c'est horrible. Dans l'Est? Non, mais j'y suis partie, j'avais 6 ans et demi. Ah oui, c'est ça. Je sais pas, en fait, je sais pas d'où. T'as Florence, ça vient de Clermont-Ferrand, Auvergnat? De l'Est et du Sud. De Nice et de Reims, voilà. Nice et Reims. Oh, le désert tout sec, là. Il y a des gens qui me font des plaidoyers dans mon chat sur la Bretagne. Mais non, mais Étoile, toi, t'es né à Limoges, Étoile, c'est ça? Ouais, mais je suis Sartois. T'es Sartois. Sartois, je suis Sartois, frère. Sartois, frère. C'est quoi le chef-lieu de la Sarthe? Le Mans. Le Mans. Ouais, bien joué. Très rapide. Le Mans qui est une ville exceptionnelle. Très vite pour demain. Ouais, grave, Étoile. Le Mans, c'est une ville exceptionnelle. Ouais, complètement. Non, mais tout le monde m'a toujours dit ça. Non, mais déjà, vous fermez tous vos gueules. Et tout de suite, vous écoutez à quel point le Mans, c'est un endroit exceptionnel. Ouais, vas-y. Il y a de la rillette. Oh, oui, ah, argument validé. Mais j'en trouve au Leclerc à côté de chez moi. Ah, vrai, bah moi merde, aussi, j'ai plus d'arguments, ça. Ah, merde. Bon, bah, c'était tout. Bon, bah. Ça paraît un peu léger. Oh! Oh non! Oh, quelle map de merde! Oh, ce snipe que j'ai toi, mis sur JD! Florence, toi, tu viens de jouer? Oui, bien joué! Tu viens d'une parisienne? Non, clairement. Elle vient d'un triangle, t'as compris? Ah, c'est énorme! Moi, j'ai pas compris. Ah oui, non. J'ai pas compris. Si, angle droit, angle droit. Un triangle rectangle. Ah oui, pardon, par rapport au pseudo. Et non, mec, vraiment bien joué là, celle-là. Vraiment bien joué là-dessus. Merci. 1-0. Et putain, j'en ai ras le cul des bleus! J'en ai ras le cul! Quand même qu'on arrête ce jeu, qu'on joue à Smash. Tu parles très mal de la police. J'en ai ras le cul des bleus. Et orbe. Énorme van. Ah, il y a un argument assez énorme qui dit la haute couture est supérieure à la couture, donc ça veut dire que la Haute-Savoie est supérieure à la Savoie. Est-ce qu'on valide ça? On valide du côté de Mister JP. C'est un classique, hein, évidemment. C'est vraiment de la merde, putain, c'est nul. J'ai que les objets de merde. C'est juste totalement. Surtout qu'il n'y a pas trop de guerre en réalité entre la Savoie et oui, la Savoie. Oui, mais oui. On s'en bat les couilles. C'est vrai. Bah ouais, non. Nous, on est plus pour comme les Bretons, se barrer de la France, mais ensemble, quoi. Unis.
Je suis désolé, mais si la Savoie se barre de la France, il n'y a plus de Savoie, quoi. C'est terminé, genre. Oui, oui, bien sûr. Enfin, c'est compliqué, quoi. Mais non, mais. Oh, mais non, mais restez, comment on va faire sans vous, quoi, les Savoyards? Comment on va faire sans la rillette? Comment on va faire sans la Savoie, quoi? Sans la tartiflette. Quelle route, quelle course de merde. Oh là 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 là. C'est un peu pareil la Bretagne. Je me fais et la... Comment ça pareil la Bretagne? Bah la Bretagne, on est d'accord que si elle se retrouve toute seule, c'est chaud, non? Attends, je me prends vraiment la bleue. Comment est-ce que vous allez faire pour vendre vos crêpes à 14 euros à Paris? Oh là là. Justement, ce sera toujours un produit d'exportation. Ouais, mais on va mettre d'importation dessus et tout. Ah. En vrai, moi, ça me dérange pas. On va mettre sur les crêpes bretonnes, bien sûr. Voilà. Par contre, je me suis fait baiser en fin de round, là, c'est terrible. Sixième, je crois que c'est mon meilleur classement ce soir. J'ai pris le karma. Non, parce que tu vois, genre, moi, j'adore la Provence, mais je suis chaud qu'elle reste en France, quoi, j'avoue. Sinon, c'est chaud. Trop bien. Ouais, mais moi, attention, la Bretagne... Trop contente que... Trop content que la Provence reste en France, là. Ça fait trop plaisir. Trop content. Content d'avoir voté le désert tout sec. Il reste quoi là? Vive les Alpes-Maritimes, la soca, la pisse et la dière, le pain bagna, les beignets de fleurs de courgette. Oui, et Christian Estrosi, bien sûr. Estrosi, bien sûr. C'est YZFR, parlez de moi de ça. Mais ouais, les spécialités culinaires, bah, c'est vraiment cool. Mais je me suis toujours trouvée. J'avais un peu le cul entre deux chaises, hein, vu que je suis partie à mes 7 ans. J'étais trop large pour la Haute-Marne et la Marne, et j'étais trop plouc pour Nice. Un le genre cul de entre deux chaises. Mi-plouc, mi... rire sudiste. Mi-riche de... quoi. C'est vrai. Ah ouais. Trop d'art pour De Gaulle. Hop là. Quoi hop là? Bah tu ferais aller parce que c'est Royaume Sorbet. Oh mais putain, mais tu sais que quand j'avais, c'est mort. Merci, quand j'avais fait la tier list de tous les circuits et que j'avais demandé l'avis du chat... Ce circuit était arrivé, je crois, vraiment dernier des derniers. Ouais, c'est un des pires, je crois. De... Bon, il est un peu naze, hein. Avec une moyenne genre de 3 sur 20. Mais vraiment. Ouais. Ah, il a chier. Vous êtes vraiment des haters? Non, c'est... Enfin, haters. Des haters. Des haters. Avec un arrobase à la place du A. Voilà, ça y est, je suis déjà 8ème. Putain de merde. C'est moi qui suis 8ème. Après, JD, si tu joues mal aussi... Non, c'est le circuit qui joue mal, c'est pas moi. Oh, calme-toi. Alors, ah non, mais moi je suis très calme, hein, c'est JD. Je fais un petit récapitulatif du runner. La politique c'est fait, l'argent c'est fait, les régions c'est fait. Le sexe c'est fait aussi. Le sexe c'est fait. On a pas fait les religions, on a fait? Non. Pas encore. Ouais. La drogue c'est bon ou pas? Non, la drogue on n'a pas fait non plus. Il manque en gros, il manque au niveau du script là, ce qu'on avait prévu, ouais, il manque drogue et religion, il me semble. D'accord. Donc voilà. Bah on se garde pour quand on fera du smash alors. Ouais, bien sûr. Ouais. Quoi? Il est pas con lui. C'est quoi ça? Il ira pas. Ouais. C'est vrai qu'il est. Il est pas ouf, j'avais oublié. Non, il est pas dingue. Non, il est pas dingue. Non, c'est sûr qu'il est nul à chier. Après, c'était pas mon choix, c'était celui de Rive, hein, si je vais balancer. Non! Si, il est c'est totalement ton choix! Si mais non! Bah, oh, la fois d'avant, t'avais voté pour celui-là. Oui, mais oui, j'ai aussi voté pour celui-là. Putain, je me fais dépasser par Marcotte. C'est quand même le royaume sorbet de Rive qui a été choisi et pas mon royaume sorbet à moi. Ah oui, d'accord, le tien est très différent. Non. Le tien est très très différent, ouais. Je pense que le mien était mieux. Il y avait forte chance, oui. Moi j'aime bien la musique, elle est apaisante. Oui, la musique est assez cool en vrai. Bon bah voilà. Dommage qu'elle soit pas à l'image du circuit, quoi. C'est vraiment des Rage-X du Royaume Sorbet. Des Rage-X. C'est des Foot-X mais rageux. Vous êtes rendu c'est un faux rageux, quoi. Oh la double bombe, oh la double bombe. Je suis à chier, je hais cette course de mort. Jidet. Oui. Il est assez technique en vrai parce que... Jidet, Mister Jidet. Ouais, c'est moi, très ouais. Trop sang. Très trop sang, Mister Jidet. Non. Faut pas dire ça, non. Bon, la bombe. Sympa. La bombe. Jidet. Ouais. Ouais. Fais attention. Ok. Ouais, non, je vais rien t'envoyer du tout. Non, je vais rien t'envoyer du tout. T'aurais pas pu donc. Oui, non, c'était pas ouf. Ok, nice. Ouais. Cinquième, trop nul. Ah, chier. Je suis pas encore arrivé, les gars, donc calmez-vous. C'est Sizzle pour le Prime. Piou, 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 piou pour le Prime aussi, merci beaucoup. Oh, les Marcottes. Comment, c'est tous connus? Un meeting RN, il me semble. C'était ça?
C'était ouais, enfin, c'était encore le FN à l'époque, ils n'avaient pas renommé en RN, mais ouais, c'était un meeting. Ouais. Tout meeting, à fait, c'est là-bas que j'ai rencontré Ponce tout de suite. Un cours de poésie. Bah ouais, parce qu'il adore le racisme. Oh, c'est fou. Il adore le racisme. Les amalgames. Les clips. Non, mais il y a des débats, vous me régalez, ça me fume. Il y a plein de débats dans les chats, là, dans mon chat, ça dit de toute manière, si la Belgique devait se séparer de la Flandre, la Wallonie va se rattacher à la France et on deviendra le Nord-Pas de Flamand. Il y avait eu des, je crois, un canular comme ça en Belgique où il y avait des journalistes qui avaient dit que c'est la vie 75 pour de la Wallonie et trucs comme ça. Bah c'est pour le train de la hype, les amis. C'est tout. Un peu parti en couille, c'était en mode ouf. Ah oh ouais, bah non, mais attends, mais je pense que les. Je suis pas belge, j'en sais rien, mais je pense que les Belges, ils n'ont strictement aucune envie que ça arrive, ce truc là. Genre. Tu serais peut-être surpris. Jamais. Jamais je deviens Tazor pour les Français. Le Nord-Pas de Flamand, on appellerait ça. On leur laissera pas le choix. Il me semble qu'il en reste 4. Bah tu vas le voir. C'est vrai qu'il est tard là. Oh là là. On a commencé à faire. Il reste 6 en comptant celle-ci. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Bah, on a fait 48 quoi. Ah, je confirme ce que vient de dire Riff, c'était un poisson d'avril. De quoi? Mais qui a pris un peu mal apparemment quand même. De quoi tu parles là? Le truc que la Wallonie et la Flandre allaient se séparer, c'était un poisson d'avril, mais ça a pris beaucoup d'ampleur. Et on me dit qu'il y aurait eu un docu sur cette affaire qui s'appellerait Bye Bye Belgium. Je sais pas si ça parle de ça, mais je crois que oui. Il y a même eu un podcast d'affaires sensibles de Fabrice Drouel qui a été. Ah, Fabrice Drouel, bien sûr. Drouel. Drouel, pas. Oh là. Et il y avait même apparemment Laurent Romeshko qui en aurait parlé. Qui a adapté ça. Là. Je devrais me procurer le lien de toute urgence. Tout à fait. C'est très important. T'as déjà vu la sextape de Roro? Ouais. De Roro? De Laurent. Ah ouais, on m'a dit qu'il a eu sodomie en 9 lettres, hein, ça. Quel craque. C'est monté l'autre soir, il m'a montré la chaîne officielle. C'est. Oui, monté, il m'a montré l'autre soir la chaîne officielle des chiffres et des lettres. Et en fait, ils sont en mode. Leur miniature, c'est en mode gros malaise sur le plateau, ça tourne mal, des trucs comme ça. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est la vérité. Oui, c'est la vérité, ouais. C'est un de mes modos qui nous l'a montré et a monté à moi. Et c'est vrai que. Il y a même des vidéos où c'est genre. Bertrand Renard humilie un candidat sur un calcul. Vous voyez que Bertrand Renard il humilie. C'est vraiment un sale. Oui. C'est un sagouin, lui, hein. Hey. Je voulais dire un truc, c'est un salaud. Un vous salaud. Foutre, vous êtes un salaud. Pas la troisième ou deuxième bleue là. J'arrête de blinde parce qu'on est là juste pour passer un bon moment. Oh non, tu backs. Ouais, attention, il y en a d'autres. Oh bâtard, j'ai pris la tête. Oh non. Oh non, mais t'es un connard, Pompon. En plus, j'en ai besoin et tout, je les envoie. Genre, je vais faire 5ème à cause de ça. Non, ça va. C'est moi qui fais 5ème à cause de ça. Le mec me dit, attends, il y en a une autre, je la prends instantanément. Merci de Doxys pour les 2 mois de sub. Let's go. Quel est ta main pour les 100 bits aussi, Mathieu? Double sniper. Ah, c'est dur. Attends, il y en a une autre à droite. Ah, montez, merci pour les 21 mois. Oui. Mais bon. Incroyable. Ah là là, putain. Toujours la banane. Énorme. C'est énorme. Rassurez-vous. Allez, la remontada. Jeu, quel jeu. Petit carapace. Mis sur pied. Carapace supplément, carapace. Ah, c'est bon, ça. C'est vrai qu'elle a effacé toujours debout, ouais. Connard de virus. De ouf. C'est mes messages. Non, moi, je préfère toujours debout, quand même. Toujours. Bah, objectivement, c'est une meilleure chanson, oui. Oui. Mais du coup, je l'ai plus en tête, tu sais même. Je veux dire. Que connard de virus. Corona Song. J'ai jamais entendu Corona. C'est vrai. Vulven TV pour les 5 subs offerts à la communauté. Chanter, merci beaucoup. S'il te plaît, le dernier tube de Renault. T'as débarqué un jour de Chine. Retourne-y, qu'on t'y confine. Dans ce pays, on bouffe du chien, des chauves-souris, des pangolins. Moi devant ma télé pourrie, entre BFM et LCI. C'est vraiment trop grave. Toujours. Il dit vraiment ça ou pas? Ou bien la pauvre Roselyne Bachelot. J'en peux plus d'être coincé chez moi. Je veux voir le monde, comment il va. Bref, et ainsi de suite. Oh, c'est horrible, ça me détruit. Parce que du coup, j'avoue, j'ai jamais réussi à l'écouter plus d'une. Ah ouais? Enfin, ouais. Bah en fait, en gros, j'avoue que... C'est pas la bonne musique, en fait. Je me suis peut-être trompé de lien, ouais. Je me suis peut-être trompé.
Mais je suis une merde. Non, Florence. Non, non, je refuse. Ah, si je vous assure. Florence, non, 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 arrête, arrête non, de dire des choses comme ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. Fille brillante, tu as... Non, 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 non. Tu peux pas c'est une grosse merde. Si je peux me permettre, c'est pas tout à fait vrai, en tout cas. Ah. Ah oui. Non, 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 non. Tu es vraiment quelqu'un de brillant. Non, mais non, pas non plus. Pas non plus, Ponce. C'est pas la peine de parler. Ah, ok, ok. Bon, t'es complètement con, on déteste. Non, Ponce, il est jamais dans la demi-mesure. Oh, c'est terrible ça. C'est ça qui est vraiment terrible avec Ponce, hein. Mis à part le racisme constant, quoi. En plus, oui. Parce que bon, on parle même pas de son racisme, tu vois. Mais non, bien sûr, évidemment. Ponce, le raciste. Mais d'ailleurs, ça, je n'ai pas toujours. Il vient d'où ce running game? C'est Étoile qui a dit ça un jour. Toi-même. Pourquoi? Bah en fait t'as refusé de faire Ponce la Switch la semaine dernière parce que je suis arabe. Et j'ai trouvé ça assez... Ah ok, j'étais pas au courant de ça, ok d'accord. Après j'ai trouvé ça comme assez fou quoi et... Ah mais attends, t'es rebeu. Et bah, tu fais partie de génération identitaire aussi. un détail. Ça c'est Ponce. Horrible. Oh attends. Vous avez pas vu à Avignon? Ok. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Horrible, oui la ville est dégueulasse. Il y a eu un meurtre de la part de quelqu'un de ce truc là. De quoi? C'était peut-être pas ce truc là, c'était Ah bon, oui, j'ai pas vu ça. Après moi les news en ce moment. J'ai pas vu du tout. Non. Aujourd'hui ah non, non, ça date d'il y a genre une semaine, un truc comme ça. Bah si, ouais, ah si, t'as pour le Prime. On va arrêter d'en parler, ok, pas de problème. Ah, parce que. Si, c'était ça. Ah, mais. Le... Bah, en gros, y a un mec de. Comment vous avez dit là le groupe là? Génération Identitaire. Génération Identitaire. Oui, ah, voilà, Génération Identitaire. Ah bon, identitaire. On va être du coq. Ah non, c'était une tentative, pas meurtre. Voilà, une tentative, pardon, effectivement, à Avignon, ouais. C'est le jour. Ah oui, le jour où il y avait eu d'autres trucs, genre à Nice. Tu es fake news, je pense. C'est ça. Pardon, excusez-moi, c'est une tentative. Ça, tentative. Un mec de... Allez, bah oui. Ouais. Ouais, ouais. Le sujet religion arrive. Ouais, super. L'ambiance c'est... Et voilà, ça y est, on embraye, c'est parti. Oula, mais la transition est smooth, hein. La transition. Alors, Aurélien, vas-tu répondre à ces déclarations sur... ouais. sur ces confessions que tu disais presque... Ouais. Aïe, 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 aïe. Alors maintenant, on pourrait parler. Qu'est-ce que vous pensez du stérilet? Est-ce que vous pensez que moi, je trouve ça top. J'en ai un depuis 4 ans là. Je trouve ça top. Ah bah, drôle, on peut tous se mute et laisser Ponce parler du coup. Ah, mais non, c'est pas vrai. Je rigole. En fait, je viens de comprendre. On me dit dans mon chat que le mec de Avignon, là, c'était le fameux truc où tous les articles disaient un voisin ah oui. identique et qui était nazi. Ah, ouais, c'est ça. Ah oui, oui, c'est, oui, oui, si, si, je l'avais vu passer ça, oui. Ah, oui, c'est ça. Oui, ouais. D'accord, ah, oui, c'était Avignon. Voilà. D'accord, ok. Adepte du nazisme, mais bon voisin. Oui, c'était ça. Oh, on s'est fait des bonnes fêtes, hein, il était gentil. Oh, il était gentil comme non, tout. Non, puis il dépannait le sucre quand même, des fois. Oh, il était gentil comme tout. On a mis le Bob Pasta là, il a jamais embêté personne. C'est vrai qu'il défilait le bras levé dans le jardin, mais sinon, à part ça. Ouais. Il défilait le bras levé dans le jardin. On n'a jamais eu un problème avec lui, il a toujours été adorable, il a gardé les petits, il leur a enseigné 2-3 trucs, il leur a lu des bouquins, bon combat, je sais pas quoi. Ouais, il leur a appris la main, c'est un bon gars. Attendez, mais là, on se fait des vannes depuis 4 heures, et vous pensez que je déteste Ponce pour avoir fait une blague sur la drogue, genre c'est grave. Mais, genre, mais quoi qu'on se... Mais j'ai rien dit, mais quoi chat, non, mais dans mon chat. Ah oh, mais... Il faut aussi un jour avoir consommé un max de drogue. Moi j'ai pas consommé autant que toi, Ponce, mais quand j'étais plus jeune j'ai consommé pas mal en vrai. Ouais. Oh putain. T'avais commencé à en parler dans Ponce qu'on avait fait ensemble. Ah oui c'est vrai. On avait commencé un petit peu à en parler. Mec, j'aimerais bien que tu mettes cette vidéo en privé, je trouve ça cringe en fait finalement. Ça te dérange pas ou quoi? Je trouve que c'est un peu le malaise, mais bon. Ok, bon, bah je la supprime ce soir. Ouais, ça te dérange pas trop, s'il te plaît? Ouais. Non, la supprime pas, mais la juste en privé, quoi. Mais pas de soucis, bro. Mais bon, tranquille. Putain, mais c'est ouf quand même cette histoire. Désolé, Rive. J'ai l'impression que depuis le début, à chaque fois que je choisis un circuit, je choisis le circuit que j'ai choisi. J'avais une sensation un peu similaire la dernière fois aussi que j'avais joué. Dommage, ça tombe toujours sur les gens qui choisissent des circuits de merde. De merde. Il est bien, Promenade Toad. Moi, je l'aime bien celui-là. C'est l'un des pires. Non! Il est trop bien. Non, il se promène. Antoine? Oui. Ah non, je te regarde derrière toi. Non. Oh là là, mais t'as c'est... pas regardé Antoine? Si si, j'ai complètement regardé, t'inquiète. La vision était très cool. La vision était nice. Il manquerait plus que quelqu'un arrive et me roule dessus quoi. Mince. Oula. Oh, j'ai évité la bleue parce que je pensais que c'était la fin de la course et du coup j'ai ralenti et c'est Antoine qui a pris la bleue, c'est incroyable. Non, c'est moi. C'est JT. Oui, mais j'avais le champi pour l'esquiver mais j'ai appuyé un poil trop tard, je pense. Ah, aïe. Oh, des gros problèmes.
coup dur. Dis merci à Rive d'être venu à l'ESJBG et envoie-lui une carapace pour le remercier. Voilà. Ça régale, merci beaucoup. Antoine, est-ce que t'es prêt? Et t'es où pour la carapace Ah bah t'es là. Bah attends, tiens. Ah merde, ah tu t'es protégé. Ah bah j'ai pas pu lui envoyer, je suis désolé. Ça m'a pas du tout aidé cette histoire. Je suis désolé Antoine. Je vais laisser pas tuer, je passais devant. What the fuck Antoine, qu'est-ce que tu fais? Antoine, je suis désolé Antoine. Pourquoi il va dans l'autre sens? Antoine, je suis désolé. Antoine, non, Antoine, j'ai vécu ce que je t'ai mis et je suis vraiment désolé. Non Antoine, s'il te plaît, s'il te plaît, Antoine, s'il te plaît. Antoine, s'il te plaît, non Antoine. Il est doux. Antoine, fais pas ça, fais pas ça. Non, tu as fait une rayou, Antoine, tu as fait une rayou, fais pas ça. Il a fait demi-tour. Aïe, aïe, aïe. J'ai fini 3ème, j'ai pas fini 4ème, j'ai fini 3ème, je crois. Voilà. Étoile qui vient dans mon chat et qui fait... Ah ah, il a fait 12ème. La honte. Ah là là, Étoile, la merde, comme on l'appelle, hein, bien sûr. Évidemment. Merci Gizmoun pour les 100 bits, Sailor pour le Prime, ouais, merci beaucoup. Allez Gretoy pour les 7 mois. Ça m'arrive de temps en temps, ouais. Ça m'arrive d'être une merde. Ne dis pas ça à Ryu. Ah. Oublie pas que t'es notre petit prince à nous, Ryu. Merci mon frère Antoine. Salut. Je tiens à m'excuser. Pourquoi on entend ta soundbox en fait, exactement? Parce que c'est fait exprès. Il a setup pour. Parce que j'ai setup pour. Regarde, je peux même te faire un... Oh, let's go. Mais j'ai rien dit, Étoile, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien dit, Étoile. On a ça, on a plein de trucs, hein. J'ai plein de parce trucs. Parce que moi j'aurais bien aimé mettre genre... Vous m'entendez pas, quoi. Bah non. Si, on t'entend, t'entends. Non. Pardon, j'arrête. Ça me régale. Bon, je commence 12ème là, les gars. La honte. La honte, la pseudo du type. D'ailleurs, on aurait dû s'en servir ce soir. Started from the bottom. Started from the bottom, now we here. Et toi, je viens pour ton petit cul, hein. Ton petit cul parfait là. Ouais. Je l'ai maté l'autre jour, il est pas mal du tout. Let's go quoi. Ton cul parfait. Ouais, ton petit cul parfait là. Je viens pour ton petit cul parfait, Étoile là. Oh, tu veux le déguster avec du Nutella. Toute séance de bouffage de cul chez Étoile ce soir. Bah, tu sais, comme dirait Xavier, il a fait un sondage. Il a dit vous dormez comment dans. Enfin, vous dormez comment? Et moi j'ai dit dans un cul. Énorme. Ah oui, c'est vrai. Je pense que toi aussi, Antoine, du coup. Bah, le tien, prochainement, t'inquiète. Bah, là, je suis. Pas très Covid compatible quand même, tout ça. Ouais. Tu as une grosse carapace rouge là, c'est très bien joué de ta part. Ouais. Attends, oh, mais là. Non, mais là. T'inquiète, Étoile, t'inquiète, Étoile, t'inquiète, Étoile, t'inquiète, Étoile, IAR. Ah, bah, y'a toi. Vous allez vous déguster le cul, du coup. Mais c'est quoi cette phrase? Mais stop, hein. Mais stop de parler de déguster des culs, bah, là. C'est bon, elle voulait déguster le chanteur de Tokyo Hotel, on lui disait. Mais c'est pas comme ça. Avec des croix, de l'or. Alors, t'as dit littéralement, putain, Bill Collins, j'aimerais trop vous bouffer le cul. Tu le vous voyais, d'ailleurs. Bah oui. Ah merde, pardon, excuse-moi. Pardon. Bah bonjour, Antoine. Bonjour. Dungeon Monsoon, hein. Dungeon Monsoon surtout. Ce qui fait dire bouffer des culs en allemand, pas du tout. Bouffer des culs. Bah, tu traverses la Mosson, hein, comme on dit. Effectivement, c'est vrai que vous parliez de Nutella et de dégustation l'autre soir, c'était vraiment. J'ai trouvé ça très limite. Antoine. Oui, tout à fait. BOUM! Ah non! Oh non, je suis dégoûté! Je suis dégoûté! J'ai repris la confiance, Antoine Daniel. Antoine! Je suis dégoûté, Étoile. Oh, c'était quasi parfait. Oh non, j'ai eu, vous avez peur? Non, ça va. Non, pas du tout. Ouais, tout. Ça va. C'est tellement... Tellement soudain, quoi. Attends, ouais. Je suis tellement loin de Antoine. Oh, mais mec, mais putain, mais... un point de Ultia encore, il faut absolument que je batte Ultia. Merci Bubsy la BE pour les 6 mois de sub, Natsune pour les 6 mois également, Baby Love Daddy, Daddy pour le sub. Il en reste peu là, en plus c'est une des dernières. Ouais, il en reste complètement. Et moi j'ai envie de faire la route ruban. Route ruban. Je vais faire la piste au Dell, parce que j'ai trop de Dell avec mes Pinko. Avec mes Pinko, j'ai trop de Dell. J'ai trop de Dell avec mes. Et on fait la Noomba de temps en temps. La Noomba. Non, en trop. Attends, Pinko. Là, c'est moi qui gère. Un manquement de tu. C'est quoi, c'est Yen, non? Tu m'emmènes au concert. Oui. Oui, ça. Oui, c'est ça. Fatal Bazook. Ta na 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 na. Oh, c'est l'avant-dernière course. Ouais, je l'ai. Ah, on l'a déjà dit en fait. Attends, pourquoi le son s'est baissé d'un coup? Allô? Hein?
Allô. Oui. Allô. Oui. Quoi? Étoile. Étoile. Allô. Je viens de bouffer le cul, étoile. Le fait de saboter les. Étoile, fais gaffe, tu te fais bouffer le cul là. Je me fais bouffer le cul, mais je vous entends plus. Je vous entends. Bah si, bah si, tu nous entends la preuve. Bah si. Je vous entends très loin. Mais attends. Et pourtant, ça a rien changé sur mon live. Ok. Bah étoile. Vérifie si t'as bien une tarte. Si t'as une tarte aux fraises sous le bureau, étoile, essaie de faire gaffe. Ça peut créer des faux contacts, hein, la tarte aux fraises, attention. Fais gaffe. Mais j'entends plus rien. Ouais. Mais quoi, tu nous entends pas là? Je vous entends comme si vous étiez dans les grottes de Lascaux. Mais je suis. Mec, c'est impossible. La grotte de Lascaux est fermée, c'est Lascaux 2 maintenant. Est-ce impossible. Que c'est pas parce que t'as pas un live de lancer quelque part où t'entends le son d'un live? Non, non, non. Mais en fait, j'ai un faux contact, je vous entends quasiment plus. D'un coup. D'accord. Bah, vraiment. Et pourtant, dans mon live, ça change rien pour vous. Enfin, en fait, mon live, vous entendez très bien et moi, je vous entends quasiment. Et le son de ton jeu, tu l'entends bien ou pas? Non, non, en fait, ça vient de mon PC en entier, je pense. Mais tu l'entends. Non, mais le son de ton jeu, tu l'entends normal ou tu l'entends bizarre? Ouais, je l'entends oh non, quel gâchis, j'avais une étoile! Ok. Non, mais je vous jure, c'est très grave. Attends, et c'est quoi ta carte son? J'ai une AG06 de Yamaha. Ah, c'est le driver qui a pas été mis à jour en PT4 hier soir. Ouais, je pense qu'en EN. Complètement. Complètement. Putain, mais qu'est-ce que je fais jouer? Moi, je dois aller battre Lucia dans son peut juste focus. Si vous plaît. Putain, la course. Mince, que j'appuie sur un cerf. Bon, étoile, je suis désolé. Oh non, la bulle. Non, attends. Oh, let's go, JD. Ouais, t'as de la chance, j'ai fait le dérapage dans le mauvais sens. Trois rouges. Oh non. Ah, c'était deux. Oh non. Yes. Let's go, Antoine, let's go, je te baise. Merde. Non, non, tu me baises pas du tout. Non, je retiens. Oh. Oh, pop, 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 pop. Oh, le rebond. Attends. Ah, fais gaffe à la bleue. J'ai pas de rebond. Je viens pour te bouffer le cul, étoile. J'ai pas de rebond. Arrêtez. Mais putain, mais stop. Bah, qu'on va. Oh là là. Mais non, mais stop. Oh non. Non. Je vais chercher, j'y vais. Non, ouais, non pense. Okay. J'y vais. J'ai rien. Tu l'as fait. Let's go. Oh putain, non. La bite derrière et tout. Elle était super belle. Grigny la grande borne. Trois cadavres sol. On est là, sur l'épaule. On est là, on est là. Je suis très très grand ce soir. Très grand ce soir. C'est gagné. Plus qu'une course. Choisissez votre meilleure course. C'est faux, j'ai choisi la même que d'habitude. J'ai une envie de pisser. C'est allez, faut que je passe devant. Mec, juste pisse-toi dessus, s'il te plaît, je t'en supplie. Ok. Pisse-toi dessus. Pas de problème. Est-ce que c'est un motif de ban de se pisser? Ah, il y a Ponce qui pisse. Ponce pisse. J'ai l'impression que tu pisses dans mes oreilles, quoi, c'est un rire. Ouais, les chaises trouées. Oh yes, c'est trop bien, la route ruban. En fait, je comprends pas du tout. Si, il y a eu le parc baby ce soir. Je crois que ma carte son est morte en live. Oh merde. Ah merde. Mais ça ferait F. Pas ça. Bah, non, en gros, genre, je vous entends à 10%, genre. Mais tu vas... Très bonne série. C'est trop bizarre, ouais. D'un coup. C'est ultra bizarre, parce que... Bah ouais. Mais d'un coup, genre. Let's go les gars. Oh là là, quel enfer. La merde. En vrai, ça crée step up quand même. Oh là là. De quoi? De Rivendi, pardon. Je sais même pas, de quoi je parlais. Je suis 9ème. Oh putain, j'ai failli pas prendre l'objet. Et hop. Bah, attends, je Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Et toi, il a dit je vais plus jouer, je vais régler le problème, il est tombé. Non. Parce que ça marche pas. Après c'est tu peux dernière. Je te conseille de éteindre rallumer. Ah oui, mais il m'entend pas du coup, si. Bah si je t'entends mais genre vraiment de très très peut-être et franchement reboot ça peut aider quoi. Merci Shikitsune pour le raid et bravo pour le requin. Kitsune, let's go! Félicitations, mec, pour ce dessin! Incroyable! J'espère que The Pokémon Company acceptera ouais. Le deal! J'espère aussi! La bise à toi, Vincent! Putain de merde, je suis dépité. Oh non! Non! Oh putain! Ok. Ah oui. Oh non, comment ça la bleue? Oh bah si, hein, t'es premier, tu te prends la bleue, c'est comme ça! Hein, non, mais la bleue qui. Mais je me la suis pas pris, je l'ai dodge, mec! T'as que quoi? Ah, il a dodge!
Non mais la bleue qui prend le... ça dégoûte. Quoi? Ah bah on rentre dans une pièce là, ça dégoûte aussi. Hein. Oh non 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 non. Ok c'est bon. Pire item. Yves. Mais au secours. Mais quoi? Mais pourquoi j'ai encore une pièce? Je viens d'avoir deux pièces d'affilée en étant deux. C'est trop bizarre non? Bah je sais pas. T'as des problèmes de co. Enfin t'as Switch qui a des problèmes de co. Eh d'où tu critiques? Non, c'est vrai, mais... En vrai, quand t'as des problèmes de co avec la Switch, dans Mario Kart, ils te donnent plus que des pièces. C'est trop bizarre. Des problèmes de serveur ou je sais pas quoi. Source non, mais ça m'est déjà si. Arrivé. En vrai, j'ai déjà vu ça aussi. Okay. Ce bug, je l'ai déjà vu. Par contre, JD, attention, it's you against me. Ok, bah GG. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non. Mais oui, il est dans la map, Antoine, pourquoi non, il... C'est bon, j'ai eu un petit souci. J'ai eu un petit souci. Mais merde. Merci Poutre Malade 666 pour le Prime, merci beaucoup. Putain, la rouge qui est venue au dernier moment. Subtiliser la place du tien. Let's go. Snipe la verte et tout, putain. J'ai envie de tout casser. Ah merde, y'a Bowser qui a battu Florence, c'est dommage. Je me veux être par un PNJ. Ouais. Yes! Sur les 2-24 courses, je me bats ultia deux fois. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Mais en vrai, t'as step up, Florence, c'était avant-dernière tout à l'heure. Non, t'es 8ème. Putain! Ouais. Bah, techniquement, si. Elle avait fait quelques courses en moins sur le premier tournoi. Oui, c'est sûr. Ok. Let's go. Voilà. Content des sensas de ce soir, quoi. Bah, en vrai, ouais, t'as cool. Ultra. Il y a eu des bonnes sensas là. Je te remercie, frérot. Je te remercie. Je pleure plus que pendant le live, Spirit Fire. Moi aussi. Merci. Regardez, il me fume, il a déjà quitté la room étoile. Bah, il veut peut-être redémarrer. Ah, mais oui, je suis. Ouais. Mais c'est juste que c'est rigolo après. Je sais pas. Moi je vais faire un petit pipi, non, j'arrive. Faire un pipi aussi. On discutera de ça après. Si Smash est installé, je veux bien. S'il est pas installé, je veux pas. De toute façon, je pense que je vais couper le live. Ah, tu veux le coup. Bah, en fait, je peux pas jouer genre comme ça, c'est impossible. J'entends rien. Genre, je vous entends, genre, c'est trop désagréable. C'est chelou quand même. Bah, merde. De toute façon, moi je vais vous... Bon, écoute, on va s'arrêter là, moi ça fait quoi? Ça fait 5h16 ouais, de stream. Moi, je vais vous laisser aussi, moi je suis un peu claqué. Ouais, moi aussi je suis un peu claqué. Ok, bah je vais attendre que Ponce revienne de son pipi pour lui dire au revoir. Ok, carrément. Bah, en tout cas, wow. Je suis en dépression de ma longue. Bon, je suis quand même chaud pour Smash, mais. Non, mais moi je vais m'arrêter là en vrai. Je suis toujours chaud pour. Moi j'ai zéro niveau. Mais non, mais dis pas ça. Ah non, si pour de vrai, j'ai genre quoi, 15 heures de jeu sur Smash, même pas. C'est déjà ça, hein? Ouais! It's better than nothing. C'est déjà ça. Allez, je vais. Hop. Ah oui, oublie pas les mots de cœur sur Paint. Bien sûr. Ah, c'est vrai qu'elle va bien, c'est vrai. Il faudra que je fasse ça. Mais même là, elle aura un petit côté un peu acide. Avec le cœur un peu dégueulasse. Acide et acerbe. Quelle acide ambiance. Et acerbe, votre rendez-vous, évidemment. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, messieurs, dames. Eh bien, de même, c'était vraiment très cool. Et bah, c'était. En vrai, ça faisait longtemps et ça faisait plaisir. Bah, de ouf. Bah, c'est ça. C'était trop bien. Merci à vous. D'accord. Et c'était trop cool. Je vous souhaite une excellente soirée. JD qui est mute. JD est mute, donc je sais pas trop. Ah oui, j'ai dit. JD est mute. JD. Oh non, bah, on attend qu'il revienne pour lui dire au revoir. Allez. Merci, Rafi Bunny pour le Prime. De mèche pour les 100 bits. Bonne nuit. Salut, JD. Au revoir. Salut tous. Alors, du coup, quoi, il se passe quoi? Moi, on se casse tous. On se casse. Vous allez tous faire dedans? Ouais, complètement. Ouais. De mon côté. Ok. Et bah, salut. Super. Et bah, bonne nuit. Ciao, les amis. Au revoir. Salut. Ciao, au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Plaisir. Hop, bah c'était génial, c'était trop cool, on s'est bien amusé entre le Scriblio au départ, puis ça. Extraordinaire. Qui c'est qui est en live à cette heure-ci? Nio, il est encore en live? Bah tiens, vu que c'est son anniv, s'il est encore en live, on va le raid. Pef, je regarde juste. Merci Fire Hornet pour les 3 mois de sub, 4x pour les 3 mois. Merci beaucoup. Demain, probablement un live, je sais pas trop sur quoi. Enfin, du coup, aujourd'hui, je sais pas trop sur quoi. Peut-être qu'on continuera Alien ou peut-être du Jogasseur, je sais pas, on verra. On verra ce que j'ai envie sur l'instant. Hop. Et ce soir, l'anniversaire à Nio. Du coup, le message sera bon anniversaire.
avec un petit cœur comme ceci. Soyez gentil, c'est un de mes meilleurs amis. Et donc voilà, soyez cool. Et voilà quoi. Bref, je vous souhaite une excellente soirée, c'était trop cool. On s'est bien amusé, on a bien ri. Et j'espère que ça vous a plu surtout. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain probablement. Au revoir.